j'aime j'expliquer le time, you know what I'm saying? Yeah. Ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de parler. Yeah. Yeah. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Oui. J'te donne mon lexique, c'est toi que je t'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Oui. J'te donne mon lexique, c'est toi que je t'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. J'pas avant, veux dire, regarde ailleurs, t'es chauffé, j'te bagarreur. Yo, j'check, veux dire, à tout à l'heure. Un gros spliff, ça bat. Mon texte, un rap. Un homme, mais un homme. Yo, c'est un masque, on yes. Barbie veut dire les coches. Une bouse, une pute. Si je parle de Bunda, c'est qu'elle a un cul. Stimulant, c'est du beat. Faire du bruit, c'est une crise. Yo, dis, t'es en forme. Mais de la vie du weed. Un crosseur, fuck it. Bouge pas teus. Fuck yeah. Si je dis que ça reste en nous, donc c'est notre secret. Si tu as su, t'es wack. Je score, rejet. Si tu quêtes toujours du code, yo, t'es juste un grager. Du code, c'est l'argent. Un smack, ça vend. C'est pas juste. Démonte tes talents, la caille, tes domicile, la carte automobile. Le partner s'est fait descendre, y'a eu un homicide. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Oui, j'te donne mon lexique, c'est toi que je t'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Oui, j'te donne mon lexique, c'est toi que je t'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. Vague veut dire laisse faire, une tête enflée, je reste fier. Je dois me limiter au slang, au cas qu'il y a des babies dans le vestiaire. Grattoir veut dire fait de l'air, ça se poiconise, c'est dégueulasse. Une Bogota, c'est une vieille machine, ta job, ta gueule, cesse de gaspiller ta salive. Vu que j'aime chill, j'suis un chillet posé, râler c'est fumer. Un billet de sang, c'est un brownie. C'est beaucoup plus qu'un meilleur ami. Une dame sérieuse aussi, tease à gaspicette. C'est rhum, c'est de la dèche. Qu'on parle de la relève, c'est-à-dire on est next. D-Block, c'est Pierrefonds. What up, sac à fête. Live, c'est en direct. J'dis, moi, j'suis grand, c'est-à-dire j'suis sur une autre planète. Vu que j'te donne le time, tu connais un bout du slang clair et net. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Oui, j'te donne mon lexique, c'est toi qu'on leur j'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. C'est le slang de Montréal, yo, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, yo, c'est comme ça qu'on jase. Oui, j'te donne mon lexique, c'est toi qu'on leur j'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. Yeah. On est à Rap Politique, it's your boy KK. Si c'était le gang on was in the field, vous savez déjà. Oh, j'entends jamais rien quand il parle de son introduction. Émission sponsorée par Jamil, guys, vous savez déjà, sont fidèles au poste. Si vous avez une petite, you know, petite cocotte, vous voulez charmer, vous avez justement des fiançailles que vous voulez genre préparer, vous avez justement du ice que vous voulez mettre sur vous. Ils ont toujours provide depuis le début. Genre, il y a des personnes qui vont shop, après qui nous donnent un petit shout-out, ils nous taguent. Si on est content que vous êtes capable de pouvoir être, je pourrais dire, en contact avec les brands qui supportent Rap Politique. So, on est content avec ça. So, aujourd'hui, on a un gros live. C'est le premier live de T-Claude après sa superbe performance avec Shreez et EZS. Catastrophique. Comment tu sens à propos de cette performance-là? Dans les commentaires, j'aimerais juste savoir si vous avez feel le live. Mais pas le live, l'interview qu'on a fait avec EZS et Shreez. Mais toi, t'en as pensé quoi? Mais est-ce qu'on a introduit monsieur? Non, attends, on va finir avec toi avant. Ok. Oui. Mais moi, si c'est pour moi, si c'est pour moi, moi je trouve que c'est une grosse expérience pour moi. T'as deux rappeurs que tu feel, ils sont devant toi. Et tu veux... moi, ma stratégie, c'était tout... si je posais des questions, je voulais pas poser trop de questions à EZS et pas à Shreez. Moi, dans ma tête, je voulais juste vraiment balancer mes questions. Mais après, je suis trop en avance dans l'horaire que quelqu'un me donne. Là, quelqu'un me dit, yo, t'es... on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu là. Sur là moi, je voulais pas laisser l'entrevue juste se développer. S'arracher sur ça. Tranquillement, tu laisses Cyrano créer le mood. On pose une question, puis après, t'aurais pu aller. Ça arrive parce qu'à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, tu vas puis tu scores. C'est ça, moi je suis trop habitué, avec le Rap Politique Live. So, yeah. Amener comme le Rap Politique Live dans le vibe d'une entrevue. Et là, c'est pas. En plus, on est trois, tout le monde veut manger la même part du gâteau. Yo, c'est détruit. Parce que quand je réécoute l'entrevue, je vois que Kéké, là, c'est un gros wingman. Et toi et Cyrano, là, je vais vous le dire en live. Shout out, vous êtes des gros wingman.
Asif of the Year, PG of the Year, appelez ça comme let's vous voulez. Go, let's go. Des gros gars, man. Parce que pour le caca que j'ai donné dans cette entrevue-là, ces gars-là m'ont soutenu comme ça durant toutes les deux heures. Là, je crois qu'on a fait deux heures. Ouais. T'es solide. Moi, pour le reste, vous êtes fort. Mentalement, là, je vous le donne. Mais yo, on croit ton talent, puis yo, c'est pour ça que t'es là. Shout out à Cyrano qui est en Égypte. 3h du matin, en plus. Il faut qu'il puisse profiter justement de sa lune de miel avec sa dulcinée. So. Nice. De toute façon, Cyrano, il est branché là. So. Ah, il s'est encore marié? Oh! On va commencer parce que. Ok, hein? So aujourd'hui au studio, on a une des personnes les plus controversées. C'est un vlogger, c'est un YouTuber, c'est un TikToker. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est une personne qui a, je pourrais dire, l'esprit critique. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est qu'on a besoin de pouvoir développer des personnes qui peuvent donner leur opinion. Puis pas toujours avoir peur de pouvoir froisser les gens parce que les personnes vont mal le prendre. Puis c'est important quand même d'avoir ça. Fait qu'on a nul autre que Chris Negroski dans les studios de Rap Politique. Guys, make some noise! Moi, je fais pas de noise. T'applaudis pas? Mais non, mon chef, tu sais qu'est-ce que t'as fait? T'es un hater. Comment on appelle dans mon entrevue avec Izies et Suisse? Je vois, t'as mis ton commentaire, t'as dit, je suis dans le bench et les gars, c'est comme si ah, mon. Mais oui, arrête. T'es fou, toi, je suis dans Studying Five. Tu veux qu'on commence à parler de ça? On peut commencer tout de suite. On en a parlé, la performance. Était comment? C'était dur. C'est dur? c'est dur. On n'a pas fait des stats, je comprends pas. On a fait des stats à cause d'Izies oui, et Suisse. Après, si on juge le travail critique de journaliste. C'était tough. J'ai pas amené des sujets que t'as jamais entendu dans d'autres podcasts ou whatever. C'était très intéressant. J'ai regardé jusqu'à la fin. OK. Seule chose qui manquait, c'était de structure. OK, ouais, mais ça, sinon, je peux te le donner. Mais toi, un truc que je vais te donner, je critique beaucoup toi, mais au moins, je vois que tu réponds aux commentaires, puis tu prends la critique, tu n'es pas susceptible. Mais je ne peux pas être susceptible parce qu'à la fin de la journée, tu es trop, je sais pas comment on appelle ça, tu es trop mid pour que je commence à être susceptible par rapport à toi. Je suis pas avec TikTok, sauf pour moi, je vois pas. C'est quoi le rapport? Tout le monde est sur TikTok. C'est quoi le rapport des TikTok? Non, TikTok, c'est le monde qui te suit, ouais, peut-être, mais grand monde comme moi, c'est IG que ça parle. Instagram. C'est IG qui parle. C'est pas. Check, c'est je pensais TikTok, comme là. Toi, hein. Mais check là, tout le monde est sur TikTok maintenant. Ah ouais? Donc c'est toi qui es en retard là. Non, je suis vraiment en retard, c'est pour ça. Mais... Et je trouve que t'es mid, malheureusement. Bon, ok, on va ça, commence bien. Écoute, on a beaucoup de sujets à faire. C'était bon ce petit. Face à face. Réchauffement là. Mais premièrement, je veux juste savoir comment t'as commencé justement à faire tes vidéos YouTube, TikTok avant qu'on rentre dans les sujets. Moi j'ai commencé, ça fait longtemps que je fais ça. En ce moment j'ai 24 ans et moi je regardais Taboo Broadcast back in the days. Ah, le bon, lui là, il roulait Morel. C'était juste. N'importe quoi. Donc, tranquillement, j'ai un peu emprunté de lui. J'ai essayé de mettre un peu ma personnalité. J'ai grind tranquillement avec ça. Back in the day, c'était Facebook. Là. Facebook, quand ça bumpait, là, quand c'était organic reach. Mais t'es là. Jeune. Comment ça, t'as eu... Oh, 24, c'est pas si pire. Ouais, Tabou, c'était en quelle année, on va dire? Tabou, c'est il y a longtemps, là. 2012. 12? 11? 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 Après, j'ai arrêté un peu. Après, j'ai grind occupation double. C'est surtout pour ça que je suis connu au Québec. Ouais. Parce que j'étais comme, parce que moi, je me suis dit, elle est où l'attention? Occupation double, tu mixes les deux. Okay, ça mais là, t'en fais plus vraiment. Non, parce que, by the way, je vais régler ça ici. Moi, j'ai un beef avec occupation double. Wow. Parce qu'on va parler de mes controverses, right? Oui, c'est une de mes controverses. Non, mais ça va. Il est venu faire son PR, vas-y. Ça va aller là. Une des controverses que j'ai eues, c'est quand j'ai reçu un candidat d'occupation double. Je sais pas si t'avais suivi ça. Je sais juste que t'as fait cancel 60 000 fois ouais, sur une les fois, réseaux. J'ai jamais su vraiment c'était okay. chaque fois une pourquoi. Une fois, il y avait un candidat d'occupation double qui s'appelle Alexandre qui s'est fait renvoyer. Okay? Donc, il s'est fait renvoyer d'occupation double. Et lui, quand il se fait renvoyer, le jour où il reçoit son téléphone, le lundi, il me texte. Yo, je veux venir clear mon name d'occupation double. Parce qu'il avait fait des folies, là. Il voulait se battre, il jouerait des gens. Ok, lui qui est timide, je crois. Oui, mais il y a quand même 3 ans, là. Okay. So, on s'est rejoint à Montréal, au studio, on a fait une entrevue. Tu vois pourquoi je suis quand même indulgent avec toi? C'est parce que même moi, j'étais catastrophique dans cette entrevue-là. Ah ouais, mais moi, je suis pas catastrophique. Non, c'est la dernière... Toi, c'est one-on-one, je peux pas être catastrophique. Je sais pas si tu comprends. Ouais, one-on-one. OK, mais là, peut-être, là, avec Shreeze et EasyS, c'était catastrophique. Mais bref, on était... je fais une entrevue catastrophique, pas de structure, je prends ça à la blague. Surtout qu'il parle de sujets fucking sérieux, là, comme violence conjugale, agression. Puis moi, tu vois mon style un peu nonchalant et tout, je prends pas l'entrevue au sérieux, je publie ça, je fais pas de montage. Et à un moment donné, je dis un bail que yo. C'est devenu viral. Genre. Quoi t'avais dit? Parce que lui, il parlait que... En même temps, il y avait des rumeurs de lui qui harcelait des femmes, OK? Mais il dit... Oui. Yo, tu sais, moi, j'harcelais peut-être des femmes, là, mais tu sais, je suis pas allé chez elle pour la tabasser. Tu sais, lui, il dit ça, OK? Oh. Ça, c'est choquant, right? Sauf que moi, je suis là avec mon ami au studio, je suis comme... Ouais, tu sais, c'est comme... It doesn't matter. Puis après, plus tard dans l'entrevue, je dis... ouais, tu sais, des fois, ça se peut qu'un homme claque une femme. Oh! Ah ouais, j'avoue que c'est pas fort, ça. C'était... Puis là, on enregistre ça, no cut.
je publie l'entrevue, no cut. Et comme je te dis, dans ce temps-là, je travaillais au métro Mont-Royal. Je pose l'entrevue à 6h le matin, je travaille à peu près à 8h. J'ai plus de données mobiles, sur moi, j'ai pas Internet de toute la journée. Ouais. Je pose l'entrevue. Et à mon travail, personne ne me parle d'Internet. Ouais. J'arrive à 23h. Catastrophe. Ouais. Partagé de partout. La vidéo a déjà 80 000 views, un demi-million sur TikTok. Ouais. Je reçois des coups de fil des anciens matchs Tinder qui m'appellent. Ah, oh, ça marchera pas entre nous. Ah, les anciens matchs Tinder, et j'étais à, ce que les gens savent pas, j'étais à 24 heures de signer un contrat avec Occupation Double pour faire du contenu. Ça, désolé, t'as fait l'apologie de la violence conjugale. Yo, ça a été le début de la dégringolade. Comme à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Puis est-ce que c'est là que t'as fermé ta, t'avais fermé ta page YouTube? Ouais, là, là, j'ai pris un break de comme, je sais pas combien de temps, on va dire peut-être un an, mais comme, tout est tombé à l'eau. Mais comment tu te sentais là-dedans? Est-ce que t'es comme, t'avais des regrets? T'étais dépressif? T'es comme, si j'étais dans un grind, ou est-ce que t'aurais pu avoir des brand deals? Comme avoir Occupation Double, je pourrais dire, comme as a brand qui est collé avec toi, c'est sûr que t'allais juste skyrock. Ben oui, mais comment je me suis senti? Je suis tombé malade. Comme j'ai pris, c'est comme la grippe ou la fièvre, genre, I guess, le stress et tout, là. Je suis tombé malade, je suis resté dans mon coin pendant fucking longtemps. Mais c'est là que j'ai vu que c'est real. Comme Internet, c'est pas des jokes. Tu vois, c'est la vraie vie. On a des personnes qui... Il y a des vlogs qui a donné 5$ pour, en fait, insulter Chris. Negroski, tu es fake, tu gagnes 10 000, puis tu travailles à Tim Hortons. Bizarre, veut pas de toi ici. Bon, OK, ça commence. C'est avec ton gros front, là. Ensuite, shout-out à une autre personne qui avait donné 2$. Qui avait dit, je pense c'est à toi qui avait donné shout-out, non? Ouais, c'est à moi. C'est mon partenaire à Bibi. Shout-out à Bibi. C'est ça, il a dit, Tigo, c'est le goat. On sort le cowboy. OK, fait que ben là, t'es back sur TikTok, puis là, je vois que tu vas hard aussi, puis comme je dis, on a besoin d'avoir l'esprit critique. Faut qu'on va aller déjà avec certains sujets qui controversent avant qu'on aille dans les sujets et tout. Tu devais pas te battre avec Super Couscous? Yo, je devais me battre avec Super Couscous. Je crois pas que tu devais te battre avec Couscous, t'as pas ce grain-là. Yo, faut se comprendre que... Pause. No cap. First, that was gay as fuck. Mais comme. Mais t'es gay. Ma batte de te couper. Mais t'as dit dans une entrevue, dans un live, que t'es gay. On va parler de ça après. Okay, le truc avec Super Couscous. Moi, je suis pas un gars qui se bagarre. Ok. Je suis pas un tough guy. Mais tu t'es battu dans McDo. Yeah, mais je me suis défendu. Oh, t'es défendu. Et là encore, c'est une femme qui voulait te faire yeah, yeah. Mais là encore, avec Super Couscous, s'il y a quelque chose, je vais me défendre. Comme je suis pas un tough guy, mais je vais pas laisser quelqu'un de 30 ans comme. Venir me G-check. Mais là, c'était donc... quoi le contexte? Parce que je pense que tu devais te battre le jour de l'Halloween, genre. Vous allez vous habiller en boxeur. Super tout, Couscous, c'est que ben, tu connais la réputation du gars, les vidéos qu'il fait avec la police. Je savais même pas. Avant le clash avec lui, je savais même pas c'était qui. Non, non, c'est un grand. C'est gars. Vraiment à cause que c'était viral que j'ai regardé. Toi, tu sais pas c'est qui? Je savais même pas c'est qui. C'est qui? C'est Super Couscous, gros, je te fais. Je savais même pas. Fait que là, j'ai été le suivre à cause de ça. Mais ok, je te fais dans votre clash, je savais pas c'était qui. C'est un gars qui dénonce les injustices policières. Il y a raison de dénoncer ça. Se fait profiler. Mais bro, il conduit depuis 3 ans sans permis. Non, mais avant tout ça, t'as suivi un peu son histoire du début. J'ai suivi un peu. Quand il se faisait profiler avec la Infinity, là. Ouais, bon, c'est là que ça a commencé, okay. Là, quand il travaillait au casino. Ça, je peux accepter ça. Il se faisait profiler en tabarnak. Attends, Devla dit que Super Couscous va te caler. Ok, ben qui me cale. On va voir la vidéo sur Internet. En tout cas, si okay, mais continue, moi, je vais juste vous dire, cette histoire-là, si. Moi, je suis pas un gars, je suis pas un tough guy, mais si il vient me checker, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Je te le dis là. Tu peux dire que moi, je suis pas responsable de tes paroles. Je te le dis là, tu parles sur Internet fort, mais yo, la vraie vie, c'est la vraie vie, man. Je parle de quoi? Back in real city, bro. Malheureusement. Real city, ce gars-là, il est trempé dans la rue. C'est pas rapport de la rue. Mais tout le monde a son orgueil, bro. Ok, mais c'est ce que. T'as porté des gros. T'es un gars qui aime ça, comment ça, j'ai envie de dire. Comme ça, mettre du feu sur la mèche, tu comprends? À propos de? On va dire que okay, on va commencer avec les, justement, pourquoi le beef? Est-ce que c'est quand il t'avait posé une question, puis t'avais dit, je m'en fous de la Palestine, je m'en fous d'Israël? Est-ce que c'est ça ou. Parce qu'au début, il donnait des props, il disait comme ça que, tu t'exprimes bien, que t'es ça, on dirait que tu cherches à chercher de la brasser de la merde. Quelque chose. Fait, comment ça a commencé? Okay, Après, on va aller avec le tic sur qu'est-ce que t'avais dit. Il y a deux ans, il faisait ses vidéos, il dénonçait les trucs policiers. C'est écran et plus, là. Exact. Et là, j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai publié il y a un an, OK? Mm-hmm. Sauf que là, pourquoi c'est parti récemment? C'est parce que je lurkais sur TikTok et il était en live. Et là, il a dit, il veut me parler. J'ai rejoint le live. Et c'est là qu'on a commencé à discuter. Et là, lui, il avait encore ça sur son cœur parce qu'il trouvait que j'avais mal raconté l'histoire. Parce que la vidéo, elle était 20 minutes. Puis je l'ai stretch en comme une minute. Fait qu'il trouvait que j'avais comme raconté malhonnêtement. Ok, exactement. T'es malhonnête sur ça, non? Bro, la vidéo fait 20 minutes. Ok? Comment tu veux que je résume ça? Mais décortique-le bien. Parce que en combien de temps sur TikTok? Mais pense-y bien. Là, maintenant,
t'avais une voix dans ce temps-là. Mm-hmm. Je sais pas si t'avais une voix ou pas. Ouais, la vidéo a fait 400 000 views. Tu fais 400 000 views en une minute et la vidéo vaut 20 minutes. Mm-hmm. Et déjà là, Couscous avait beaucoup de problèmes avec la justice. I don't give a shit. Non, mais t'es con. Mais tu vois, dans toutes ces situations-là, c'est wack pour lui parce que le patron est déjà en train de fight un case. I don't care about his feelings. Yeah, mais là, le problème avec ça, c'est que là, maintenant, c'est comme si... C'est une personnalité publique. À partir du moment où t'es une personnalité publique, on s'en fout de tes sentiments. Wow. T'as publié la vidéo sur internet. Toi, who t'as cares? Pris, toi, avec l'affaire mais là, il est revenu à whatever, artless. Yeah, non, mais. Je peux dire avec cette façade-là, mais le partner, il était dans un down fou, là. I don't care. T'as des amendes de malade, t'as perdu ta femme, mm-hmm. t'as. Comment on appelle ça? Yo, t'es dans le down le plus profond. T'as et la en plus, toi, t'avais suivi, mais oui, yo, Couscous, c'est un gros. Est-ce que t'as la même empathie? Il va faire du cap sur lui. Est-ce que t'as la même empathie? Est-ce que t'as la même empathie pour moi? Mais je m'en fous de toi, je te connais. Exact. Mais moi, je m'en fous de lui aussi. Je te connais même pas. C'est le même raisonnement. Je m'en bats les couilles de lui aussi. Comment t'expliquer? Moi, je savais même pas que t'avais eu ton buzz occupation route double et toutes ces affaires. Tu vois, t'es en train de prouver mon point. Si tu t'en fous de moi, pourquoi moi, je m'en fous de lui aussi? Parce que t'acceptes que tu t'en fous de lui. C'est exact. Mais l'affaire, le problème avec moi, la situation avec Couscous, c'est quoi mon problème avec ça? Que le partner a froid avec Rime, je crois, de occupation double. Yo, et va pas sur un terrain dangereux. Rime, j'ai pas peur Rime, d'internet là. Il y avait un froid avec cette personne-là. Ok, mais c'est pas. Mais toi, je te mets du jus. Je te dis ça parce que tu sais pas de quoi tu parles. Non, j'ai pas dit jus. Non, mais quoi prononce je parle. Pas le nom de Rime parce que tu sais pas de quoi tu parles. Parce que si on va sur, je vais te montrer que tu te trompes. Ok, vas-y, montre-moi okay. que je trompe. Rime a dénoncé que le gars l'harcelait, comme elle craignait pour sa sécurité à un point où elle était de contacter la police. Moi puis lui, c'est pas le même genre de beef là. Ok, donc Rime. Ça, c'est elle puis lui. Okay. Elle était comme, yo, ce gars-là, il est bizarre. Mais pourquoi t'as commenté ça? Commenté quoi? Parce que t'as commenté cette partie-là qui faisait en sorte que Couscous paraissait bizarre. Il paraissait comme si c'était un harceleur ou whatever. Mais non, lui, ce que je viens de te dire? Il assume qu'il y a... Sur Internet, il y a deux versions. Non, mais il a assumé de vulgariser une situation qui était délicate. C'est délicat parce qu'à la fin de la journée... Comme moi, je suis Couscous, et Couscous, comment il amenait cette partie-là, c'est comme si lui voyait aussi de l'harcèlement d'un autre bord aussi, là, tu comprends? Mais lui, il voyait des personnes qui le followaient, ouais, qui le parlaient et tout. Et là, sûrement, il insinuait que c'était peut-être quelqu'un. None of my business. Et après, là, il disait, yo, moi, je trouve cette personne-là ressemble à cette personne-là et il faisait des liens comme ça, mais... Attends, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ok, peu importe l'affaire. Je comprends pas. Couscous, c'est pas là. Un jour, il va pouvoir se défendre là-dessus. C'est pas un point jour, il doit se défendre là, sur question, ça. Là, la question, c'est... T'es trop fou, toi. Fait que là, à partir de là, c'était pourquoi vous êtes pas battu? Bon, exact. Bon, là, il a dit rendez-vous. C'était un lundi, je pense que c'était la semaine passée. Il a dit rendez-vous et tout et tout. Puis moi, j'allais show up, ok? Mais j'ai discuté avec des gars de 30 ans qui ont dit « ça vaut pas la peine, ça va relancer une autre guerre noire, arabe, des bails comme ça, du beef. » Palikax, tu voulais plus pas handle l'affaire, c'est tout. Toi, tu veux voir des trucs comme ça, mais t'es le genre de gars qui va aller écrire R.I.P. quand il va avoir un shootout, quand quelqu'un va se faire poignarder. Tu m'as vu écrire des R.I.P.? Tu vois qu'est-ce qui se passe dans le game là? Toi, t'es le genre de gars qui est excité par des histoires Ok, je te pose une question. Vas-y. Okay. Si Enima était ici là, yeah. Tu lui aurais parlé de questions de comme ça, de beef comme ça? De ces politiques? Ouais. Non, c'est pas mes affaires. Qu'est-ce qui est dans la rue reste dans la rue. Ça aussi c'est pas tes affaires. De qu'est-ce pas mes affaires. Ce qu'on est en train de parler en ce moment. De. Parce que de Couscous et tout, ça aussi, c'est pas tes affaires. Non, c'est pas mes affaires, mais je dois parler pour lui parce qu'à la fin de la journée, malheureusement, il peut pas se présenter pour pouvoir te confronter parce que s'il te confronterait, je crois que ça serait pas fini bien et la réputation de rap politique serait à risque. On est pas obligé de faire ça à rap politique. Pour la réputation de rap politique, c'est juste pour ça que je te protège. Là. C'est moi qui te protège. Non, façon. La dernière chose que j'ai besoin, c'est de ta protection. Là, non, comme, okay, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas, je suis good. Je te protège beaucoup. Si je sais pas dans te protéger, là, j'aurais pu. Yo, les gars, ton lot, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire là. Okay. Ouais, live, là. Et ils vont faire ce qu'ils. J'ai pas peur. Ok, fait la journée. Fait que là, avec Couscous, c'est. You know what, il n'y a pas d'affaire de réconciliation. Maintenant, c'est vraiment un bif physique ou c'est vraiment vous avez comme enterré les haches de guerre pour dire qu'il y a des OG qui t'ont parlé. Parce que ouais, là, ben, exact. Ils m'ont dit, bon, ça vaut pas la peine de faire ce genre de choses-là. Surtout que ce n'est pas des histoires très sérieuses. C'est une histoire de création de contenu. Mais c'est pas sérieux. C'est ça, il y a beaucoup de clashs. Non, mais regarde, aux États-Unis, il y en a toujours des clashs entre des vloggers. Il y a comme Sassy Santana avec Academics. Il y a Joe Budden qui était genre contre fucking Nicki Minaj. Tu sais, ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Fait que c'est pas des trucs qui arrivent tout le temps. C'est sûr, des fois, il va y avoir des affaires de test, mais c'est pas nécessairement ça et tout. Genre, c'est pas un beef
sérieux. Il n'y a pas de question de femme, il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question de mort. Mais c'est ce que je veux dire. Quand tu mets l'intégrité d'une personne sur Internet, bro, il a mis la vidéo sur YouTube. C'est lui qui a posté ça sur YouTube. Non. C'est un créateur de contenu. À partir de ce moment-là, on appelle ça fair share. C'est genre. Genre, j'interprète le contenu comme j'ai envie de l'interpréter, puis je le partage comme j'ai envie de le partager. Mais ta diffamation, il y aura des. S'il y a des conséquences sur ta diffamation. Utilise pas des mots qui dépassent ton intelligence. C'est pas c'est quoi. C'est quoi, c'est quoi la définition de diffamation? Diffamation, c'est comme ça, on va dire. Je te connais en tant que négro, si whatever, et moi, je prends ton. Tu vois? Je te définis. Sauvez-le, quelqu'un. Non, pas ta raison, je me fais. Vas-y. Il utilise des mots qu'il comprend pas. Diffamation, on va dire par exemple. On a une situation entre moi et toi, et moi, je dis, ah, négro, ce qui est si, ça, ça. Et malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé entre moi et toi. Je diffame ton nom pour essayer de faire quelque chose qui n'était pas vraiment la vraie situation. C'est le cas dans cette situation. Mais dans cette situation-là, t'as pas la situation des deux côtés. Sur là, tu prends juste une partie de la situation, tu t'en fais qu'est-ce que tu veux. C'est qui l'autre côté dans cette histoire? Les policiers? Il y a deux côtés. Il a filmé les policiers. Donc là, j'ai la version du Super Couscous. Il manquait la version de qui? Des policiers? Mais je comprends pas. Là. Tu viens de dire qu'il y a deux versions. Là, on a eu la version de Super Couscous qui a posté la vidéo sur sa chaîne YouTube. Mais tu dis, par exemple, Super Couscous, il fait des vidéos, tu suis ses vidéos depuis 2 ans. Mais moi, je suis ses vidéos peut-être depuis 5-6 ans. Okay. Quand il y avait la Infinity, il se faisait profiler enragé, là, le partner. Quand il se faisait profiler, il est en train de crier que les policiers sont ci, les policiers sont ça. Où tu vas aller avec ça? Parce que là, tu me parles de diffamation avec deux points. C'est qui l'autre point? Parce que ça dit une histoire à deux côtés. C'est quoi l'autre côté? L'autre côté, c'est. Là, c'est pour dire. Quand tu parles de sa situation avec les policiers, là, moi, je te dis que tu le diffames déjà là. Comment? Parce que, c'est quoi la parce qu'à la fin de ma journée, le patin se faisait profiler, faut huir. On va laisser. Il sait pas la définition des diffamations. On va laisser. Est-ce que tu peux le sauver sur Google ou quoi? Regarde, la diffamation, c'est lorsque tu as une information qui attaque le caractère d'une personne, son intégrité, qui fait en sorte que sa réputation peut être en jeu. Mm-hmm. C'est pas ça qu'il faisait avec Couscous? Bro, c'est une vidéo sur YouTube que j'ai. Non, c'est que quand il y a quelque chose de public, ça appartient au public, tu as le droit de le prendre. Quand c'est la diffamation, c'est une information qui n'est pas publique, qui n'est pas vérifiée, que tu amènes à la lumière, qui fait en sorte que là, la personne peut commencer à te souffrir. Merci de le school, man. Merci. Okay. Pour dire. So, là, t'avais donné ton opinion par rapport à la situation en Palestine et Israël, et c'est quelque chose d'extrêmement, je pourrais dire, délicat en ce moment. Il y a des morts. Il y a eu une manifestation justement à la Place des Arts avec justement Free Palestine. Le monde connaisse ce qui se passe avec la situation. On voit des bébés qui sont tués, des hôpitaux qui sont explosés, des écoles. On voit qu'est-ce qui se passe justement à la bande de Gaza, qu'il y a des vivres qui doivent rentrer. Puis il y a toujours une affaire de c'est super délicat en ce moment, whatever. Puis lui, il t'avait justement parlé de ce qui se passe dans le monde. Puis toi, t'as dit, je m'en fous de la Palestine. Il m'a amené sur un terrain glissant. Ça avait aucun rapport à la discussion qu'on était en train d'avoir en ce moment là. Puis t'as répondu bold. Puis t'as dit ça. Honnêtement, j'ai répondu honnêtement. Et je pense que c'est un de mes défauts sur Internet. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire encore la même chose, que tu t'en fous de Israël et Palestine? Ça ne me concerne pas. Genre, je te dis, je me sens pas. Peut-être que tu vas. Peut-être si t'avais dit comme ça, ça aurait mieux passé. Oh, ouais, parce que il y a des personnes qui tu sais, qui savaient que t'allais venir aujourd'hui, puis ils ont dit justement, c'est cloud chasing, pourquoi vous l'évitez, c'est xénophobe, Chris aime pas la Palestine, c'est ça. Fait que là, t'es rentré avec, je pourrais dire, tu sais, dans le sens, t'as le droit de dire ce n'est pas dans mes priorités, parce qu'il y a beaucoup de personnes en général, ils regardent ça, puis c'est pas dans leurs priorités. C'est pas dans mes priorités. Ok, je te réponds honnêtement, c'est pas dans mes priorités. Mm-hmm. Comme je sais que ça touche des gens, c'est un sujet qui est vraiment. Et c'est peut-être là que j'aurais pas dû me prononcer là-dessus. Il y a des personnes qui sont vraiment comme émotionnellement. And I get it. Oh. Mais je sais, est-ce que j'aurais dû dire Free Palestine quand je suis pas je sais pas vraiment ce qui se passe, mais je fais ça pour me développer un capital de sympathie. Pas dire Free Palestine pour le dire, mais peut-être pas déshumaniser ce qui se passe sur le bord, parce qu'il y a vraiment des gens des enfants qui meurent, puis c'est comme, je pense le fait que si t'avais vu beaucoup de vidéos online j'aurais vu genre tu sais un petit enfant, un petit bébé, tu la prends puis tu vois elle est là puis elle est en train de trembler mais son corps répond j'ai pas capable, mais j'ai vu là à ce moment-là j'ai dit ok moi je fais mon phone, non, je vais pas regarder ça, j'ai dit ça that's too much, non mais j'ai vu mais comme tu sais je me renseigne pas chaque jour là-dessus, quand je le vois je le vois, mais comme... Ça vient pas te chercher plus que ça. Non, honnêtement. Comme l'Ukraine et la Russie n'est pas venue me chercher plus, tu vois. Mais c'est quoi, dans le sens... What do you care about? C'est quoi les choses qui, dans le fond, pour dire l'humanité, dans le sens que si tu vois quelqu'un qui arrive, qui marche, qui casse son bec... En fait, une des raisons pourquoi, c'est que je sens que je suis impuissant. Comme je vois pas en quoi je pourrais servir à la cause, genre.
C'est pour ça que je suis un gars qui va pas trop dans les manifestations et autres, parce que je suis plutôt cynique et je vois pas l'utilité de faire ça. Je vois pas en quoi on peut mais dire. Pourquoi je dis que des fois, il faut pas que tu le vois comme si tu dois changer le monde, mais des fois, tu peux faire une action qui peut inspirer qu'est-ce que ça va changer concrètement? Non, toi, tu sais pas les pas que tu peux faire avec des gens. Moi, tu sais quoi, à un moment donné, je pensais comme ça. Le moment où est-ce que, après, j'ai vu des jeunes qui ont eu des grosses positions, puis ils ont dit, c'est à cause d'une entrevue que tu avais faite il y a comme 10 ans. J'avais pris ton affaire, puis j'étais faire ça. Puis la personne est vraiment... Yo, y a... un partner, là, joue au basket avec lui. Là, yo, il était bully. On l'occupait pas. Un moment donné, il fallait que je puisse aller à la banque pour quelque chose. Je pense que j'avais ma carte d'assurance maladie à l'époque, puis c'était expiré. J'avais pas mes autres papiers. Puis il fallait que j'aille à New York, comme, tout de suite après. J'ai dit, get, yo, comme... Yo. OK. Puis lui... Pendant que la fille, il veut pas me servir, lui, il sort, puis c'était le gérant, mais ça faisait comme 7 ans que j'avais pas vu. Il m'a dit, oh, toi, tu dois le laisser passer. Ouais, mais c'est pas des procédures, tu le laisses passer. Mm. Après, il m'a dit, yo, thanks for everything that you did for me quand j'étais jeune. Juste des fois, des petits gestes comme ça que tu sais pas. Fait que je pense pas que tu vas dire, OK, je vais pouvoir dire, je pose un flag, puis nécessairement, à cause, j'ai posé un flag pour la solidarité de la Palestine, va faire en sorte que, ben, tu sais, il va avoir littéralement, genre, Netanyahou qui va s'excuser, genre, de pouvoir faire qu'est-ce qu'il fait. Mais peut-être juste dire, tu sais quoi, avec ton post, Chris, moi je sais pas ce quoi qui se passe au bord, mais tu sais, voici ce qui se passe, je t'envoie un lien, okay, puis peut-être la personne va aller en je pourrais dire ministre de la culture ou ministère des affaires, puis elle va pouvoir faire quelque chose, tu sais jamais, t'sais. C'est vrai que tu sais jamais. Ok, c'est peut-être là alors que je me suis trompé, parce que moi je voyais pas l'impact que je pourrais avoir. Mais c'est vrai que c'est indélicat de dire ça, parce que c'est une cause qui est parce très que t'es quelqu'un chère. De plus effleurant, je pense que tu le sais. T'es quelqu'un qui commence à avoir des fleurs aussi. T'avais aussi parlé sur, je pense, le contenu dans les cartoons. Mm-hmm. Que ça, t'étais contre? Ça, t'étais contre ça? Ça, c'était une autre polémique quand il... Mais si t'es capable de garder ta position sur ça ou t'es... Mais, by the way, je pense comme je pensais il y a un an. Il n'y a rien qui a changé là avec le... Parce que sur ça, c'est la seule, une des seules fois que je peux être d'accord avec toi. T'avais un bon take sur ça. Mais malheureusement, quand tu t'es fait bouler, on dirait que t'as juste lâché. On t'avait traité d'homophobe pour ça? Oui, mais ils m'ont traité de tout. T'as fait fermer ta chaîne, non? Ils ont shut down mon compte TikTok. Quand ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé. Le lendemain, mon compte TikTok était désactivé parce qu'il y a 20 000 personnes qui l'ont signalé. Genre. 20 000? Ouais. Quand même, hein? Ah non, ok, c'est 8. 20 000 personnes? C'est fou. C'est TikTok qui me l'a dit, parce que comme je les ai contactés, j'étais comme, ok, mon compte est shut down. 20 000? Ouais, t'as eu 20 000 mass report. Mais... Comme le talk était real en tant que parent. Parce que toi, tu dis que t'es parent, mais t'es même pas parent. Non, mais pourquoi je parle en mode, yo, on n'a pas besoin de voir ces trucs-là dans du divertissement pour enfants, mais des petits qui s'embrassent, des trucs comme ça. On n'a pas. Bon, je vais avoir des enfants, je veux pas qu'ils voient ce genre de bail-là. Et c'est un take sur lequel je stand même encore aujourd'hui. Non, ok, je croyais que t'étais un gars qui était, comment on appelle ça, t'étais une colonne fébrile. Non, je pense toujours ce que je pense. T'es capable de rester ferme sur quelques affaires. Ah non, je pense toujours ce que je pense. Et c'est là que j'ai vu. J'ai vu qu'est-ce qui se passe quand tu t'es fait moins. Ah, c'était malade. 20 000 quand même. Des personnalités publiques qui commencent à. Ah ouais! Mais parce que ça, l'affaire, quand t'arrives à avoir un trend avec le nom de quelqu'un, là, tout le monde veut abuser de ce trend-là pour avoir des likes. Ouais, j'ai vu Renzel. Renzel a essayé de. Ah ouais! Bah, lui c'est l'opportuniste par excellence. Oh, donc, il s'appelle l'opportuniste. Ah ouais. Il fait bon travail. Tu veux dire, ouais. Il fait un bon travail, non? Dans quoi? Ben, je pourrais dire à mettre. Tu sais, un peu à la shanking, là, que tu mets des choses qui se passent, puis tu vas critiquer les trucs. Les militants comme ça, on dirait que je les crois pas, man. J'ai plus important que s'ils développent un personal branding derrière une cause. Un trend qui est populaire, il y a Black Lives Matter, tout le monde est Black Lives Matter. Il y a eu une manifestation de Black Lives Matter pendant le COVID. T'en as revu une depuis? Non. C'est ça, ils ont vêtué le patin à Repentini, ils ont pas fait manifestation pour ça. C'est pour ça que je te dis que je me sens plus hypocrite. C'est pour ça que je te dis que je me sens hypocrite de dire Black Free Palestine, parce que si je suis pas en train de googler, puis je... Tu sais, c'est là que je me sens, genre... Je comprends ce que tu te dis. Non, mais c'est ce que je veux dire. Mais d'abord, toi, le Black Lives Matter movement, autant, toi, là. Toi, autant. Mais non, ils sont où? Ils ont volé l'argent de tout le monde. Et là, c'est juste ça que je te dis. C'est pour ça que je me sentirais illégitime de dire, genre... Free Palestine. Mais j'ai parlé, moi, j'ai des amis arabes et tout qui m'ont parlé, qui m'ont dit, ok, non, tu devrais peut-être te sensibiliser. C'est comme. C'est sûr, après, les relations étaient un peu tendues. Ouais, tendues. Là, j'étais comme, ok, ouais, je vais me renseigner. Mais c'est comme, je trouve ça hypocrite, même, de faire ça. Je suis d'accord avec ça pour l'hypocrisie. Un truc que je reprocherais à Renzel ou Denzel, c'est que comme. C'est facile de dire. Les médias, ils nous veulent jamais, mais quand lui, il peut être invité pour représenter la cause et que ça va l'aider à vendre des billets, ok, là, il est là et puis il part en courant. C'est comme. Faut que tu choisisses ton combat. Soit tu fuck avec l'industrie ou tu fuck pas avec l'industrie. Ça peut pas être comme pick and choose
politics quand ça te convient. Wow. C'est juste ça. Il y a beaucoup d'opportunistes d'activistes à Montréal. Bro, que tu regardes puis tu peux faire 10 000 mais c'est quel activiste posé à Montréal que tu vois puis que tu dis ok. Des activistes. Je pas nommé. Non, je sais pas nommé. Non. Activistes. Il y a Emily Nicolas, il y a Will Prosper, il y a Renzo, il y a Ricardo Lamour. Ouais. Attends, tu connais les bons quand même. Prosper, j'ai entendu le nom. Ok. Ouais, Prosper est fort. Webster, tu le considères comme il est pas à Montréal mais tu le considères comme non, c'est beaucoup plus un historien qui. Ok, ben aucun de eux que je suis genre. Okay. Non, mais c'est pas caca. Je sais que tu les connais. On va dire non. Black Girl from Laval, par exemple. Ça, c'est des grosses militantes du. Oui, mais elles ont pas de reach. Je trouve qu'ils ont comment elles ont pas de reach? Ils ont un mini reach. Ok, quand toi, même. Dans le fond, toi, t'es juste venu pour vouloir juste. Attends, mais elles ont pas de reach. C'est-à-dire qu'ils ont du reach. C'est juste qu'ils ont pas. Dans le sens qu'ils ont pas de reach, dans le sens qu'ils ont pas de buzz. Ouais, comme leur message. Ah, ok. Il sera acquis. Il sera acquis. Mais à mon avis, ils ont eu une entrevue avec le gars qui s'occupe du racisme au Québec, là. J'ai oublié quoi son nom. Tiben, je crois, il s'appelle. Et ils ont Tiben, eu... non. Ils ont eu une entrevue avec lui. Non, lui, c'est un ministre, je pense, de la culture à la CAQ. Ouais. Et puis... ça, ils les reçoivent juste pour avoir un quota, les noirs. Ouais. En plus, là, ils ont le double quota. Il y a une noire et une grosse. Fait que là, ils sont contents. Là. Oh c'est comme... okay. Quoi? Mais moi, je comprends pas. Comment les gars sont choqués par des mots? C'est pas mais une insulte. Mais c'est là. Mais non, okay, excuse-moi. Donc, elle est pas grosse. Qui? Une des trois filles de Black Girl from Laval. Oh shit, là t'as dit, je fais un quota. C'est là, j'ai l'impression. À mais... cause d'une noire et. Mais oui! Ah, t'es fou! Mais c'est un. C'est ta faire. Yo, t'as faire contre celle fou. Ça, mais... cette entrevue-là. Yo, t'as eu. Regarde, y'a ça. T'as eu, we're gonna get cancel for that. Non, comment? On s'est fait démoniser déjà depuis le début. Ah là. Ouais? Oui. Oh, parce okay. que l'affaire, c'est quand. Puis des fois, il faut que t'acceptes. Quand ça l'est pas, puis il faut que tu acceptes des conversations real, ça se fait. Ok, c'est real, j'ai resté real avec toi. Je pense que si on est trop passé ou, you know. Yeah, c'est plus real. C'est ça, whatever. Puis de toute façon, on a cru ces grosses filles. Ils ont fait une femme. Depuis qu'il est venu, tu savais que ça allait démonétiser. On a su. Là, ils ont rempli toutes les quotas. Ils ont une femme, ils ont une noire. Il manquait juste une lesbienne, puis qu'il manque un pied là. Mais peut-être. Je crois qu'elle est peut-être lesbienne aussi, parce qu'elle fait du contenu. Ok, mais là, ça regarde la salle. Non, mais moi, c'est tout ça pour dire, quand ils invitent des noirs comme ça, c'est souvent pour des quotas. Et moi, ça me verrait qu'on s'excite pour ça. On est tellement naïfs. On dirait qu'il n'en faut pas beaucoup pour nous pour être comme « Oh my God, il faut que... » Toi, tu dis « nous », tu parles de qui? Ben, nous, les Noirs. Non, moi, toi, peut-être. Non, tu sais qui moi, je ne me rends pas dans ces affaires-là. Le TikToker Dominique Babin? Non, je ne connais pas ce monde-là. Je ne suis pas un TikTok. Dominique Babin? Ouais, c'est un blanc qui fait comme... comme s'il parle comme un haïtien, genre. Non, je connais pas ce gars-là. Mais non. Moi, je suis un ex avec IG, bro. Non, laisse tomber. Mais ça, je te dis, tu me parles des affaires de Timoun. Mais on va dire, qu'est-ce qu'il fait un peu Dominique Babin, je t'en dis. Ouais, exact. Comme il fait quoi? Ben, il parle comme un haïtien, là. Ben, comme on a déjà vu plein de fois sur Internet. Puis comme les Noirs sont contents, là. Ils sont comme, yeah, ils sont leur il en faut pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup pour qu'on soit. Il faut pas beaucoup, mais tu vois, pour ta clientèle, ta communauté, il n'en faut pas beaucoup, tu comprends? Si toi, un gars comme toi est clair. C'est quoi sa clientèle? Est-ce qui ma clientèle? C'est la même clientèle que n'importe qui je ici. Je crois là. Pas. Mais ta clientèle, je trouve vraiment, c'est une clientèle de petit bébé. Tu comprends? Ça parle bien, ces affaires. Petit bébé, ça veut dire. Bébé, c'est comme si c'était des imbéciles, genre. Parce que, pense-y bien, un gars comme toi. C'est les mêmes imbéciles qui écoutent. Rap politique. Oh, tu crois? Bro, tu penses que. Moi, je vais pas. Moi, je crois pas. Tu penses que les gens qui follow Chris Negroski follow pas comme. T'as l'impression qu'ils vont juste sur Internet pour me regarder. Crois vraiment. Non, mais parce que toi, t'avais battu aussi une grande clientèle de OD qu'on n'a pas nécessairement. C'est cher? Oui, mais fait qu'il y a des personnes qui, tu sais, ils sont très genre dans le côté genre télé-réalité que nous, on n'a jamais vraiment eu quelqu'un d'OD à part Kairi parce qu'il était DJ. Yeah, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je reçois souvent cette. Les gens me disent souvent ça, ta clientèle, c'est des blancs. Non, mais tu veux dire par non, pas de blancs, oui, moi, genre, non. Non, parle français, c'est ce que tu sous-entends. Parce qu'à la fin de la journée, je sais pas c'est qui ta clientèle. Yes. Je sais même pas comment tu sous-entends t'es que les gens que tu parles, c'est des blancs ou les eux que tu viens de dire. Il y a pas de couleur dans mes termes. Le terme que tu viens d'utiliser. Pour dire que moi, je crois vraiment ta clientèle, c'est des imbéciles. Il n'y a pas l'affaire de couleur. Et dans l'archétype là, de la personne que tu représentes qui suit typiquement Chris Negroski, c'est un blanc ou un noir? Broski, tu peux pas mettre de couleur sur non, mais le bon. Conscient intellectuel de et, quelqu'un. Et la langue de bois. Non, mais on est venu ici pour parler français. Non, moi, je parle français avec toi. Je dogzob. Okay. Je dogzob. Oui, je connais pas la clientèle. Okay, mais comment je te connais pas. Tu la connais pas, la clientèle. Mais comment Québec, comment ce que j'ai compris. C'est sûrement la ville de Québec te suit. C'est comme ça que je le vois. Si tu connais pas la clientèle, comment tu es capable de dire que c'est des imbéciles? Parce qu'à la fin de la journée, si un gars comme toi a un reach, c'est quand même fou. Ça veut dire, moi, je souligne tout de suite que c'est des imbéciles. Parce que, on va dire, tu vas prendre des positions sur les affaires de noir. T'as la misère à faire deux phrases qui font du sens.
silence. Hein? Je sais pas. Il est sorti, il fucking quoi. Non, mais c'est vrai. Je suis en train de parler. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis en train de parler, tu comprends pas qu'est-ce que je dis. Non, je comprends pas. Tu comprends rien à cause que je suis en train de parler en slang ou tu comprends rien parce que t'as pas de quotient intellectuel. Parce que là, t'essayes de me faire paraître pour un imbécile. Mais oui. Mais je crois pas que t'as toute cette intelligence-là non plus. Là. Je te dis que quand tu fais des phrases dans ta tête, ça fait du sens, mais quand tu les exprimes, on comprend pas. C'est impossible qu'est-ce que tu dis. Mais je comprends pas les idées. Quand je suis à la rap politique et les gens ont entendu mes textes, ils ont dit yo, je file qu'est-ce que tu dis, je file ton concept, je file le texte que tu dis parce que toi, t'as pas ta langue dans ta poche. C'est-à-dire, ces gens-là me comprenaient pas. Non, mais c'est juste que tu dis. Mais t'arrives à me répondre, c'est-à-dire, tu me comprends. Oui, je te comprends. Je te comprends relativement. Tantôt, t'as essayé d'aller sur une explication de il a dit de sauver. Ok, là, on a 10 $ de Freddy. Si Claude prend un brick, laisse quelqu'un prendre le lit, t'es trop émotif, la COVID devrait être ultra weird et wack. Ma question pour toi, si Claude, c'est que est-ce que tu acceptes le fait que lui, il profite de son free speech? Il doit profiter de ça parce qu'à la fin de la journée... Est-ce qu'il a le droit de pouvoir avoir sa plateforme pour dire... Je vais faire ce que je veux faire. Parce qu'à la fin de la journée, si vraiment il va à un autre niveau, c'est lui qui va devoir deal avec sa clientèle qui vont le cancel ou pas, ses followers, ou ça va être des plateformes qui vont dire. Fait que c'est lui qui va devoir reach avec ça, tu sais. Mais un gars comme Chris, parce à la fin de la journée, j'ai pris des takes catastrophiques. Je suis rentré comme Chris, je suis rentré derrière la porte, tu comprends? Je peux pas hate son grain, tu comprends? Le partner est rentré, il y a son reach. Ouais. Je peux pas dire il est bon ou mauvais pour la culture parce que j'ai pas cette connaissance-là. T'es pas rentré par la porte, on t'a mis là. Hey, t'es fou quoi? T'es un industrie plainte. T'es fou quoi? On t'a mis là. C'est qui l'industrie qui m'a planté? Vas-y. Le gars qui est à ta gauche. Ça veut dire il m'a planté? Oui. Ça veut dire j'avais pas de reach avec Snapchat et tout? T'es fou quoi? Ça veut dire 18 000, il est tombé du ciel? Toutes les lettres sont passées après moi, ils ont fait quoi? Snapchat? Mais tous les gars qui sont passés après moi, ils ont. Pourquoi tous les lives qu'ils ont fait après moi? Moi, mes lives, ils font mes views, ils font. J'ai mon contenu. Mm-hmm. Quand eux font leur live à eux, pourquoi ils font pas le même reach que moi? C'est pas Cyrano là qui a fait le 18 000 là. Donc, t'es fou quoi? Quand t'es arrivé sur la politique. Mais non, réveille-toi là, frérot. Quand t'es arrivé sur la politique, les gens te connaissaient déjà de Snapchat. Ils connaissaient Bin là, t'es fou quoi? Je suis outside, je suis dans le street, dehors. Personne. Je suis dehors. Moi, je te connais pas non plus, bro. Personne utilise Snapchat. Je connais pas non, bro. Personne utilise Snapchat. Avatar, quand il est venu à la politique. Personne savait c'était qui? Savait pas que c'est qui Avatar? Toi, non, parce que t'habites à Québec. Je connais la majorité des personnes. Mais t'habites à Québec, frérot. Pourquoi tu parles avec des gars comme nous? Il y a Snapchat. Il y a Snapchat à Québec. C'était fou. Il y a Internet à Québec. Ça veut dire Dombo Yo qui bombe sur Snapchat. Lui, tu pas lui je le connais. Mais donc, mais ton avatar. Mais pas comme si tu connais tout. Là. Ton avatar. Donc, okay, t'es fou. Quoi? Genre, c'était entertaining. Ok, je te laissais passer sur celle-là, mais yo, commence à brancher ta tête, là, frère. Non, ça, c'était juste pour réchauffer la place. Non, j'ai réchauffé la place, mais yo, le partenaire est fou. Demande aux gens dans le live s'ils connaissaient T-Claude avant. Non, mais là, t'as posé ta question et tout. C'est ça, les gars qui me l'ont dit. Quand j'avais Kébel, j'avais Shui, j'avais tous les gars qui me followaient sur Snapchat. Tu crois que c'est pourquoi? Pour mes beaux yeux, t'es fou, quoi? Attends, pose la question. Binder, donne date, là. Pose la question au live. T'es fou. Pose la question. Est-ce que. J'allais au school avec Izias, ça veut dire, les gars, je connais pas Dinadan, Dindev. Ok. T-Claude, est-ce que vous connaissiez T-Claude avant? Et si vous connaissez Chris Nogroski avant TikTok? Ouais, va pas sur. On peut aller là-dedans là. Okay. Nogroski, on connaît pas là, frérot. Toi, tu crois qu'on te connaît à cause que t'as un following sur TikTok. Mm-hmm. Ton following sur TikTok, tu les as décortiqués. T'as dit c'est qui? Sur nous là, on est à Montréal et moi je suis dans une communauté multiculturelle. Vous allez décider. Ça veut dire que tu crois quoi? Ok. So les gars te connaissent pas, non, frérot? On ne te connaissait pas avant. Tu prends des grades que t'as pas, non, frérot? Ok. Fait que là, les personnes ils répondent oui, non, non. Il est fou ce gars là, non, mais les gars ne connaissaient pas. Oui, attends, attends, on va aller, puis après on va aller dans les sujets qu'on a et tout. Oh, ça c'est bien, réchauffé, ça j'aime bien. Je le donne, mais. Je voulais voir vraiment. La chimie entre les deux, est incroyable. On connaissait pas Tiklo. On connaissait pas plus, frérot. De loin, by the way. Yo, ok, so, yo, y a plein de commentaires. C'est comme ça que les mondes d'occupe à 112 là, tu crois que t'as un cloud? On s'en fout d'OD là. Je me rappelle, le seul OD que je me rappelle, c'est quand il y avait Claudie. C'est le dernier OD que j'ai écouté sérieusement avec celui avec Steven. Parce que j'allais les gens me suivent pour ma personne. Mais tu vois, Steven, bon, qui trouve me suivent pourquoi? Pour parce que t'es un industry plant. Tu trouves que t'es un industry? Oui, industry pionnier. Il t'a déjà à parler. C'est vous qui rentrez dans les bails. Le partner est fou, là. Vous avez un bail que vous voulez vous dire depuis le début. Stackbone est rentré en même temps que moi. Rappelle-toi, Stackbone, dans la même entrevue, j'ai pété. Lui aussi, Stackbone est quoi? Il est inconnu au bataillon, lui aussi. C'était fou, quoi. Il est inconnu au bataillon. So, guys, on va commencer avec un sujet léger et tout. Cyrano, shout out, il est en Égypte. La track à Cyrano, comment on l'a trouvé? Elle était bonne. Genre, je l'écoutais, c'est bon. Le replay value de ça, je le réécouterai pas trop. Mais pour une première écoute, c'est bon. Genre, j'ai écouté pire. Par exemple, Fouki et le dernier son de Fouki. Avec Soulja. Ouais, ça, j'ai pas aimé ça. Mais ouais. Le son de Cyrano est bon. Mais qu'est-ce que t'aimes? Comme je t'ai dit, j'aime tout ce que t'aimes. Hein. J'aime.
le rap street, tout ce que t'aimes, j'aime. C'est cool. Mais ok, nomme-moi des gars street. Comme j'ai dit off-cam, il a un flow de 2006. C'est un flow de comme. Il a son flow de son année, mais comme c'est pour ça que ça ne plairait pas particulièrement à un public jeune. Mais sinon, j'ai aimé. Est-ce que l'instrumental a fait en sorte que ça a actualisé... L'instru l'a sauvé, frérot. Mais est-ce que le beat passe? Ouais. C'est ça le problème. C'est pas... Le beat, je peux pas dire le beat passe pas, je peux pas dire le beat passe. Tu sais ce qui arrive, c'est que Cyrano est tellement pourri, c'est quand oh, il commence... Mais non, vous êtes malade, guys. On va dire les vraies affaires. Je peux pas être dans la blague du partner, ma bad. Cyrano est tellement pourri que quand il fait quelque chose qui fait un peu de sens, on le overhype comme si c'était un 9 sur 10. On va laisser Cyrano appeler tantôt aussi, guys, pour que Cyrano a aussi l'opportunité de défendre. Mais pense-y, tu te rappelles le beat qu'il a fait avec J7? Oui. Yo, le beat était bon, mais le problème, c'est que tout le monde était là, oh, Cyrano. Mais l'affaire, c'est J7 aussi à bombe et les gars sont juste allés sur leur temps. Mais c'est parce que le partner est tellement pourri qu'à un moment donné, quand on le voit fort, on dit oh, tout le monde devient fou. C'est attends, comme si. Il est pourri, tu vas pas un peu fort. Il est pourri, bro. Arrête, là, quand il joue à musique plus, on va dire. Non, mais moi et toi, on sait ça, c'est une fraude. Yo, il est fraude, là. Oui, il est rentré par la porte de derrière et c'est prêt, là. Ça, je suis d'accord. Bah, Cyrano, best, là, ça, il est pourri, là. Parce qu'il va se il y a pire que lui. Non, mais Cyrano, ça dépend du track, ça dépend comment on l'encadre. Tu comprends? Ça dépend des productions. Il y a des tracks que j'aime, il y a des tracks que j'aime pas. Mais il a fait des rimes en L tout le long et là, tout le monde devient fou. Ça, c'est là que je sens qu'en tant que rappeur, il est quand même faible parce qu'on dirait qu'il y a le complexe. Écoute, les bars, nobody gives a shit. Okay? Wow. Dire j'ai des bars. Bro, tantôt, j'écoutais un des rappeurs politiques qui était avec lui. Il a dit je suis une balance, fait que je pèse dans le game. Tu te souviens quand il a dit ça? Comme ça, c'est une punchline. Ce gars-là est fou, là. Parce que lui, il aime ça faire Cyrano, Kéké, son sage. Non, mais parce que Cyrano va appeler, il va défendre son point. Il va défendre son point, mais parce que l'affaire, c'est que Cyrano, moi, j'écoute vraiment beaucoup de rap politique. Et lui, c'est le genre de gars qui va prôner l'école, qui va prôner beaucoup de choses. Et là, quand tu l'entends rapper, il rappe comme un partner de 5 ans. Mais tu vois, comme un partner de 5 ans, tu es là en train de prôner l'intellectualité. Qu'est-ce que tu fous? Wow. T'as pas tout ce cerveau-là. Les bars, là. C'est pas important. Broski. S'il actualisait son flow, il serait beaucoup plus efficace. Broski. Comme les bars, là, après on s'en. Arrête, là, on va dire j'entends un cartel, j'entends un connaisseur. Tu vois, ces gars-là font travailler mon cerveau. J'entends un loss. Ouais. Ces gars-là me font travailler mon cerveau. Là, j'entends un partner qui va dire j'ai Bangkok, ta femme sur ta gauche, Bangkok, la taille. Bangkok et la taille. Après, il va faire comme si c'est comment on appelle ça? C'est Einstein. Comment, bro? Mais si, les gens, ils aiment. Bill Halo. Non. Qui aime ça? Vous êtes dans le live. Dites-moi qui aime le dernier track de Cyrano. Pas parce qu'il s'est amélioré, parce qu'il est vraiment bon. Yeah, vous trouvez qu'il y a de la texture dans sa musique. Attends, ce que moi j'ai dit, c'est. Non. L'affaire, c'est que. Est-ce que. C'est des faits ou c'est. Fait, straight. Ouais. Kéké, pourquoi je serais en train de cap dans ton show? Ok, c'est juste ça. Le flow juste, est périmé. Cyrano, t'as entendu les gars, Kéké, m'a appelé. Kéké, sur ce beat-là, tu as trouvé qu'il s'est démarqué côté lyrics? Yo, c'est vous qui parlez. Non, vas-y, moi je t'entends, ton texte. Le flow est un peu. Ben, tu sais, il y a des tracks. Il y a des tracks que je préfère de Cyrano, que je dis ça comme c'est mieux. Puis il y en a d'autres que j'aime mieux. Je peux pas, vraiment faux. Tu vois, je serais politicien avec toi, Cyrano. Regarde, on va parler tout de suite de ce sujet-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Vas-y, on va parler de ce sujet-là. Puis je pense que j'étais formé. Puis il y a une personne en plus, un rappeur, producteur, je pense un visionnaire aussi, qui est sur la ligne aussi. Faut qu'on va tout de suite embarquer déjà dans ce segment-là, qui est la disque. En fait, okay, nice. Ça c'est vraiment le talk de la ville. Moi, j'ai pas partagé nécessairement. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, quand tu fais une idée par rapport à quelque chose, s'il faut quelque chose de bien, c'est bien. S'il faut quelque chose de mal, j'ai pas nécessairement un sentiment que je vais. Mais c'est que il y a ce côté genre comme love and hate relation que on a envers la disque. Que c'est très, je pourrais dire, délusionnel. C'était fou là. Ouais. Elle qui a gagné clip de l'année là. Ça, c'est un des plus gros. On va parler de ça qu'on a jamais vu, frérot. On va laisser un artiste qui... Ah ouais? De respect. Ouais, vas-y. Fait que pas... Ben, tu veux laisser... Ouais, laisse l'artiste parler en premier. Moi, je veux qu'il s'exprime, hein. OK, on a un, c'est ça, un appel de Lebza. On a Lebza rire. Oh, nice. C'est Lebza même? Nice. Mais attends, juste avant de mettre Lebza, moi, je veux juste donner un petit shout-out à Cyrano quand même pour avoir osé step up sur un beat différent comparé à tout son boom-bap qu'il avait fait avant. Shout-out. Mais ouais. On va dire, tu vois le cover qu'il a mis pour Overtime, tu trouves ça un bon cover, comme
comme non, moderne. Non, moi je veux dire, il m'a donné trois covers, puis j'ai choisi avec lui, j'ai dit ben yo, dans les trois covers, c'est lui que je trouve qui est moins. Mais ça c'est vieillot. Tu dois apprendre à se moderniser. C'est pas ça, il m'a donné trois covers. Mais les gens, ça le quatrième. T'as pas vu les autres, l'autre c'était un sablier dans le désert. T'aurais voulu ça? Ben yo, j'ai aidé. Moi la chose, c'est que je vais aider mon partenaire le mieux que je peux, mais je peux pas te l'aider. Fais attention à ce que tu dis, parce que c'est moi qui ai fait le cover du single. Mais attends, le sablier, je suis d'accord. Kéké, t'as vu le cover sablier? Ouais. Je suis d'accord, il était pas bon, mais je l'ai donné. C'était trop simple. Je l'ai donné juste parce que Cyrano, au début, c'est ça qui m'a demandé de mettre un sablier pour le concept sablier, de Overtime. Mais après, j'en ai fait avec des cadrans de montre, puis en tout cas, c'était le meilleur choix. Puis il a penché là-dessus grâce à toi, puis Jack Hardy aussi qui avait dit c'est un des meilleurs. Alex, regarde, c'est ça, regarde, fait qu'on met Lebza pour parler de la disque. On a Lebza, est en line. Shout out Lebza. Ok. Mettre le volume peut-être. Lebza, t'es là. On n'a pas allumé le volume. Yo. Ok, il est là. Yo. T'es là, bro? Yo, vous m'avez fait trop attendre là. Ah ouais, on dirait que t'es en train de faire un cabicha là. J'étais assis, tu vas faire un autre bail. Elle vient de raccrocher la ligne. Non, on est là. Anyway, ça va pas être long. On va juste garder 5 minutes parce qu'il faut qu'on puisse couvrir. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent appeler aussi. Fait que toi, par rapport à cette année, la disque, par rapport au fait que le vidéo de l'année, c'était gagné par une personne que les gens. Ben, tu sais, ils trouvent que c'était pas nécessairement représentatif. Toi, qu'est-ce que toi, probablement, en tant que. Parce que, tu sais, oui, t'es un rappeur, mais t'es un producteur aussi à la base. Fait que toi, c'était quoi ton take par rapport à la disque? C'est que you still care about that gala ou t'es comme ah, j'aimais pas checker le bail? Kéké, combien de fois je t'ai dit et je t'ai répété, on est dans une industrie différente, nous. Mm. Après, je regarde même pas ces bails-là. À la fin de la journée, mon panel, comment il s'appelle, David de Cartel, là? Ouais. Il m'a dit, viens, bye, pull up. Là, je dis, OK, normal. Mm-hmm. Là, je vois, il me dit quoi? Il me dit, l'étiquette du mercredi, c'est 250. Il m'envoie le lien. Oh! Le lien d'achat, c'est 250 gouttes, puis dimanche, je pense, c'est comme un bat. Oh, shit. Quand même. Jure. C'est pas qu'on n'a pas de bread. C'est juste que, yo, why the fuck would I pay for that bullshit? Mm-hmm. Mmh. Attends, je comprends pas. Un bat pour aller juste regarder les prix qu'ils vont se donner et tout? Sachez qu'il y a des personnes de la disque probablement qui regardent l'émission aussi. fait que ça va être des choses qui vont être importantes. Pourquoi que je voulais aussi. Ben, je suis content que tu sois là aussi, Lebza. C'est que là, en ce moment, il y a une pétition avec plus de 400 artistes. Ah ouais? Et des personnes dans l'industrie qui sont justement. Puis tu avais partagé une partie de cet article-là. C'est qu'en ce moment, c'est comme si le système de la disque est désuet. Puis c'est pas représentatif de ce qui se passe dans la game. Puis c'est des choses que j'avais dit. Fut un temps, j'ai paru comme un hater. Pourquoi? Parce qu'au Québec, ça c'est dans l'article de la presse, plus de 80% des producteurs seraient des artistes entrepreneurs qui veulent dire que ça serait des personnes qui s'autofinancent. Bien, yeah, c'est sûr. Selon M. Diesel, qui cite un rapport de la Société des gestions de collectives, puis qui dit qu'en ce moment, il y a des personnes qui trouvent qu'il y a beaucoup trop de liens avec certains producteurs, puis la SODEC, qui font en sorte que c'est plus représentatif. Fait que toi, il faut que tu puisses travailler avec des producteurs puis certaines personnes qui ont déjà un certain monopole pour pouvoir avoir ton capital puis être capable de pouvoir maximiser tes chances de gagner. Tandis que l'industrie, en général, puis il y a des gros noms aussi, là. Il y avait des personnes comme Stéphie Choc, il y avait Xavier Caféine, il y avait des personnes qui sont comme dans l'industrie, il y avait le panel Biz de Loco Locas qui parlait de ça, qui disent qu'en ce moment, il faut qu'il y ait un ajustement. Puis là, s'il faut qu'il y ait un ajustement qui est live, parce que là, t'es en train de combattre avec aussi une industrie internationale. Ça veut dire que t'as le côté américain qui vient, t'as le côté français qui vient, qui font en sorte que les baisses de la musique est ici, qui est trop basse. Ma batte de te couper là, toutes ces bails là, à la fin de la journée, c'est rap politique, mais tout ça c'est trop politique pour moi là, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer. À la fin de la journée, moi, comment ma vision des choses est, c'est que t'as beau faire des pétitions, t'as beau blablabla, business is business. Il y a du monde qui sont placés là, ça fait 20 ans, 30 ans, puis les affaires se sont passées, les connexions se sont faites, je peux pas les enlever, je bouge de la même manière. À la fin de la journée, j'ai pas à me plaindre, on a juste besoin de plus travailler. Sur moi, De parler, on peut en continuer, puis faire signer des pétitions, puis faire des articles encore pendant un paquet d'années. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Mais en ce moment, Lebza, je pourrais dire, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment,
toi, ils vont pas avoir le choix de s'asseoir avec toi. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Non, moi, ça, je le sais déjà. C'est ça que je te dis. En plus, ta cartel derrière, justement, fait que ça, tu vois, c'est comme si c'est des choses qui vont se passer parce que ce que vous représentez en ce moment, je pourrais dire, tout le collectif qui est autour de toi, Lebza, parce que je te rappelle, genre, le masterpie phénicien. Fait que vous avez trop de bandes de données, vous avez trop de chiffres. Vous autofinancez trop, malgré que ils vont essayer de stigmatiser ou peu importe justement le style que vous faisiez. Ça représente trop de chiffres. Déjà, on n'a pas été invité. Déjà, c'est high, même pas encore reconnu en tant que producteur chez eux. Déjà, on n'a pas été invité. Comment le nom de Cupidon n'est pas là? Comment le nom de Ratch n'est pas là? Parce qu'ils vont aller avec la politique, bro. Tu sais déjà, c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils vont aller avec une politique qui va vraiment favoriser ce qui se passe. Mais là, en ce moment, à cause qu'il y a des personnes qui se plaignent de ce qui se passe, toi, par défaut, t'as comme un... Tu vas juste avoir comme un roulis, puis tu vas juste rentrer dans... Ben, tu sais, il va falloir qu'on puisse s'asseoir avec des personnes qui sont des autoproducteurs, qui sont capables de pouvoir amener quelque chose. Fait que même s'ils n'auraient pas voulu s'asseoir avec toi, ils vont être obligés, bro. Et c'est ça qui est bon parce que t'es resté intègre jusqu'à la fin et tu vas avoir les bénéfices de ce changement-là. D'ici l'année prochaine, je pense que... Yo, il y a beaucoup de choses. Je pense que tu vas avoir des meetings puis des talks que je pense pas que tu pensais que t'allais avoir, bro. C'est fou, ça, que ça avance. Je commence déjà à en avoir. Là, on parlait, Tu comprends, mais l'affaire, c'est que... Là, j'ai hâte de voir, ça peut mener jusqu'à où, c'est quoi les bails. Parce qu'à la fin de la journée, tu vois, dans tout ce domaine-là, là, à chaque année, il y a des updates. Et tu comprends, à la fin de la journée, tu peux remarquer, check, toute subvention, toute guingouap qui rentre dans ça, là, est faite pour quoi? C'est pour faire rouler l'économie du Québec à la fin de la journée, right? Et il y a aussi un cop qui se lance pour bouger ton service internationalement. Mais quand tout cet argent est en train de se faire spend, là, et, hein, je vois pas aucun artiste en train de développer Zop. Hey, le gros, y a un problème là. Ok, ça veut dire que tu trouves qu'il y a beaucoup d'artistes qui font du surplace? Mais bon, non, la plupart des mainstream artists qui sont là dans les mainstream labels, je peux commencer à nommer des noms comme Septième Ciel, comme Joe Wright. C'est comme ça, t'arrives avec cette énergie-là, ok? Non, c'est vrai que c'est n'importe quoi. À la fin de la journée, c'est du n'importe quoi là. Comme dans Septième Ciel, le seul à qui je peux lever mon chapeau, c'est Soulja. À part ça. What the fuck, bro? Mais Fouki, peut-être, je sais pas. Fouki-Zi. Aïe. Sans cop subvention, c'est quoi qui est en train de passer? C'est quoi que les gens, ils sont dans ce live-là aujourd'hui? C'est quoi qui est en train de se passer? Sans subvention. C'est pas que je respecte pas sa musique, je respecte pas la personne, c'est pas ça, bro. Je suis en train de parler business-wise. Il y a un Loud a gagné, je sais pas trop quoi de l'année. L'album. Mais est-ce que l'album de Rush aurait pu aller en duel contre celui de Loud, par exemple? Yo, bro, est-ce que tu penses que c'est comparable? Honnêtement. Mais c'est pas une question comparable, c'est juste voir ton opinion sur celle-là. Bro, pour moi, Loud, c'est le parfait exemple d'artiste subventionné. Ouais. Ça a été payé par l'argent du gouvernement. Je comprends ce que tu veux dire, mais. Il y a le corps gouvernement, il y a le corps privé. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Mais l'affaire, c'est que quand les gars, que ça fait tellement longtemps, ils sont là, ils sont en train de moyen les deux, et en train de faire du tandis que moi, je suis en train de casser ma tête, tous les risques qu'on a pris, pour pouvoir sauver quelques nègres à moi qui sont dans le street pour essayer de les sortir de là. Mais là, ça me fait retomber, puis d'autres retomber. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, le Québec ne veut pas les voir. Ils sont pas capables de croire au changement parce qu'il y a trop fait de gel. Ah, il peut pas réinsérer. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça que je me plains. Tu vas jamais m'entendre me plaindre ou me plaindre sur mon sort ou whatever. Non, mais tu donnes des real facts. Puis Lebza, je pense que l'importance que tu sois sur la table est importante parce que quand les personnes vont arriver puis ils ont accès là, à des 3-4 millions là, dans l'enveloppe, là, puis que toi t'arrives puis on parle de ça à la politique. Puis comme je te dis, il y en a qui vont regarder, qui écoutent le live. Sur 7 ans, je sais que les personnes écoutent le live de la disque. Nice. Oui, parce qu'en ce moment, avec la pétition, ils sont dans le show. Là. Mais je comprends pas cette pétition-là. C'est une pétition avec des gens qui sont vraiment dans le système, des personnes qui sont vraiment. Ils sont tannés de ce bullshit. C'est vraiment, je pense, il y a blanc, il y a noir. Des personnes, ça fait 20 ans là. Fait que c'est pour ça que là, ils sont dans le show. Fait qu'en ce moment, ils essaient de pouvoir péter, justement, ce feu. Mais l'affaire, pourquoi que Lebza va être important dans cette table-là? Parce qu'il va pouvoir dire, tu sais quoi, moi, je travaille avec des artistes qui sont super talentueux, ils ont ça. Si moi, j'ai juste accès à, justement,
à des personnes qui vont comprendre qu'est-ce que je fais avec un encadrement, juste pour pouvoir, nous on va continuer à faire qu'est-ce qu'on fait pour s'auto-financer. Mais si vous, vous êtes capable de faire votre job pour comprendre qu'on est des artistes qui a plus de views que toutes vos pop artists, c'est vrai. Il y a des gens qui vont même pas avoir le temps de retourner dans le gel parce qu'ils vont être trop occupés. T'as trop de choses. Le meilleur exemple, je trouve, c'est Soulja. Comme on va dire. T'es trop, c'est vrai, je sais pas si occupé, t'as pas le temps. Yo, un gars comme Soulja, sa réinsertion sociale est tellement réelle. C'est bizarre. Mais tu vois Soulja, ok, tu vois l'exemple de Soulja. Oui. Mais dans le fond, tous nos artistes, c'est exactement Soulja. C'est exactement, c'est ça. Tu vois, il a vraiment dit l'affaire. Fait que Soulja, a eu l'opportunité d'être bien encadré. Depuis, je vais pas commencer à parler en marre, mais depuis qu'on a mis nos pieds dans le putain de game, que bizarrement, Soulja s'est rendu top, s'est rendu le main comme c'est focus de son label. Je crois pas que c'est le but. C'est pas fou qu'est-ce qu'il y a avant, ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas de feeling. C'est comme si c'est par défaut. Comme... Je sais pas si c'est comme ça qu'ils le voient. Comment ils ont du suspect là, c'est à la disque. Yeah, c'est un gros suspect. Ah, le Lost Talk, on va parler de Lost Talk, ça c'est sûr. Le Lost Talk, on va parler de ça. Mais écoute, Lebza, si t'as quelque chose à dire pour clôturer, mais yo, je savais qu'il fallait qu'il puisse s'appeler. Lebza, je savais qu'il fallait que tu puisses s'appeler parce que t'as donné beaucoup de talk. Il y a beaucoup de personnes dans le live qui ont aimé qu'est-ce que tu dis. Puis comme je te dis en ce moment, je pense que je pourrais dire que t'as, je pourrais dire l'écurie la plus solide dans le game. En ce moment, au c'est niveau vrai. Des bangers, yeah. au niveau de la productivité, au niveau des views. Le beat hat, quoi, vous êtes enragé de ne pas l'avoir sorti plus tôt, je trouve. Parce que nous, on a un zoo, c'est différent. Wow. Ça, c'est de un. Puis de deux, on va clôturer d'une manière changement d'énergie. Je t'avais dit de ne pas laisser Cyrano sortir son vieux track, bro. Non, le beat n'est pas okay, mal. Maintenant, okay, Lebza l'a dit, vas-y. Lebza l'a dit. OK, mais c'est quoi? On va remercier Lebza pour son thème. Merci, puis je vais répondre à Lebza. So, merci, Lebza, merci. OK, fait que tu sais quoi? Je donne un tic, OK? Je donne un tic. Vas-y. Cyrano, comme je dis, on va te laisser l'opportunité d'appeler, puis tu vas te défendre, parce que je crois justement à la liberté d'expression, puis Cyrano, you're my guy. C'est que Lebza était venu politique avec qui, puis tu sais, l'autre fois, Cupidon était venu. On a trouvé Cupidon, mais Lebza était là. Puis là, après, Cyrano faisait écouter le beat. Puis il dit, oh, comment tu trouves l'affaire là, Lebza? Ouais. Ouais, mais yo, tu vois pas changer deux, trois. Ben, tu sais comment Lebza il parle. Puis il était pas convaincu. Puis tu vois, Cyrano était un peu mauvais là. Pour dire, yo, I know this shit is happening. Là, Lebza dit, ah, yo. Puis tu vois, Lebza était plus sous ça. Fait que moi, dans ma tête, c'est que je m'attendais que Lebza parce qu'il y avait déjà entendu le beat. Puis moi, devant ma face, j'avais regardé la face de Lebza. Puis I think he didn't like the beat. Mais so. L'affaire, c'est. Il faut que t'appelles. Le beat est. Je sais pas, je veux pas dire bon, mais le beat s'écoute, tu comprends? Oui. Parce que yo, le paquet, il y avait le beat, c'est meilleur. Et Cyrano écoute. Moi, je cherche à donner shout-out à Cyrano sur ça. Yo, je disais à Cyrano, yo, ce beatmaker-là, c'est un danger. Laisse-le aller. Là, Cyrano a vraiment écouté, il a dérangé le. Qu'est-ce qu'il avait besoin de déranger? Là, moi, la seule affaire que je repense à Cyrano, c'est parce que Cyrano, quand il parle ici sur cette chaise-là, il parle toujours d'intellectuel. Il parle comme si c'était un gros scolarisé. C'est que l'affaire, c'est. Il entend des rimes pourries comme ça. Ouais, arrête, non, mais ça, je te dis. Come on, bro. C'est que Joe Bonin parle du game comme s'il a tout révolutionné, mais après, les hits à Joe Bonin, il y en a deux. Là. Shit. Pas... Vas-y. Lui, il continue pas à rapper en 2023. Wow, c'est okay. Ça, il doit arrêter de rapper. Ça va. Toi, avec ce beat-là, il arrête de rapper, ça va être mieux. Okay, ça va être bien, ça va être bien pour lui. Parce il va arrêter de rapper sur un bengue, genre. Ok, fait que merci, Lebza, d'être avec nous, bro. En 2023, il continue à faire sonner des bails comme ça. AMTM, Lebza a dit, ça sonne. AMTM. Vous êtes méchant, ça veut dire quoi avec ça, AMTM? Cyrano, dit Cyrano d'appeler. C'est quoi AMTM? Vas-y. Ok, so merci Lebza. Tu veux quoi d'Alex? On va laisser Cyrano. Petit Claude, c'est AMPM. C'est l'heure le matin puis le soir. AMPM, c'est quoi AMPM? AMPM. AM, c'est le matin, PM, le matin. Il est là, 24h/24, genre. C'est pour dire qu'il grind jour et nuit. Come on, catch up. Come on, bro. Il est pourri, là. Attends, parlons des coupes, Alex. Parlons des maisons de disques. Au Québec, c'est fou, là. Ça, là, c'est de la dictature, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Lebza a aucune chance contre des Joyride 7e Ciel qui font rentrer des millions en subvention par année quand il doit se battre pour essayer de faire des clips. Il pourra jamais. Et il a raison. Les rappeurs, ils ont plus besoin de se forcer parce qu'ils savent que chaque année, ils font leur argent avec les subventions, puis ils rap money. Puis tout. Mais c'est normal, man. Comme ils se font littéralement graisser la patte par le gouvernement. Mais un gars indépendant comme Lebza, de un, il va jamais. S'il se fait inviter, les chances qu'il gagne. Non, sont faibles. Parce que là, Lost,
qui gagne pas peut-être clip de l'année. C'est un robbery fou, hein. Mais c'est ça, c'est ça les forces de du track à gagner. Toi, le vidéo qui s'est faite, moi, je vais essayer de réfléchir comme un pion. Fait que moi, je veux savoir, là, on va parler de Loss, justement. Mm-hmm. Il a perdu le vidéo de clip de l'année contre une autre, je pense, demoiselle qui avait 40 000 views. Ouais, 40 000 views. Puis vous avez regardé le vidéo? Non, moi, j'ai écouté le vidéo. Puis t'es comme, yo, je peux comprendre pourquoi il aurait gagné. C'est un beau vidéo. Non, je fais l'avocat du diable. Est-ce que toi, t'es comme, ok, je peux comprendre pourquoi ils auraient gagné par rapport aux vidéos de Lost, qui est un vidéo Elsewhere, malade, qui a plus de views, il y a Rachid Badouri, il y a du acting, on parle que c'est le directeur, c'est Youssef Neff, que lui, c'est un panel de Iceland Film, qu'il tuait la game depuis. En plus! C'est Iceland et tout. Calice. So, est-ce que vous sentez que c'est comme, mais même les personnes dans le chat, si vous pouvez écrire, c'est, est-ce que c'est du vol? Pas de commentaire, for real! 40 000 commentaires. Boosté, ils ont peut-être même boosté les Est-ce que vous croyez dans le live si ça a été du vol? Puis moi, je veux avoir votre take par rapport. Moi, je veux que tu vois en premier. C'est sûr que c'est du vol. C'est sûr que c'est du vol. Déjà, t'as jamais entendu le nom de la personne. Déjà, non, ce gala-là, ça a été le gala de découverte de gens qui vivent de la musique que je savais pas qu'ils vivent de la musique. Comme... Bon, on dirait des chanteurs sur Berry UQAM qui ont découvert Ça a l'air trop fréquent pour moi. Mais en fait, pour répondre à la question, okay, je peux comprendre que c'est un beau clip, mais je peux pas comprendre qu'elle gagne par rapport à l'autre clip. Film, G. Yeah. Et puis 30 commentaires. C'est fou. C'est pour ça qu'il faut se poser des questions. Mais c'est comme t'as dit, tu vois. Il faut se poser des contacts questions. D'amis, tout ouais, ça. Ouais, mais c'est ça. L'affaire, c'est qu'on parlait d'autoproducteurs, des personnes. C'est pas... Là, c'est que Loss a réussi à déposer. Il était là. Mais là, il y a la compétition comme end-to-end. Là. Fait que si moi, j'essaie de regarder genre tous les critères de faire que Loss, est-ce que Loss aurait gagné? Que, oui, il a boxé, là. Mm-hmm. Il a boxé, là, tu te formes pas pour dire que c'était bien réalisé. C'est un beau clip que la femme a fait. C'était un beau clip, mais dans le sens comme... c'est pas du niveau, je trouve. Comme au niveau même des views, c'est même pas... assez. On parle de deux planètes différentes. Shit. On a justement Sharaf. Ah ouais, j'adore Sharaf. Dans le Discord. Ouais, c'est ça. Sharaf, what up? Salut, guys, comment ça va? Hey yo, ça va, bro. Fait qu'écoute, regarde, on est arrivé en plein dans ce sujet-là. Puis j'ai vu tes stories, puis j'ai dit, écoute, c'est sûr qu'il faut que tu puisses donner ton take par rapport à ça parce que t'as travaillé de façon étroite par rapport à ce projet-là. Puis toi, t'étais vraiment, je pourrais dire, sous le choc, sur l'annonce. Fait que toi, donne-nous vraiment ton take là-dessus parce que c'est sûr que toi, t'es vraiment saisi, bro. Ah ouais, c'est sûr. En fait, non. Je suis pas sous le choc parce que on s'y attendait. Genre comme on allait pas gagner. Mais à ce moment-là, il y avait quand même une lueur d'espoir parce que genre comme tu sais, j'avais regardé les clips etc. avant, tu sais, au pire je me suis dit, ah, Fouki aurait gagné, tu comprends, parce que il y a un bon clip etc. Mais là, tu sais, faut savoir comme c'est, et j'enlève rien à l'artiste, et moi je veux pas attaquer l'artiste en tant que tel ou quoi que ce soit, c'est vraiment moi je blâme le choix du jury, pas l'artiste. L'artiste, c'est pas de sa faute si elle a gagné. Puis elle, Ariane Roy, elle a gagné l'année passée plusieurs titres à la disque, justement, tu vois. Et là, cette année, ben, je pense que c'est une des seules catégories dans laquelle elle était nominée, ou je pense la deuxième. Puis ils lui ont donné ça. Puis moi, je trouvais ça un peu injuste quand même, parce que quand j'ai regardé quand même les critères de vote ou quoi que ce soit, il y avait beaucoup tout ce qui est l'originalité du clip, il y avait beaucoup aussi dans l'influence du clip. Et ça, c'est tous des trucs qu'on coche au-delà de tout ce qui est colorisation, direction artistique, tout ce qui est prod ou quoi que ce soit. Tu sais, il y avait d'autres critères que, je pense, on remplissait un peu toutes les critères par rapport à la majorité des autres clips. Tu sais, que je ne blâme pas les artistes ou le réalisateur ou quoi que ce soit. Chacun, je respecte le travail de chaque artiste. Mais juste, si on regarde très, très bien dans les clips qui ont été nominés, je pense que le nôtre, il avait quand même beaucoup de chance. Mais après, nous, on n'est pas des membres de la disque avec Lost, avec les productions 514. On n'est pas membres de la disque. On est des non-membres. So, quand on soumet un peu comme tout le monde. Et je pense que ça, c'est un peu quand j'ai lu un peu l'article de Le Devoir qui mentionne un peu, c'est qu'ils avantagent un peu plus leurs membres que les non-membres. Et je pense aussi le blueprint de Lost, il est un peu, genre comme ça, ça va donner beaucoup de motivation à beaucoup de monde. Genre l'autoproduction, etc. Puis je pense pas que c'est leur mission, ils veulent pas nécessairement encourager l'autoproduction
et tout. Tu connais les gens qui ont la main un peu sur, sur les... Ouais. Sur les... ils veulent tourner ça entre eux. Ils veulent qu'ils mangent eux aussi. So, quand tu ne les fais pas manger, ben, nécessairement, est-ce qu'ils vont te mettre dans leur circuit? Je ne sais pas. Mais Sharaf, est-ce que tu penses... Est-ce que toi, tu as été faire... justement des comptes dans le sens qu'il y a le comité, est-ce que toi t'es comme ok, j'ai besoin d'avoir une réponse claire sur le fait pourquoi j'ai perdu, parce que même si toi t'es comme ok, tu sais quoi, je connais la game, mais t'es comme tu sais quoi, je veux avoir une réponse claire d'une personne responsable juste pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que là t'as dit oui je pense qu'on a des cases, mais une réponse claire d'une personne qui peut vraiment te donner des informations, est-ce que t'as fait ces démarches là genre par rapport à cette situation? Non, du tout en fait, non, j'ai pas contacté personne de la disque. Est-ce que tu as signé la pétition? Est-ce que tu as signé la pétition? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est des autoproducteurs qui sont membres de la disque, encore une fois. Ah, ok, c'est bon, ça. T'as dit 300? Il y en a 400 en ce moment. Oh, c'est nice. C'est ça le truc. Mais est-ce que toi, tu vas vouloir te mettre en tant que membre de la disque? Je sais pas. Je ne vois pas le besoin, tu comprends? J'avais une question aussi sur ça. J'allais dire, est-ce que tu as le goût de te nominer pour l'album de l'année prochaine pour l'album Héritage de l'Os? Je sais pas, c'est des discussions qu'on va avoir en équipe, tu comprends? Je peux pas répondre à chaud par rapport à ça. Ouais, c'est sûr. On va voir avec le temps. Tu sais, l'année passée, on était nominés dans deux catégories. Ouais. L'année passée, on était nominés à la catégorie succès populaire de l'année, qui est genre les meilleures ventes au Québec. On était auprès de Souldia, puis auprès de Cowboy Fringant. Cowboy Fringant ont gagné. Et ça, c'est haut la main, parce qu'on va pas se mentir, il y a personne au Québec qui fait les chiffres que Cowboy Fringant qui font. Exactement. Exactement. Tu sais, il n'y a pas une question de genre comme « Ah, shit, ok, waouh ». Non, c'est mérité. L'album de l'année est allé à Souldia. C'est compréhensible aussi également que ça ait à se dire ou quoi que ce soit, tu comprends, même si c'est toujours, bien sûr, c'est toujours tout est débattable, mais c'est logique. Il n'y a pas matière à faire polémique ou quoi que ce soit. Là, c'est, je sentais un peu, comme on dit chez nous, un peu la hagra, tu vois, genre un peu comme si on veut pas vraiment nous la donner, tu comprends, et c'est ça que ça, Parce que tu sais, nous, souvent, on nous dit de faire notre part, vu que tu sais, vu l'environnement, vu l'histoire du groupe, des artistes, etc. Tu sais, on fait beaucoup de notre part pour que, en soi-disant, on soit comme, tu sais, on se mélange un peu avec l'industrie, etc. Ouais, sûr. On se professionnalise en gros. Et je trouve que eux, de leur part, ils font pas le même chemin que nous on fait pour aller vers eux. Et c'est ça que je trouve ça décevant, tu comprends? C'est nous, tout ce que je demande, et peut-être que la forme dans laquelle je l'avais écrit ou quoi que ce soit, c'était un peu maladroit à quelques phrases ou quoi que ce soit, mais nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'eux aussi qu'ils fassent le pas vers nous comme nous on le fait vers eux, tu comprends, puis qu'ils comprennent aussi c'est quoi, il y a une nouvelle réalité de marché, il y a une nouvelle réalité de business. On est en 2023, on peut pas tous être attachés à des maisons de disques ou quoi que ce soit. Ou tu comprends, les gens, ils veulent faire les choses par eux-mêmes, mais ça n'empêche pas que, tu sais, on va chercher des distributions chez Believe, on va chercher des PR, on va chercher, tu sais, on fait nourrir des gens aussi, tu comprends. On crée un circuit qui est rentable, puis qui fait en sorte que la business roule, pas de leur façon, mais à notre façon. Tu vois, est-ce qu'on est obligé d'aller dans leur façon? Je ne pense pas. Est-ce qu'eux, ils sont obligés de venir vers la nôtre? Non, mais il y a toujours un terrain d'entente sur lequel on peut aller. So, c'est plus ça. C'est tellement bien. Shout-out, Sharaf, man, d'avoir appelé. Man, merci pour ton take, bro, parce que je sais que tu étais occupé ce soir. Aussi, je veux dire aussi, c'est... beaucoup de monde ne le savent pas, tu comprends, mais Youssef Iceland, qui a réalisé ce clip-là, tu sais, on a fait un énorme travail sur ce clip-là. Mais oui. Ça nous a pris 3 mois de pré-production. 3 mois? Oui, 3 mois de pré-production, je te le dis. Putain. Ce clip-là, on était pendant comme un mois à Paris avant qu'on aille en France, moi et Lost. On le travaillait à Montréal, on travaillait pendant qu'on était à Paris, on était en constante communication avec Youssef. Youssef, lui, il avait 2 prods avec qui il faisait affaire, une prod qui était en Espagne. Il les a ramenés d'Espagne, ils ont pris le bateau avec tout le matos jusqu'au Maroc. Putain. Tu vois, jusqu'à Marrakech en voiture. Tu sais c'est quoi faire Espagne, Maroc en voiture, en bateau. C'est real. La troisième production qui était une production locale à Marrakech, qui elle travaille, c'est une production qui travaille avec des gros films. Elle travaillait avec Game of Thrones, ils ont travaillé avec Prison Break, ils ont travaillé avec Gladiator. C'est vraiment c'est oh, ça, c'est... oh ouais
juste pour nommer ça, tu comprends? So, et sur la place elle-même, tu sais, on a fait travailler du monde local. Là-bas, on a fait travailler plus que 50 personnes. Ça, c'est juste la prod. On s'est oublié toutes les figurants. Vous avez vu combien de figurants il y a dans ce clip-là? Tu vois? Non, c'est real. Et en plus, Rachid, qui est venu, lui aussi, était down, il était tellement down avec la chanson et avec le concept du clip, il est venu par ses propres moyens. Waouh! On l'a payé, Rachid. Rachid, il est venu par ses propres moyens, par amour au rap québécois. Waouh! Wow. OK. Il fait, tu comprends? Shout-out, Rachid. On a vraiment rassemblé une magie sur ce tournage-là, puis c'est ça qu'on trouve un peu dommage, qu'on n'aille pas juste un petit peu, un minimum de reconnaissance, tu vois? Mais je pense que anyways, pour la culture, je pense qu'on est unanime que ce clip-là, c'est notre clip de l'année. Yeah, je pense que ça devrait être important en tant qu'équipe. Puis je pense qu'aussi, avec ce qui se passe avec la pétition, ils vont pas avoir le choix de s'adapter pour l'année prochaine. Fait que c'est pour ça que je te dis que peut-être qu'avec ton équipe, tu vas regarder pour dire est-ce que it's worth it pour mettre l'album l'année prochaine. Ça va dépendre, je pense, avec le genre de talk qu'ils vont vous approcher pour voir si ça vaut la peine. Mais sinon, je pense pour la culture, vous avez gagné, guys. Ils ont gagné, c'est sûr, je crois. C'est l'important. Nous, on l'a fait pour la culture. Nous, on l'a fait pour la prochaine génération qui voit qu'il y a possibilité de faire des trucs créatifs, qui se motivent. Nous, c'est ça l'objectif, c'est qu'on motive les gens, c'est qu'on crée une nouvelle scène, une continuité de la scène de toute l'histoire en 2017. On en a besoin aujourd'hui, en 2023 encore, parce que encore l'immigration, elle est encore plus bouillante. Les gens, ils ont besoin de se reconnaître dans des gens qui les ressemblent, tu vois. So, il faut qu'on continue à pousser cette culture ici. Il faut qu'on continue à se professionnaliser tous ensemble et à s'entraider parce que personne ne va nous aider si on ne le fait pas entre nous. Yeah. Respect, mais on a eu Sharaf, man. Ça, c'est un gros fan. Dans gros les takes de la politique, whatever, pour parler sur le vidéo de l'année. Qui malheureusement n'a pas été à l'os. So, merci frérot, on va continuer avec l'été. Merci beaucoup. Le fait que Lard a gagné album de l'année, vous. Non, mais. On va laisser Chris dire là-dedans. Vas-y, Chris. Ils l'ont mis par défaut, là. Genre, t'es fréquent. Mais c'est. Aucune promesse. Tu penses que c'est l'album de Chris qui a dû gagner? Mais. Parce que moi, j'ai déjà pris mon tic sur ça. Et moi, ça m'a fait mal parce que je travaillais pas dans l'endroit qu'on était en train d'enregistrer. Les gars m'ont dit, oh, t'es un fucking neckbeez. Nous, on veut gagner l'album de l'année. Et toi, tu te dis que l'album Frappe était meilleur que ça. Ouais, c'est t'es sûr. T'es gogo. Là, j'ai fait comme, quête. Ma bad, je te dis en direct, ma bad d'avance. Et pour de vrai, si c'est mon tic sur rap politique, non, mais t'as le temps de ton opinion. Non, non, là, mais à la fin, parce que chez lui, la chaise a un poids, tu comprends? Si j'ai causé un défaut à Chuis qui a fait en sorte qu'il a perdu son plan, c'est un jury. Ça me ferait mal. Toi, t'as écouté l'album de l'art, toi? Oui, aucune promesse, right? Ouais. Right? T'as trouvé ça comment? Je l'ai écouté, mais Loud, en vrai, il est rincé. Hein. Là, il commence écoute, Loud... Il utilise des termes extrêmes. T'as aucun... Il a dit le panneau est rincé. Mais qui t'aime? Attends, laisse-le faire de son tour. Il a dit le panneau est rincé. Loud, je le mets dans mon top 5. Mais t'aimes qui? C'est dans mon top 5. Mais là, musicalement, il est à terre. Oh, boss. Écoute, il y a un trouble d'identité parce que là, lui, il a le complexe du rapper. Il est devenu une star en étant une pop star, mais il veut avoir la crédibilité des rappeurs. Il veut qu'ils disent comme, yo, t'es capable de rapper. C'est pour ça que là, il a sorti cet album-là juste pour faire comme, oh, Je suis super technique et tout. Mais comme, oublie ça là. Il peut plus revenir de ça en passant. Ah ouais? Il peut plus. Parce qu'en ce moment, quand tu vois ceux qui ont le plus de views, tu vois que c'est son job minimum. Ouais. Tu vois que c'est eux qui sont capables de pouvoir encore avoir les streams. Là, on a quand même une clientèle qui est vraiment une clientèle fidèle. Puis comme, tu sais, il avait dit, puis, tu sais, je voulais pas donner ce take-là. Puis penser que je hate, mais c'est comme tu sais quand t'as le syndrome de l'imposteur à cause exactement. De toutes les femmes. Moi je crois qu'ils volent tes lyrics, c'est ça qui m'énerve. Non, c'est pas ça. J'arrive sur toi. Non, il y a déjà ces tics, mais moi c'est plus ce côté-là où est-ce que il veut tellement pas faire du fouki, il veut tellement pas faire toutes les femmes savent danser, mais à la fin de la journée il faut que tu puisses accepter que tu sais quoi, si c'est ce brand-là qui est capable de t'amener à un autre niveau, just take it puis go there. Mais c'est comme si il a dit, you know what, I want to stick it to real hip hop. Puis ces trucs-là, il a fait son projet avec Yassi Tidon, tu sais, qui est quand même bien, mais dans ma tête, je suis comme. Soudainement, il fit. Oh, wow. Ce qui est fort, qu'est-ce que là? Moi, je suis pas trop un gars qui. Je crois pas au complot, mais soudainement, il est rendu accessible. Il y a quand même un drôle de timing. Non, mais parce que. Je vais me confronter sur celle-là parce que, rappelle-vous, à un moment donné, je sais pas si c'est dans quel live, les gars parlaient de Loud et Izzy s'est rentré dans le live. Il a dit, yo, il est accessible, c'est juste personne le check. C'est vrai que honnêtement, on peut pas savoir.
il y a des gens comme ça qui ont l'impression que mais arrêtez là. Non mais il y avait il follow personne sur Instagram. Ouais. Le... Mais ça c'est ses affaires, mais non, personne non, ne check peut-être pour ça. Non, les gens croient qu'il est pas accessible. Non. C'est que quand tu ne follow personne sur Instagram, c'est beaucoup plus que du marketing, du branding. Mm-hmm. C'est une idéologie qui fait en sorte que you're not worth it for me to follow you. Exactement. I work with you. Je trouve que t'es talentueux. Je te vois au studio, puis tu me follow pas. Ouais. I think. Puis le monde va dire, ouais, mais c'est juste. Non. Quand t'as ta vie privée, puis t'es bonne star. Ça, par rapport. Ça. Mais quand t'es dans l'industrie, pour moi, c'est comme un respect. I follow your shit. Je vais voir quand tu vas faire quelque chose. Je peux le share. Fait que tout ça, je pourrais dire. Peut jouer en ouais, quelque sorte avec son branding. Moi, je suis un rappeur, tu me follow pas back, impossible que je show là, pour un feat. Ça, c'est mais personnellement, en tant que rappeur, impossible. Mais c'était une époque où l'art marchait. Il marchait sur l'eau à cette époque-là. Ouais. Toutes les femmes dansaient, il est devenu fucking riche et tout. Mmh. Et en plus, il est discret là. Donc, non, moi, je pense pas que c'est une coïncidence. Le fait qu'il follow personne, qu'il soit discret. Et là, comme là, il a besoin de la crédibilité, là, j'crois soudainement. Pas. Tu penses pas? On va dire dans cet album-là, qui a gagné, me semble, il y a un beat avec YB. Le beat est sale là, me semble. Rien de mien. Il ouais. Y a rien de Jimmy White Beretta tu vois ouais. Ce beat là il y a une spectacle et win ok mais dans l'album quand même méritait de gagner malgré que tout ça puis je veux pas que les personnes t'y écoutent à cause que c'est ça, tu vas avec un rappeur parce que tu bats c'est que quand t'es dans le top c'est sûr que tu vas oui, t'es dans le top tu vas prendre les pics t'as pas le choix les pics. Mais est-ce qu'en tant qu'album de l'année et Nima vous croyez qu'il se fait pas 10? Oui, mais c'est sûr. Mais c'est la là, game, là. Je veux dire, en tant qu'album de l'année... Qui fait pas tant de disques que ça, Inima? T'es fou, toi. Publiquement? Inima? Qui? D'autres, yo, Inima, yo, tous les rappeurs veulent sa tête ouais, du ouais, sens ouais. Que quand tu veux donner un Gold Boy qui veut être viral, c'est Inima là. Live. Si Inima serait t'as ici... T'as pas de disques là où pour avoir des views? Regarde, si Inima serait ici, ça aurait été l'artiste où est-ce qu'on aurait essayé de faire le plus de moments de cloud chasing. C'est sûr. Attends, c'est mais sûr. Y a personne dans le public qui parle d'Enima là. Personne le critique. En ce moment, parce qu'il est pas là. De crédible, tu viens de le dire crédible. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être crédibles, mais tu vas pas les considérer crédibles à cause qu'ils sont pas ton reach. Je vois, okay, je sais ouais, pas je si tu comprends. Ouais, Enima là, si, comme tu as dit, s'il sera à Montréal là. Yo, c'est sûr, ils auraient toujours testé. Il y aurait un show, on l'aurait testé. Yo, on l'aurait testé. Parce que le panier, tu sais, comme il est en train de pouvoir dominer encore l'industrie depuis 2016. Depuis 2016. Parce qu'il a sorti Power en 16. Moi, j'ai fait cette c'est, aussi. Okay, c'est pas 2015. C'est 16. Oh, 15, c'est les. Moi, j'écoutais dans ce temps-là, j'écoutais Easy Edge, j'écoutais les, okay. Les TELUS, j'écoutais les. Il y avait Young Dev et Jack Boy dans ce ouais, temps-là. Ouais. Ça, c'était méga 2015. Mais 2016, quand il a okay. Sorti Power, c'était 2016. C'est-à-dire ouais. 2016. Quand je dis 2015, John de Charon, à tous les gars, j'écoutais avant. Mais quand le rap est allé dans une autre dimension, peut-être. Peut-être 2016. Okay, j'ai une dernière question. Tu penses que Loud aurait donné un feat à tous les gars qui ont donné un feat en ce moment, à l'époque de toutes les femmes non, savent danser? Je pense pas. Parce que Soulja. Je le connais pas, non, je vais parler. C'est comme ça que je réponds. Soulja n'a pas nécessairement la même approche que Loud. Soulja est la culture. Soulja, lui, il était populaire dans les régions à Québec, tout ça. Uh-huh. Puis ça a toujours été un challenge pour lui de pouvoir venir son feat avec tous les gars de Montréal. Mais puis c'est pas seulement tous les gars de Montréal, c'est les gars qui étaient. Je pourrais on dire de gars, façon marginalisée, VT. Il a donné même à Sazik. Veux pas Sazik. Son quand il est allé à explicite. J'ai checké les stats. C'est Soulja, là. J'ai checké les stats de Soulja. Il est plus streamé à Montréal qu'à Québec. Attends, guys, j'ai une à question. À Montréal qu'à Québec, c'est fou, ça. J'ai une question pour vous. Philippe de Grand Prix qui a donné 7$. Shout-out, bro. Shreeze méritait le prix. Eloz versus Connaisseur 2024, qui en gagne entre les deux? Ben ça va dépendre encore si Eloz. Mais est-ce que non est-ce si que Connaisseur va sortir? Oui, il va. C'est ça la vraie question. Il travaille déjà sur le projet. Mais peut-être le temps. Non, c'est que l'affaire, c'est que Tikazo déjà avec le premier projet qu'il a fait, c'était avec vraiment les personnes avec qui il avait déjà collaboré back then. Mm-hmm. Il a pas fait de featuring vraiment avec des jeunes pour son projet. Mm-hmm. Là, on a vu qu'il y avait des vidéos, il y avait des footage avec Shreeze, etc. non, juste vague. Puis là, Loss... Vous comprenez pas, guys, sorry. C'est inside. Puis là, est-ce que... je pense que vous avez sauté des super chats. Hein? Comment? Vous avez sauté de lire quelques super chats. Non, on va commencer. On va commencer avec Philippe, on va faire les autres super chats. Okay, so, okay. Est-ce que Tikazo puis Shreeze va gagner ça c'était tu Loss ou Shreeze? Non, il a dit Shreeze méritait le prix et Connaisseur et Loss. Ça va dépendre, je sais pas, ça je sais pas, il faut entendre l'album de Connaisseur pour savoir. C'est exactement whatever. Mais moi parce qu'il y a des personnes qui avaient name drop Connaisseur par rapport au fait que le gala de la disque est biaisé tout ça whatever, je pense que lui-même s'il a gagné, c'est dans fou, quel contexte hein?
il sait dans quel contexte ça a gagné. Fait que pour avoir le take à connaisseur là-dessus, demandez-le. J'aurais voulu savoir son mais ce n'est pas une personne qui va aller dire ces choses publiques. Mais parce que techniquement, moi, on va dire son la 10, moi, c'est ça l'affaire. Parce que tu vois, dans son Skills et Réalité 2003, quand il disait fuck la 10 et tout, yo, moi, je fuck avec ça all the way. Mais là, ils l'ont donné le prix et l'album était fucking ouais, right. Dans quel contexte? Même lui, ici, dans quel contexte? Non, mais je pense bien. On va dire, il y a eu la 10 de Connaisseur, il y a eu la 10 de Soulja, il y a eu la 10 de Loud. So, techniquement, c'est quand même trois grands artistes qu'il faut quand même tu donnes le respect à leur projet. Mais là... Est-ce que tu avais vraiment le choix de ne pas leur donner le respect? Mais je comprends, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je vois. Mais tu vois, on va dire, ça c'est concret. Il y a pas de rub là-dedans. Comme, tu le donnes, je vais pas parler caca. Thanks. Mais on va dire, si tu fais une affaire comme le rub qu'ils ont fait à l'os, est-ce que tu crois vraiment que je peux prendre le Ladis après au sérieux? Je veux ouais, dire, mais bon, c'est quoi votre relation? Je connais pas les autres. Et c'est ça ma question, c'est pourquoi vous avez un love and hate relation avec Ladis? Oui, à chaque année, on va faire un live sur la 10. C'est la même chose en France, hein, by the way. Hein. Ah ouais? Avec les victoires de la musique, chaque fois, ouais, ouais. Ils font pas gagner des gars comme Nino depuis et tout 2000, ça. Depuis 2021, en plus, Nino 2002. Est considéré comme le king, l'autre bord, me semble. Il stream mauvais, là, lui. En là. Plus. Ensuite, on avait d'autres commentaires. Est-ce que tu veux nous montrer, Alex? On avait oh, d'autres. C'est vrai, il y avait beaucoup de petits colorés, my bad. On a Ticlo, no like. Chris vient de loin. C'est un des premiers necks. J'ai vu Grant sur le web et il a fait ça tout seul. Ticlo, yeah. Arrête de paraître comme un hater dans le live. I'm riding with Chris on this one. Ça, c'est Maël. C'est une forme, ça? Non, c'est DJ Analyzer qui a fait un gros brunch au Tropical, whatever. Shout out, bro. Maël, shout out à toi, mais yo, le partner est venu sous mon dos-pied comme si je suis un Ticlo. Là, ils sont des amis. Vous êtes là, des amis, c'est bon. Je suis venu freiner son talk comme si je suis un gars par rapport. Je suis rentré à rap politique avec mes graines de chaussettes. Vous voyez mes chaussettes? Ouais. Je suis rentré avec des graines de chaussettes. J'ai donné des. Toi, tes rappeurs favoris? Ça se peut, ils font même pas les stats de mon premier rap politique. On a les mêmes rappeurs favoris. Quoi? Non, on a pas les mêmes rappeurs. Oui. C'est qui? Non, c'est non, qui non, non, attends, attends. Il y a jamais dit qu'il écoute. Ok, non, mais tantôt, toi, on avait parlé sur Lost. Non, 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 son, on avait parlé sur Lost tantôt. Vas-y. Comment toi? Lui, c'est Lost. Moi, j'ai dit, le meilleur album d'album, le meilleur album de l'année. Et Lost, c'est Top Gun de la game. Qu'est-ce que tu as dit? Je pense que je le mets dans mon top 6 peut-être. Mais j'écoute. Top combien? Top 6. Non, moi, c'est grave avant Lost. Je mettrais Loud, Shreeze, Enima. Shreeze avant Lost? C'est ouais. Chaud. Ouais. Vas-y. Parce que moi, je t'ai dit, mais Lost, Shreeze, moi, je, projet, qu'est-ce que hein? Je t'ai dit off-cam? Lost est bon, mais je trouve que musicalement, il ne s'est pas encore assez renouvelé pour passer comme le next step. Je trouve qu'il a plafonné. Qu'est-ce qu'il dit, ce gars? On a discuté. Je t'ai dit que Non, t'as discuté de ça, mais t'as pas rapport de okay, dire discuter de mais ça. Je t'explique pourquoi. Est-ce que t'écoutes Lost depuis Bonhomme Produiseur 1? J'écoute depuis 2000. J'écoute Lost depuis qu'il a sorti Zombie avec son ami. Comment il s'appelait? Avec Wildby. Sûrement, non, avec Ryan. Ryan, exact. Ryan. Ça, il était à Cartierville. J'écoute ça. Uh-huh. Mais je trouve que comme pour passer la prochaine coche, je trouve pas qu'il a changé son musicalement. Je trouve pas qu'il a ça évolué. Ça veut dire, le partner est allé sur Héritage, il est allé peut-être sur cinq flows différents. Mm-hmm. Il est allé dans toutes les sphères possibles musicalement, juste pour montrer à quel point il est versatile. Et toi, mm-hmm. tu vas dire, tu trouves pas qu'il a pris sa coche je de plus? Je ne remets pas ça en question. Je dis juste que ce plafond-là, il avait déjà atteint. C'est-à-dire que tu trouvais que Lost était assez versatile pour aller dans toutes les sphères musicales que possible. On est d'accord que Lost, il rappe et il fait des chansons depuis longtemps, right? Et là, je trouve que ce plafond-là, et c'est ça le plus dur, entre passer entre 90 et 100, c'est fucking plus dur que passer de 50 à 80, on est d'accord? Vas-y, ouais. C'est ça que je veux dire. Comme lui, il est arrivé à son 80 et je trouve qu'il n'est pas assez renouvelé pour passer. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a qu'est-ce qu'il faut en ce moment avec le dernier album que tu as entendu? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment l'élément, je pense, des hits? Hit factor pour dire, c'est quoi, j'ai le hit parler international ou en France. By the way, il faut qu'on discute de ce take de France là. Moi, je pense qu'en ce moment, il n'y a personne qui parle en France. Waouh! Comme niveau musique là, il n'y a personne. Bro, qu'est-ce que non, moi, un artiste. T'écoutes qui en France? Non, moi, cinq gars en France. Tout le monde t'a non, écoute. Caris, Nino, Zola. Mais nommé Coris. Caris, oui, bro. Vas-y, Caris, Nino, Zola. Tous ces gars là. Stavo, Freeze, Corleone. J'écoute tout ce qui se fait. Ouais, j'écoute tout le monde. Mais ce que je te dis. Kéké, tu peux me dire quelqu'un qui peut sold out un club soda live peux, en pas beaucoup de temps à Montréal seul sold out facile là. Je laisse parler. Ok, toi dis-moi Shreeze vas-y Shreeze, toi dis-moi
Moi, j'aurais donné des louds, j'aurais donné des Soulja, j'aurais donné mais des là, louds. Mais là, ça remplit. Soulja, quelqu'un qui a rempli, pas loud, là, ça remplit le Théâtelus, le whatever, là. Le MTLUS, non, mais parce que c'est dans le cadre. Fucking go! Oui, non. Ok, ça veut dire que c'est le cadre qui l'a rempli. Non, mais parce qu'il a fait le national, non, j'allais faire. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais. Alors, parce que là, ça fait. Non, il l'a fait. Kéké, personne n'est assez populaire en ce moment pour percer en France. Qu'est-ce qu'il dit? Autant niveau stream que la musique. Bro, check! Tout le monde. Les gens qui ont fit avec Norsace, là. Tu sais que Norsace, là, il est même pas dans le top 150-200 en France, là, niveau stream. Okay. C'est juste pour te montrer l'écart abyssal de niveau. En ce moment, notre musique, elle est pas assez bonne. Elle est pas assez bonne, mais. Mais si c'est ton seul contact, le seul contact que t'as à l'international, c'est un gars comme peu importe qui, et ça arrive à le reach jusqu'à Norsace. Les gars, faut pas aller cocksock tes rappeurs favoris pour aller pour déjà, aller dans le terme cocksock. Moi, j'ai pas utilisé le terme cocksock. Hein? C'est y a, exact. Y a, ça devient péjoratif. Oui, c'est comme dire que. Au pire, mais peu importe. Les gars, faut pas aller licher le cul de des gars. Je vais nommer trois rappeurs. Nomme-moi quelqu'un qui peut le prendre en feat, ok? Vas-y. Qui peut prendre Niska en feat ici au Québec? Ok. Bin. Qui? Yacidido. J'aurais pas dit Yacidido, mais on va dire. Là, je t'ai piégé. Who's that? Non, moi je te parle. Yacidido peut. Ben c'est ça. Yacidido peut. Non, okay. Je te dis. Yacidido Niska, peut. Niska, Nino, qui peut les prendre en feat ici au Québec? Nino, moi j'aurais dit Nima, prends Nino à l'aise. Ils font même pas, ils sont même pas sur le même registre musical. Ils sont pas, pourquoi ils sont pas dans le même registre? Parce que. Ok, guys, est-ce que Yacidido pourrait faire un featuring avec Niska? Normal. Parce que Niska est bon, mais il y a plein de gars à Montréal qui font le même petit vibe. Yo, vous êtes fou. Il y a plein de gars qui peuvent rentrer dans ce lane là aussi avec Niska là. Niveau Niska, il y a considéré avec les gars qui écoutent le rap français que vous je connais. Ils considèrent que Niska a fait l'offre. Trash. Sur le partner a fait l'offre. Ok, les personnes sont pas dans la même chose. Tu vois, ok, yo, ça te dit Yacidi, j'essaie de. Kiki, niveau musical. Personne ici peut boxer avec Niska et Nino. Personne, même pas proche. Par rapport à quoi? C'est quoi? C'est des Top Guns. Ok, c'est des Top Guns. C'est quoi leur force? Déjà, niveau mélodie, là, comme... Mélodie, ok. Mais en même temps, à la défense des rappeurs québécois, ici, personne n'a un directeur artistique. Personne n'a un top liner. Des rappers street. Déjà, ouais, ils ont pas de... les Nino, Niska et tout, c'est pas eux qui écrivent toutes leurs sons. Non, ils arrivent en studio. Ils ont un directeur artistique. Exact. Ils ont des top liners. Il y a des personnes qui ont des producteurs qui sont comme des hits. C'est des hitmakers là. Ouais, dans le sens ouais. Que ici, c'est pas comme si. C'est vrai. Comme il y a des producteurs comme. Ceux que je présente, les producteurs qui sont ici, qui sont des hitmakers, mm-hmm. Ils travaillent pas nécessairement avec les artistes francophones en ce moment. Tu sais, comme mm-hmm. On va parler de Kitranada, ouais. On va parler de Dirt Work. Tu sais, ils travaillent pas avec les rappeurs comme. On n'est pas rendu là. Banks and Ranks, qui font des beats avec Shakira et shit. Fait que je pense qu'il y avait ce côté-là, je pense, un bon take de Chris, que même ces rappeurs-là doivent. Roger, t'es là. Qu'est-ce que toi, tu penses de Roger? Ben, Roger, c'est. Le meilleur exemple d'export outre-mer qu'on a eu. Ouais. Genre. Récemment, c'est vraiment. Y a personne. Il fait un travail de terrain. À part Jelou qui était sur le chemin pour le devenir. Mais comme. Sinon, à part ça, aucun de nous peut aller boxer en France en ce moment-là. On va être leurs petits. Ils vont même pas nous regarder. Ils nous checkent en ce moment comme des clowns. Là. Ils nous checkent comme. Moi, j'ai des panneaux. Je parle avec des panneaux qui sont en France et les gars. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont hypocrites. Comme ils disent, ah, vous avez l'air d'américain, c'est cool. Mais on dirait comme tu regardes un petit enfant qui essaie de jongler avec un ballon là. Comme t'es comme ah il est cute mais ils le prennent pas vraiment sérieusement la preuve non, mais c'est bien parlé mais qui fit avec les gars ici à la fin de la journée c'est l'approche les gars, que t'as au lieu et les contacts que t'as au lieu de mettre des 30 000 dans des Rolex bro. Ils auraient peut-être intérêt à payer le fit avec Niska peut-être que ça vaut la peine mais honnêtement je sais pas si mais payer tu sais que c'est vu comme on va dire je pourrais dire comme pas le disrespect mais c'est vu comme si c'est dans mal la culture vu payer. Mais là Gazo il a commencé à dire qu'il fait payer les fit maintenant là ouais. Ok mais tu crois pourquoi. Non, mais il a raison. Et parce tu crois qu'on va dire si nos Top Guns ne peuvent pas avoir un feat avec Gazo, par exemple Organiquement, non. Non, ok, organiquement, non. Ils ne traînent pas dans le même quartier, ils ne se connaissent c'est pas. Posé. C'est posé. Ok, c'est un joker. J'ai pas besoin de parler. Non, c'est mais. C'est un joker. Non, je moi je t'ai dit. Non, mais parce que regarde, c'est ça l'affaire. Toi, t'es trop bloqué dans ton aspect que nous, ici, on n'est pas encore du niveau. Parce que toi, je crois, la manière que tu parles, tu crois que tes influenceurs, là, qui bombent sur TikTok, sont plus hot que nos rappeurs. T'as pas été capable de me nommer un rappeur qui peut feat avec Niska et Nino. J'ai nommé. Qui? J'ai dit Los, Enima, Bin. Tu m'as dit Enima. Enima est même pas sur le même registre musical que Nino. Il va aller feat, ils vont faire une chanson de quoi? Est-ce qu'il va aller. Il va aller bars, ben, il va aller bars to bars avec Nino? Ou il va mais aller. Il peut aller vibe avec Nino, tu vois le petit. Les bâtards ont couru, chien, bâtards ont couru, oh ouais! Tu crois qu'Enima va donner un petit adlib derrière et ils vont dans ce type de beat là? Un adlib. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il oui, va rentrer dans ce vibe là qui va faire est-ce en sorte qu'Enima, faire il fait plus de mélodies que du rap. Ouais, il fait beaucoup de mélodies. Donc il ira pas avec
Niska Pinigno. Mais Niska, on va dire, si t'as en tête, là, je sais pas si t'as tout ça dans ta tête. Ouais, mais je connais trop son Niska. Bon, ok, on va dire, c'est quoi on va dire le beat où il y a les plus lyricales selon toi et que tu trouves que les gars de Montréal peuvent pas compter ça. Ben déjà, Niska, on l'écoute pas pour ses lyrics. Mais et pourquoi pour maintenant tu es en train de nous parler des rappeurs d'ici qui peuvent pas suivre Niska si tu le reconnais même pas pour ses affaires lyriques? Non, c'est que Niska, un artiste, on l'écoute pour une raison. Tu l'écoutes? Niska, on l'écoute pour son énergie et ses mélodies, oui ou non? Pourquoi? Pour son énergie, genre. Ouais, son énergie, mélodies, moi, pour ça, et la manière qu'il rappe. Il n'y a pas des gars à glisser une énergie là à Montréal, ça que tu es en train de me dire? Non, il y a personne qui peut. Dire, un gars comme Chus qui t'a fait tout ce que je connais, il n'est pas assez énergique pour toi? Assez énergique pour ici, mais je sais pas s'il serait capable d'aller. Excusez-moi, mais parce que ça l'affaire. Ça, c'est Chris le problème de Montréal. Non, mais est-ce que Chris lui-même a des aspirations pour dire, j'ai pas. Quand ils étaient là, Enima, Soja, Is, Philippe de Grand Prix, 3$. Moi, ma question, c'est, est-ce que quand Chris puis Yes, ils étaient assis devant nous, on a fait l'entrevue, est-ce qu'ils ont dit que le projet, c'est un projet pour l'international? Ils ont dit que, non, nous, on sait très bien que c'est un produit local. Mais ça va faire. Aller à l'international. Fait que toi, tu penses au marketing des artistes qui veulent le produit local, puis tu veux qu'ils amènent au niveau international. Mais ça va faire. L'international, c'est comme si les gars de France, là, parce que lui, il coxoque. Ma bad, là, de dire ça comme ça, mais toi, à Kosoué, vous êtes des gars qui coxoquent la France parce que vous avez besoin de ça, ce riche-là, pour aller dans votre. Dans le next level. Bro, ça change pas beaucoup. Non, mais il parle beaucoup de choses locales et tout. Rosoué, c'est beaucoup plus. Il y avait un chiffre sur le fait qu'il y avait beaucoup plus de love puis de rules. Non, lui, il a sell out. Comment wow. Rosé, mais Rosé dans non, les, non, mais dans... si lui-même il va dire il a sell out, mais c'est bon, il a choisi son crowd. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est qu'en ce moment on n'a pas le niveau, mais c'est correct. C'est même pas qu'on n'a pas le niveau, c'est parce que vous vivez Rosé sur les views. Tu trouves que le rap en ce moment il va bien? Tu trouves le rap de France va bien? Moi, je coupe pas les affaires de France là. Sur moi, je sais pas si ça va bien ou pas. Les deux vont pas, ils vont pas. Si ça, les deux vont pas bien, pourquoi tu me parles d'ici comme si on est dans la merde? T'as raison que le rap français en ce moment ils innovent pas. Mais personne n'innove. Ils sont quand même. Ils n'innovent pas. C'est les femmes qui ont la game sur le bras. Mais la France qui n'innove pas est quand même un écart abyssal. Parce qu'ils sont plus que nous. Non, ils sont 10 fois plus que nous. On l'a cliqué comment? Au niveau musical, ils sont. Musicalement parlant, les gars sont 10 fois plus que nous. Ça n'a pas rapport. Vous croyez quoi là? Leurs 10 millions vaut combien pour nous? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Alors pourquoi le dancehall puis le reggae a toujours été genre numéro 1 puis ils sont 3-4 millions en Jamaïque? Mais le dancehall et le reggae, c'est exporté jusqu'à New York, oui, où il y a beaucoup de Jamaïcains et tout le monde. Ça ne change pas que c'est quand même une démographie qui est faible. Mais pense qu'au Québec, on est comme là, l'année prochaine, on va arriver dans les 9 millions. Mais pense-y bien. On va dire, par exemple, pour les à Montréal. À Montréal, les Haïtiens, là, on est juste 200 000. Je crois qu'on est coté pour être 200 000. Non, on n'est pas 500 000. Arrête. Non, 300 000, moi j'aime pas. On est 300 000. 300 000. On va dire, on est 300 000. Et la culture à Montréal, c'est une culture quoi? Ouais, je suis d'accord. Tu comprends? C'est exactement ça. Ça veut dire dans le UK, tu vois, c'est qui? C'est quoi? T'as donné le meilleur exemple. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous, on a fait pour commercialiser notre talent? Parce qu'on est là. On l'a pas trop commercialisé, malheureusement. C'est qui dans les. Les Jamaïcains l'ont commercialisé. Ok, mais justement, dans les top guns, quand on parle de gars, à part Cherise en ce moment, là, haïtienne, qui domine? Tizo, oubliez-le. Tizo arrive peut-être. Moi, je veux pas parler trop fort. Moi, je pense pas que personnellement, Tizo peut se relever de ça. T'es fou, toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que comme. C'est à peu près la même chose que Loud, genre. Comme il y avait sa niche, sauf que là, il a essayé d'aller comme mainstream pour aller récupérer. Et toi-même, tu l'as dit. Toi, tu l'as dit que tu l'as abandonné. Mais tu prends mes vœux pour essayer de te revenir. Mais non, mais. On écoute la musique de la même manière. T'aimes pas, mais. Tu n'as même pas encore nommé 5 gars de Montréal que t'écoutes, que j'écoute. Attends, on va laisser sur ce gars de Tizo. On va laisser sur la fin de Tizo. Tu penses que Tizo, il peut pas retourner dans ce juice-là? Non. Parce que comme. Yo, la musique, c'est un moment. Il était dans un moment là. Même Nino là, il est aussi musicalement, il est devenu rincé. Comme il était à un moment, un point où il marchait sur l'eau, il était dans un pic. Ouais. La rue, les tapes étaient incroyables. Mais là, il essaie de s'ouvrir musicalement, le feat que tu lui as reproché. Et là, c'est trop tard. C'est super dramatique. Et là, il est trop tard. Parce que, en fait, tu comprends pas la musique, comme on va dire, tu peux tellement te renouveler, tu peux tellement trop faire. Tu peux pas. Il y a des gars, comme on va dire. Il y a des gars qui, toute leur carrière, ils ont attendu de refaire le hit qu'ils avaient fait. Et on leur a dit toute leur carrière, hey, tu peux nous refaire. Tu peux pas. C'est un moment, il est arrivé, il a posé comme ça en 15 minutes, c'est devenu un hit. Mais tu peux plus jamais reproduire t'es dans un espace temporel qui est. Tu peux pas le reproduire. Qu'est-ce que tu penses que Tizo a besoin pour pouvoir avoir ce hit? Est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir Il n'est même pas de la ville, il ne sait même pas comment Tizo a bon. Wow. Ça, c'est un truc que je vais reprocher aux gars de Montréal. Vous avez l'impression que vous êtes le centre du monde. Mais on est le centre du Québec. Vous avez la prétention de penser. Tu penses qu'il n'y a pas Internet ailleurs? Tu penses que toi qui écoutes le rap ici à Montréal, c'est différent de quelqu'un qui. Tu as connu Tizo en quelle année? Vas-y. Les gars m'énervent. Parce que toi, tu n'étais pas là quand Tizo a bon.
Là, t'es bro, j'ai des coqsocs notre ville. Tu penses que toi, qui habites ici, t'es plus crédible que quelqu'un qui est à l'extérieur? Non, parce qu'à l'extérieur, moi, je reproche ça même à mon collègue Joe. Joe, là, il parle fort sur comment le rap ici s'est fait. Mais t'étais même pas là pour vivre le mouvement. Ce gars-là parle de. Il parle de rap en français, il écoute pas le rap en France. Comme comment est-ce que c'est possible? Pourquoi il me parle? Toi, ce gars-là, je coqsoc les gars de France pour avoir un minimum de. Les rappeurs de Montréal veulent faire comme les rappeurs de France. Les rappeurs de France veulent faire comme aux États-Unis. Tu penses que c'est moi qui ai inventé le schéma? C'est qui est plus proche des États-Unis? C'est qui a cette sauce-là? Attends, on est réfléchis, pas... Géographiquement, on est plus proche. Mais musicalement, on est plus proche de la France. Là. Mais ça... Pourquoi il parle? Géographiquement, on est proche des États-Unis. Mais musicalement, on est plus proche de la France. Là. Qu'est-ce que c'est, ce gars-là? Oui. Vous êtes t'es sérieux avec ça? Ça veut dire que tu crois que tous les gars essaient de sonner à la Niska et à la Nino? Ben là, plus qu'à la Lil Baby. La même façon que les gars de Toronto veulent sonner comme les gars de New York. Attends, c'est un peu ça qu'on vit. Mais c'est moment, ça qui se passe. Le rap ne veut pas être comme Booba là. Ah non, pas, ah non. Moi j'ai déjà entendu des quotes. Je veux l'argent à Booba. Il veut l'argent. Tu vis où? Mais l'argent. Toi tu me parles d'argent et toi tu me parles Je peux poser une question tranquillement? Tu penses que le rap de Montréal ressemble plus au rap des States en ce moment que le rap de France? Bean. T'es sérieux là, le UK drill, le Detroit deal que. Detroit drill de. Déjà la drill, que tout le monde fait, c'est pas la drill des States. C'est la drill de où? C'est la drill UK? UK, exact. Mais c'est pas la drill de France. Là, t'essaies de faire comme si on était en France. Non, mais oui, mais on est. Mais New York, ils auront leur identité. New York, c'est la mec. Ça veut dire quand il y a New York, Pop Smoke qui est sorti là. C'est qui, on n'a pas commencé à dire, on fait le rap de. Le producteur c'est Pop Smoke. Le producteur de Pop Smoke. Il vient de UK. Je suis d'accord avec toi, mais à la fin de la journée, tout le monde voulait ressembler à Pop Smoke là, pas avec le. Je sais pas c'est quel rapport de. Tout le monde voulait ressembler à Pop Smoke. Pop Smoke qui lui voulait ressembler au gars UK. Vraiment pas. De quoi tu parles? Blanc, son pied dessus, il vient de là. Il a commencé à bombe là. Tu crois que quoi là? Il était bloqué sur le. Je pense que la drill UK que... Il l'a amené à New York. Fait que tu penses que la drill UK que Pop Smoke faisait a été créée à New York? Non, je te dis que New York l'a takeover, il l'a mis sur l'ombre. Ok, so you're proving my point. Pourquoi on dit c'est New York drill? On dit pas c'est le UK drill, on dit c'est le New York drill. Ouais, parce que ça se fait à New York, mais ils l'ont pris. Exactement, ils l'ont volé, c'est eux la mec. Veut pas tout ce qu'ils prennent. C'est comme à Montréal, on va dire que le Québec aurait fait quelque chose de vraiment fou. Mm-hmm. Un fou vibe là que tout le monde veut copier. Mm-hmm. Montréal, quelqu'un de Montréal l'aurait pris et l'aurait juste modifié à sa manière. Déjà, et ça passe, Montréal l'aurait battu. Là, t'amènes un point. Déjà, c'est une raison pourquoi on va pas percer à l'international. Parce que Montréal n'a pas d'identité musicale clairement reconnaissable à l'international. Ok, mais ça arrive. Non, mais chaque ville a une identité musicale. Guess. Mais nous, aussi. On en a pas. Ville, ça, le problème, on en a pas. C'est pour ça. On aurait pu l'avoir avec Jeune Loup, malheureusement, en rap. Ça aurait été une catastrophe. Sur mon rap à moi, c'est pas mon rap. Ça aurait été une catastrophe que ce soit Jeune Loup qui soit. Mais c'est ça que les Français aiment. C'est tellement niché. Oui, non, mais. Mais les Français aiment les gars qui font des affaires drôles. Comme Roy Enoch, c'est pour ça qu'il a passé, là. Il était drôle, il avait un beau charisme, il a passé. C'est pas bon pour notre crédibilité. Déjà, trois, le gars qui ressemblait plus à Roy Enoch, il a passé tout de suite. Mais parce que tu ressembles à Roy Enoch, c'est Roy eux, c'est ça le blueprint. Roy Enoch, musicalement, il le prenait pas au sérieux. C'était un mouvement. Mais c'est un mouvement qui va fonctionner pour n'importe qui, là. Si tu fais des jokes plates et que... Je suis désolé, si Jeune Loup, c'est son genre de musique qui était le plus populaire ici. Si mon cousin français vient ici puis il me dit c'est quoi qui bombe en ce moment, je lui montre pas Jeune Loup là. Mais ça va montrer qui? Non mais. Bah non, vas-y, il va rire. Déjà, non, ça va montrer qui? Mais je vais montrer ce qui se fait ici. Non, t'as montré Lost. Et Lost, c'est pas assez. Et là, tu me disais, oh mais Lost, il a pas évolué, il a pas monté au niveau que tu veux. Là, quand je veux plus. J'ai pas dit qu'il était rincé. Non, là. Je t'ai juste dit qu'il est coincé à 90. C'est ce 80 là, toi, qui séduit pas les gens de l'étranger qui viennent ici et qui l'écoutent. Non, je vais contester ce point là. Je pense pas que Lost ait tant écouté ça à l'international. Il est moins écouté que ça. Est-ce que toi tu penses qu'il était connu et était écouté comme ça à l'international? Bro, je parle avec des Français. Les Français me disent yo, bro, Lost il l'a. Il manque juste la petite coche et il est parti. Il y avait Badou qui avait fait Bro, arrête de niaiser là. Attends, au Québec, c'est qui se démarque? Okay. Vas-y, au Québec, c'est qui se démarque? À l'international? Vas-y. Dans les 5 dernières années, je dirais Roger Loud. That's it. Loud? Et je loue. Mais là, il y a eu. C'est le seul qui vend des. C'est le seul qui est sold out là-bas! Celui qui a. Il y a sold out quoi? Une salle de combien? Non, là, il va à l'Olympia de Paris. Quoi? L'Olympia, c'est combien? C'est 2014. C'est-à-dire 2000 pour toi, c'est un. C'est deux fois un club Sodac. Déjà, ils sont dans la misère à solder sans inviter tout le village de Montréal. Qu'est-ce qu'il dit, ça, ce gars-là? Est-ce qu'il est sérieux? Tu t'allais au club Soda par hasard? C'est combien? C'est 1000? Est-ce que t'allais au club Soda? Mais est-ce que t'allais au club Soda? Je suis allé au club Soda de Suisse. J'étais là. T'étais là? Oui, j'étais là.
Mais pourquoi là, pourquoi je mentirais là-dessus? Tu veux, okay, c'est qui a fait rentrer en bro, première? Il y avait tout le monde. Il y avait Lost, il y avait Soulja. Arrête de me challenger. La première, c'est qui a ouvert pour Suisse? Ça fait un an, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Moi, je m'en rappelle, c'est 3h prod. C'est pas caca, tu mens. Là, t'es en train de mentir, c'est bien pareil. C'est bon, ok. Donc, si je sors mon téléphone, et on voit mon historique de story Snapchat de moi qui est là, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais comment tu te rappelles pas c'est qui a fait la première de Mais là, c'est tellement insignifiant. Regardez les stories à Chris DeGrasse. Ça, c'est un autre problème des shows. Tu t'en vas dans un show et tu te mets 30 personnes qui font des premières parties. C'est interminable. Comment ça encore les autres? C'est juste 3h prod qui a fait la première partie. Après, il est rentré. Je t'ai dit que j'étais au show. Je t'ai dit que j'étais au show. 30 000 personnes. De quoi tu parles? Quoi, t'es en train de faire du blasphème ici? C'est quoi un blasphème? Mais en train de mentir, bro. De quoi je suis en train de mentir? Je t'ai dit. T'es en train de mentir, faire comme si t'étais un jour au Il laisse pas les gens parler. Moi, ce que je te dis, c'est quand tu t'en vas checker un show, uh-huh. Par exemple, là, je suis allé checker un rappeur de Marseille là, qui était ici là, il y a environ quelques mois. SCH? Non, un autre là, lui qui a. Un autre, j'ai oublié son nom. Bref, t'arrives là, tu veux juste voir le gars. Ça commence à 8h30. Pour des cons en plus, vas-y, continue. T'arrives à 8h30, il y a 6 personnes qui font des premières parties. On s'en coalise toutes deux, on n'est pas là pour venir regarder ça, c'est plate. Donc, moi, je te dis que les premières parties, je les. Ça veut dire, Suisse, c'est ça qui a fait. On va s'en roger dans le live, guys, continue. Non, vas-y, Suisse a mis 6 personnes qui n'avaient pas rapport avant de commencer. Non, mais je te dis, tu me demandes qui a fait l'ouverture comme si. Mais l'ouverture, c'est tu l'as nommé tout à l'heure. On a nommé Yassis Tudon tout à l'heure. C'est qui, troisième prod? Yassis Tudon, tu connais? Je sais pas c'est qui. C'est bon, parce que là, la journée, je veux juste que je réagis à tous tes commentaires imbéciles. Et là, juste toi, moi, ce commentaire imbécile, mais tu m'as dit que le rap de Montréal ressemble plus au rap des States qu'en France, qui est un blasphème pour tout le monde à part toi. Qu'est-ce qu'ils disent, gars? Moi, je trouve pas que les gars sont comme des Français. C'est pour ça qu'on n'aurait pas écouté la vie d'un gars qui écoute pas de rap français. Pourquoi il parle, ce gars-là? Même parce que j'écoute le rap de Montréal. Et qu'il y a même pas Spotify. Et quand les gars, ok, j'ai pas Spotify, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au moins, le truc, il n'y a pas que tout ce que t'écoutes dans ton Spotify. T'écoutes les mêmes gars que moi. On va pas retourner sur le. T'écoutes les mêmes affaires que les mêmes gars que moi. On va pas retourner sur le Audio Mac. Non, moi, c'est un gars de Montréal, s'il vous plaît. Moi, c'est 5 artistes. T'écoutes les mêmes gars que moi. T'écoutes les mêmes gars que moi, mais je sais que t'écoutes les mêmes gars que moi. Vas-y, Audio Mac, monsieur. J'écoute pas Ratch. Mais j'écoute Ratch. Tu m'as dit nommer 5 gars de Montréal ou 5 gars que tu. Le gars que j'écoute le plus enragé à Montréal, c'est Bloodshot. Okay. Et je sais que t'es coupable Bloodshot parce que t'es un petit gars bloqué. Non, j'écoute pas. Je sais. Arrête de faire comme si j'écoute les pas parce que moi, ce genre de chanson, ça me parle pas. C'est con. Okay. Déjà, c'est en anglais. Ok, fait qu'on va aller dans ce segment-là, whatever. Chris, t'avais fait un take. Yo, guys, vous êtes en train de me tuer, guys. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quoi, Chris, t'avais justement fait des takes, puis t'as fait des critiques sur le street rap, sur certains artistes, sur les diss tracks. Comment toi, tu vois les diss tracks à Montréal, puis ce street rap-là? Bon, les diss tracks, moi, je regarde ça. Tu les comprends même pas. C'est con, ce gars-là. T'es pas de la ville, je comprends pas les distracts. J'habite ici depuis 3 ans. Ok, ça veut dire le Johnny Beck, c'est pour qui le distract? Je vais pas parler de ça, mais j'ai compris. J'ai compris. Pas. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Ok, continue. Je suis dans la ville, je sais que c'est ça. Bravo, inspecteur Gadget, t'es dans la ville, mais comme on comprend, il y a Internet ailleurs aussi. Vas-y, continue, vas-y, Chris. Mais oui, bon, les distracts, on les écoute de l'extérieur, on les check comme du divertissement. Vas-y. Mais c'est des noirs qui se sont entre eux, entre noirs. Ultimement, après, est-ce qu'on a notre responsabilité? Est-ce qu'on on encourage ça? C'est quoi la responsabilité que tu penses qu'on devrait avoir? Genre, je pensais, as media ou comme. Aucun, parce que la fin de la journée, c'est comme. Aucun. On est très limité un peu. Aucun, parce que. La musique, elle est bonne, mais après, s'il y a des choses qui sont real là-dedans, c'est non, quoi c'est que des, c'est faire, des adultes qui agissent délibérément. Comme. On va pas les paterner, là. Comme ils agissent en connaissance de cause. Ils savent ce qu'ils disent, ils savent pourquoi ils disent, ils savent qu'est-ce que ça risque de leur apporter. Donc, nous, on consomme ça comme du divertissement, puis ultimement, advienne que pourra. Ce qui va arriver, mais c'est comme ça. Comme la musique elle est bonne. Ouais. Tu bouges mais, ta tête. Mais d'enfant, toi, tu vas dire, ok, c'est comme, est-ce que tu vas dire le street rap en ce moment, c'est ça qui domine un peu la culture? Ben oui, qui... ben oui, c'est juste ça, c'est ça qui intéresse les gens. Là. Comme si tu veux, les diss tracks, c'est toujours les trucs qui font le plus de bruit. Qui est viral. C'est divertissant de l'extérieur. Mais là, après, quand tu commences à voir que yo, c'est des vrais cousins de gens qui décèdent, des trucs comme ça, tu te poses un peu la question de est-ce que. Mais quand toi, t'as fait justement les critiques sur TikTok de ça, est-ce que t'as eu des messages? Il y a des personnes qui sont venues te parler par rapport à ça? Non, pas plus que ça, parce que les choses que je dis, comme il dit, moi, je suis pas trempé dans ces histoires-là. Donc, c'est vraiment des informations d'Internet. Là. Tu check tu fais 1 plus 1, t'as pas besoin d'avoir un bac en astrophysique pour savoir qu'est-ce que l'acronyme AGK veut dire. OK? Comme, je sais pas si tu. C'est pas. Il a utilisé des gros mots juste, puis il a regardé. Il a dit des gros mots, puis il a regardé Ticlo. Non, c'est... mais l'acronyme, mon frère, parce que.
éduqué, on va dire, peu importe. Mais c'est dit dans la presse que ça veut dire éduqué. C'est juste pour ça que non, c'est juste pour te dire quoi que... le terme. Exact. C'est pas parce que c'est dedans. Là. Exactement. Et j'ai pas besoin. Tu joues à ça, là. Exact. J'ai pas besoin de, comme je te dis, un bac en astrophysique pour comprendre un diss track, ça veut dire quoi? Quel quartier en bif en quel quartier? Okay. Donc je vois pas c'est quoi le point que tu essaies de dire. T'es pas dans la ville. J'ai pas besoin. Quelqu'un qui habite au Sri Lanka, là. Ok, vas-y, t'écoutes. Ah, t'écoutes pas Bloodshot, c'est juste pour ça. Parce non, c'est... Bloodshot, par exemple, si t'écoutes son album, tu vois où ça, ça s'enligne, qui il vise, t'aurais jamais pu dire quoi, qu'est-ce qu'il dit, quoi il, de quoi il parle, si t'es pas un gars qui écoute, t'es pas dans la ville. C'est juste des beats comme ça, okay. Par exemple. Mais là, le problème, c'est juste... Là, t'essaies de dit, faire tu comme m'aurais dit la même chose avec King Von? Von, je sais de quoi il parle, parce qu'il y a une documentation derrière tout ça. C'est aussi c'est clair. Sérieux ou quoi? King, c'est aussi clair pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. Mais on va dire, un gars comme un Bloodshot, on va dire, qui arrive à te faire en audio, il te fait même pas ça en clip, en audio, il arrive à t'enregistrer des 20 000 à 30 000 views. Qu'est-ce que ton rappeur favori fait même pas avec des audios? Là, maintenant, t'es en train de me dire que tu comprends tout ce qu'il dit dans son album, tu vois où il s'enligne, tu vois qui vise, etc. Je crois pas, là. Je sais pas pourquoi tu me parles de Bloodshot. Non, parce que. Moi, c'est ça que j'écoute. T'as dit, t'écoutes les mêmes rappeurs que moi. T'écoutes pas les mêmes rappeurs que moi. T'as jamais écouté les mêmes rappeurs que moi. Okay, t'es bloqué à Québec. T'es notre fan. T'es nos fans de notre ville. Tous les gars qui blondent, qui arrivent à faire un minimum de bon, parce que c'est leur queue, parce que t'as besoin de suivre ces gars-là. La dernière chose. Moi, je suis pas besoin de bouger comme ça. La dernière chose. J'écoute la réalité de la ville. Il laisse personne parler. Mais parce que je veux parler quand je parle. C'est pour ça que je veux pas parler. Vas-y. La dernière chose que je veux ressembler, c'est un gars qui arrive pas à aligner deux phrases qui font du sens. De quoi il parle, depuis tout à l'heure, je te parle et tu comprends qu'est-ce que je dis. Non, ça fait pas de sens. Pas aligner deux, trois phrases. Parce que là, il y a du taf à faire. J'ai un peu bavé dans ma bouche, peut-être, non, et j'ai une gomme. C'est impossible, t'arrives pas à m'entendre, à comprendre qu'est-ce que je suis en train de parler. J'entends ce que tu dis, je ne comprends pas. C'est pas clair. C'est pas clair. T'es imbécile, t'es pas là à l'école. Tu fais juste. T'es pas là à l'école. Je suis pas ma faute, t'es pas capable de dire, ça veut dire quoi, diffamation. Je ne comprends pas. T'es pas capable. Il a dû te sauver, t'es pas capable. Tu utilises des mots qui dépassent ton intelligence. Je suis en train de te montrer à quel point je sais parler français. Là, t'es en train d'essayer de dessiner, faire le comique pour montrer que je parle pas français. Moi, j'ai toujours. Écoute, regarde, j'ai toujours laissé ces moments organique, mais on a des appels aussi pour pouvoir embarquer là. Tu comprends pas qu'est-ce que je dis, c'est ma faute là. Je suis pas un fanboy de Montréal. La dernière chose que je veux ressembler, c'est quelqu'un comme toi. Mais t'es un fanboy. Mais yo Broski, tous les gars de Occupation Double qui t'ont donné ton minimum de clout là, toi c'est des gens de où? C'est pas des gens de tes régions là pour qu'ils t'ont montré dans ce contenu sur Occupation Double? Rien à foutre, bro. It doesn't matter what you think. Exact, tu vas pas regarder. Allô, allô, allô. Tu m'as follow, oublie pas. Tu m'as follow parce que t'es devenu mon fan, parce que j'avais bon par rapport politique. Tu m'as follow. Là, maintenant, tu vas prendre des grades comme si t'es un gros gars ici. Tu follow, t'es fou, quoi. Tu follow quelqu'un sur Instagram, c'est que t'es son fan. Mais t'es mon fan, toi. Toi, personnellement, t'es mon fan. Si t'es le. C'est juste parce que moi, à la fin de la journée, je suis pas un fucker. J'essaie d'accepter le plus de personnes que je peux. Je t'ai mentionné comme un fan dans une story Instagram. Mais t'es allé dans les commentaires de mon entrevue avec Izias et Chuis pour pouvoir me donner. Je suis pas venu te regarder toi là. Toi là. T'as regardé qui? Toi? T'es mon fan. On t'a mis ici à rap politique. Et si t'étais pas à rap politique. Je suis un plaid. Ma bad. Toi qui es pas à rap politique, ça élèverait le niveau. Parce que tu. T'abaisses le niveau. J'abaisse le niveau, faut mieux. C'est mon entrevue avec Avatar, j'ai baissé le niveau. Ok, so. Ton interview dans Avatar. On a un appel dans live, whatever, guys. On va prendre l'appel parce que vous êtes en train de. De fucking me dead, genre. Non, ma bad, parce que. Non, mais. Non, mais parce que je vais répondre d'une manière un petit peu fuckée avec ce petit partenaire-là, parce que ce partenaire-là croit qu'il est dans un niveau que je comprends pas qui est. TikTok, tu bombes dans la vraie vie. T'as rien crié. T'es zob, rap politique, t'as fait. Rap politique, m'a fait, c'est quoi? J'espère, man, pour de vrai. Ok, on va là avec la personne qui est en ligne. C'est qui est en ligne? Genki. Genki, my guy, Genki, I really know, so vas-y, donne ton take. Donne mon take, c'est un peu... Donnez mon take sur quoi exactement? Whatever you want to say, bro, t'as appelé, fait vas-y. Comme je dis, Genki, comme moi, je dis, c'est chez toi, fait vas-y, parle, bro. Ok, moi, là, pour de vrai, j'ai une question pour toi, Chris. Quand t'es online, puis tu donnes tes takes, genre, c'est quoi ton but, ton ultimatum? Genre, c'est quoi que t'essaies de... Comme, c'est quoi le message que t'essaies de faire passer quand tu fais tes lives et tout? Par rapport à quoi? C'est parce que je fais plein de pièces de contenu. C'est quoi ton drive quand t'es online? Parce que ça, c'est l'affaire que je comprends pas, bro. J'arrive pas bien à capter, bro. Je comprends pas l'essence de la question. Parce que je fais, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi je fais des vidéos sur Internet? Yeah, ouais, vas-y, explique. Pour divertir les gens? Ok, mais c'est parce que comme... Genre... Est-ce que comme... Moi, tu sais comment je t'ai connu? Moi, je t'ai connu parce que je suis passé sur un live de toi... où t'étais en train de dire que t'avais peur des musulmans pis de l'islam.
Puis ça, j'avais pas compris trop bien. Puis là, après ça, t'as pas monté des gens sur ton live. C'est pour ça qu'on peut pas avoir ça. On va laisser Genki finir, puis après, tu vas pouvoir répondre et tout, whatever. Fait non, là, tu l'as connu par rapport à une vidéo qui parlait sur l'islam. Continue, Genki. Non, parce que moi, comme je l'ai juste vu, j'avais vu ces vidéos vite fait où il parlait de comme. Il parlait des gars qui faisaient des beats à Montréal, tout ça, tout ça. Puis là, je tombe sur un live, puis il dit. Il parle avec 2-3 musulmans dans un col. Puis il dit j'ai peur des gens qui pensent qu'ils sont dans la vérité et tout. Puis j'avais pas trop bien compris ça. Là, je te parle en live. Ça, c'est la bonne côte. Bon, je t'explique. Vas-y, Chris. Déjà, t'es arrivé. C'est pour ça que tu peux pas dire ça comme ça, parce que t'es arrivé en plein milieu du live. C'est-à-dire que t'as pas suivi dès le début. Non, depuis le début, je suis là. Ok, mon point, c'est que pourquoi moi, by the way, je crois pas en Dieu. Genre, je suis pas religieux. Mais tu crois en aucune religion, plutôt, à la base. Ouais, de base. Okay. Moi, je disais dans ce live-là que les gens qui sont sûrs de eux, c'est eux qui me font peur. Des gens qui sont sûrs d'une idée. J'ai la vérité ultime. Exact. Okay. C'est ça le point. Ok. Et c'est juste que là, dans le live, il y avait des musulmans. Ça fait que eux, c'était des gens qui sont sûrs d'eux au niveau religieux parce qu'ils remettent pas en question la possibilité peut-être que même Dieu existe pas. Donc moi, je dis, les gens qui sont sûrs de eux, c'est eux qui m'inquiètent. Mais là, je parle à des musulmans. Mais je parle que les musulmans, ils me font peur là. Pourquoi ils me feraient peur? Ok, ben c'est bon. Moi, je voulais juste avoir cette explication. Ben, tu vois, là, parce que ouais, parfois, comme on dirait que comme comment tu parles, on dirait c'est comme si que. Parce que là, tu me l'expliques bien, parce que là, on est en live, on est devant comme 400 personnes, mais on dirait quand t'es en live, t'essaies de comme ça, c'est l'affaire. Non, écoute, tu peux deviner que t'es musulman. Voilà, je fais mon buzz. Écoute, tu peux deviner que t'es musulman, et c'est pour ça que tu l'as interprété comme ça. Donc ben non, j'aurais pu être n'importe quoi d'autre. Non, parce que là, aucun rapport. Ben non, bro, j'aurais pu être n'importe quoi d'autre. C'est juste quand t'es en live, on dirait ce que tu fais quand tu rentres dans ces propos-là. T'essaies juste de cloud chase parce que tu parles d'affaires que tu connais même pas. C'est ça qu'il fait, bro. T'inquiète pas. Tu laisses les gens, bro. Quand tu fais embarquer des gens sur tes lives, bro, c'est juste tu les laisses parler, tu les laisses avoir des gros arguments, puis toi-même tu parles même pas. L'autre fois t'étais juste en train de manger. Donc tu veux que je parle? Ouais. Puis on est en train d'avoir un débat sur la religion. Pourquoi tu veux que je parle? Non, mais bah allô, je sais pas, au moins tu vas faire tes recherches avant de commencer un live sur débat religieux. Ben oui, il y a rien de mieux qu'une recherche qu'une musulmane. Que non, mais tu fais des niaiseries là-dessus, bro. Ça, l'affaire que je comprends pas. Non, ça, tu parles juste comme un gros xénophobe, puis par rapport... Utilise, qualifie-moi de xénophobe si ça peut ça te fait mieux dormir la nuit. Moi, ce que je te dis, on était dans un live... Moi, je dors fucking bien la nuit. Ok, dors bien. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on était dans un live, puis là, il y avait une musulmane qui m'expliquait, et honnêtement, cette femme-là, tu peux lui demander, j'écoutais, elle m'apprenait des choses, c'est un monde qui m'est complètement étranger. Ouais, mais justement, on dirait que tu prends pas ça au sérieux, c'est ça l'affaire avec toi. Moi, je suis une personne de base qui est assez laid back. Donc, je suis en train de faire un live, on discute. Parmi entre sujets sérieux, ça discute. C'est comme ça que je fais du divertissement. Après, l'interprétation que t'en fais m'est complètement égale, je te connais pas. T'as fait l'interprétation que t'as fait, je fais du contenu. Je suis pas devenu connu en faisant des lives sur TikTok. Je suis pas devenu connu en faisant des vidéos sur le rap. Ça, c'est peut-être 4-5 pièces de contenu. J'ai sûrement posté 600 vidéos cette année. Donc, ton avis m'est plutôt égal. T'as fait l'interprétation que tu voulais. Mais je n'ai pas donné un avis, j'avais une question pour toi. Puis là, tu refais la même chose. Ouais, parce que là, tu refais la même chose, bou. Comme ça, tu refais, ça, c'est pas une question. Tu reviens sur l'attaque, genre, comme c'est bizarre. Oui, ben oui, ben attends, parce que toi, tu m'as pas attaqué? Ben tu penses que je vais te laisser? Je suis arrivé. Non. Peut-être que mon intervention était un peu agressive. Exactement. Je t'ai redonné ce que tu m'as donné. Ouais, mais je t'ai pas attaqué, bou. Oui, tu vas pas me dire. Mon intervention était un peu agressive. Non, comment les gens parlent de toi, c'est vrai que tu parlais bizarre, bou. Je m'en fous de comment je parais. Tu vas pas venir me faire croire que c'était une question que tu as posée de manière objective. On a senti l'intonation que tu as donnée à la question. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que ça c'était une question? Est-ce que c'était une question ouverte ou c'était une question qui était visée? Chris, comment tu m'as répondu après? C'est ça qui a fait que je suis devenu un peu agressif. Oui, parce que ta question, de base, elle était hostile. Non, elle était pas hostile. Oui, c'est toi elle qui était hostile. Comme hostile parce que même live, t'étais déjà dans ton mood hostile. Ben oui, et je t'ai répondu comme tu m'as posé la question. T'es pas arrivé de bonne foi, donc je t'ai répondu comme t'es venu. Ok, comment je peux arriver de bonne foi? Parce que je suis musulman puis je t'ai posé une question sur l'islam? Check. Ben, on sentait que ta question était dirigée. Comment j'ai pu deviner que t'étais musulman? Oh, ok. Si ta question était pas teintée, comment j'aurais pu deviner? Ok, bon. Il a dit ok. Est-ce que t'as une dernière question à poser à Chris? Parce qu'on va passer à un autre appel, il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que t'as une question à poser à Chris ou tu veux juste finir ça? Pour de vrai, shout out Kéké, shout out T-Claude, man. Shout out frérot. Tu sais, déjà, on est ensemble.
Shout out Genki. Il s'est fermé ce vagabond là, mais il est dur à fermer. Mais moi, c'est un gros nec, tu sais comment. Ok, fait qu'on va là. On fait les bails sur nous. Fait que toi, tu penses que c'est quoi? C'est quoi tu disais comme ça qu'il fait du cloud chase? Non, il fait du cloud chase, mais son cloud chase c'est intelligent. Les gens utilisent le mot. Les gens utilisent le mot cloud chase. Je suis connu avec ou sans ça. Bro, pourquoi tu fais 5 chaînes? C'est parce que t'as besoin d'avoir 5 sous. Et les 5 chaînes, elles font 20 millions de vues par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te suivent. Parce que je suis bon, parce que la réalité, 20 millions. Parce que 20 millions je suis pas... Ça veut dire que tu fais combien par l'année, annuellement? Je suis pas, ça te regarde pas. 20 non, millions. Parce que tu avais dit que tu faisais attends. 100 000 sur Internet. Oui, c'est pour ça que oui, j'ai déjà de vu des vraies sommes sur Internet. Je crois pas. J'ai déjà vu des vraies sommes sur Internet, et je te dis. Vas-y. Ok, so on a un autre appel. Hey, yo, est-ce qu'on m'entend? En forme. Yo, ça c'est Roseway, c'est sûr, c'est la voix à Roseway. Ça c'est Roseway, ça? Ouais, ouais, en forme. Yo, my bad, c'est Roseway, man. On est avec la version Wish de toi. Wow! La vérité, yo, le live est fucking entertaining, man. Yo, respect, les gars, vous êtes en train de faire un gros show. Donc, même s'il y a de l'engouement et que c'est un peu bizarre l'ambiance, yo, j'adore. Non, l'ambiance est bizarre. Let's go. Mais vous savez, c'est ça qu'on fait. Mais tu vois, on va toujours faire du entertaining, mais avoir les real talk, puisque ce que j'aime et tout, c'est que Chris, puis Ticlo. Avant que Roseway pose sa question, je tiens à dire. Je suis pas connu sur Internet parce que je cloud chase. Tu m'as posé la question pourquoi chase. J'ai 5 comptes. T'as 5 comptes parce que t'as besoin de 500 euros. Yo, Kiki, on peut même pas parler. Il fait juste parler comme. Est-ce qu'il. Mais non, mais c'est tellement désagréable. C'est désagréable, mais moi je suis pas ta bitch. Je vais parler quand j'en parle. Ok, mais c'est quand même le guest. C'est quand même le guest aujourd'hui. Vas-y, fait Chris est le guest aujourd'hui. Et on a Surtout pour des gars qui t'ont mis ici, là. T'as travaillé aucune. Je travaille pas dans une plateforme, je suis pas un cloud chaser. Ok, so guys. Parce que ceux qui travaillent une plateforme, c'est des cloud chasers. Mais toi, t'es un cloud chaser parce que tu vas sur d'autres plateformes pour faire ton view. Mais quelle view? Sur ma putain de chaîne YouTube, dommage. Ok, est-ce qu'on peut reprendre la motion? Non, je vais juste répondre à sa question. Il m'a demandé. Mais attends. Yo, je lançais des fleurs à Negroski parce que pour de vrai, yo, t'es un trendsetter. Yo, vas-y, Roseway. Avant que je commence à faire YouTube, pour de vrai, j'ai checké les gars ici qui faisaient du contenu. Puis c'est attends, là dis-le plus fort, le gars qui a pas Spotify, il entend pas. Ne prends pas. Yo, ferme ta gueule, laisse-moi parler. T'es notre bitch, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Parce que pour de vrai, sur Snapchat, on a vu comment t'étais docile devant Enima. Pourquoi tu parles? T'aurais voulu avoir une vraie vie avec Enima. Attends, on a vu. Ok, guys. Faut modérer la conversation, guys. Faut m'écouter. Non, Ticlode. Je sais, mais Ticlode. Là, on a littéralement 4 media person here. Fait qu'on a Roseway qui est là. Il y a Chris Negroski. Attends, c'est 4 énergies qui sont extrêmement fortes. Attends, mais Kiki, depuis tantôt, il coupe la parole. Moi, quand il parle, je l'écoute. Hein. So, guys. À la fin de la journée, je dois modérer la conversation. Vas-y. Tu comprends? Faut que je reprenne les rênes du podcast. So là, on va laisser la chance à chaque personne pour parler. Parce que là, comme je dis, là, c'est comme si c'est les Fantastic Four qui sont là. Fantastic Five, parce que Cyrano est en Égypte, mais il regarde les affaires et tout. So on va laisser Roseway faire son take. Chris va pouvoir répondre, faire un rebuttal. Ensuite, toi, tu vas pouvoir. On y va comme ça? Le micro est là, je touche. Vas-y, fais Roseway, vas-y. Good job de médiateur, Kéké. Yo, ce que j'allais dire, respect à Negroski, c'est vrai que c'est un trendsetter sur le YouTube game québécois, no cap. Mais respect aussi à Ticlode. Yo, il y a une grosse influence. Je me rappelle des games à Antique, quand il faisait ses reviews. J'aimais son énergie. Oui, les gars, ça se passe. Negroski, c'est pas un gars de Montréal, tu peux pas relate. Bro, il y avait deux chats puis un sans attends, guys, arrêtez. Roseway parle, guys, arrêtez de parler. Roseway parle, arrêtez de parler, guys. Vous allez avoir votre temps pour parler, arrêtez de parler, please. Merci. Vas-y, Roseway. Là, je vois que c'est chaud entre les deux. Moi, puis le chat, yo, on est en train de regarder. Yo, il y a des gens qui ont pesé pour Ticlode. Il y a des gens qui ont pesé pour Ticlode. Le score est 4-1, Negroski, OK? Ticlode. Fight back, man. Yo, fight back, bro. Le score de quoi? Le monde fait 4-1, que t'as 4, lui, il y a 1. Mais t'as 4, il y a 1. Le débat est tellement inégal. Mais vas-y. Vas-y, Roseway. C'est ça. Ticlode va pas la perspective qu'en ce moment, il agit de façon ignorante, puis que les gens sont là aussi pour avoir un certain flow de conversation. Ticlode, t'es émotionnel live, on le ressent aussi. Puis il coupe la parole depuis tout à l'heure. Roseway, je suis pas émotionnel, je fais juste parler toujours comme ça, frérot. Tu vas avoir le temps de parler, t'inquiète.
dis ce que tu as à dire, formule-le de la bonne façon, puis arrête de toujours vouloir comme si embarquer sur Negro Ski. Ça paraît mal. Ça paraît que tu t'es senti attaqué, t'as perdu, puis là, tu veux avoir ton get back. Broski, si t'as bien suivi l'entrevue, tu vois la première entrevue quand il m'a demandé de... Pas la première entrevue, première intervention. Mais tu vois, les gens dans les commentaires, je suis pas même mind des gens dans les commentaires, je sais comment ça marche, frérot. Les gens vont être contre moi parce que j'ai une communauté qui est contre moi, malheureusement. Mais cette communauté-là, j'en ai rien à foutre de qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont contre toi parce que t'es médiocre. Mais yo, mais 3-3 sur 3, t'es quoi? Toi, t'es en train de decry toutes les autres plateformes et là, tu crois que... Mais occupation double, comment tableau? C'est pour ça tableau, frérot. Je vais même pas parler, je vais te laisser parler, mais yo, Broski. Comment on appelle ça? Un gars comme Kousoué? Kousoué, là, il dit pas. Mais quand il va dans des baskets libres avec moi, là, les gars disent, yo, t'es comme si t'es le petit de Cyclope parce qu'il est parti, comme s'il est passé après moi. J'avais, tu vois, à cause de rap politique, c'est comme si j'avais un grade sur monsieur. Mais là, je suis comme, yo, les gars, vous êtes négés. Lui, il était vraiment là avant moi, il faisait ses affaires et tout. Yo. Construire, j'ai jamais à dire j'ai pris un grade sur toi parce que je sais, tu faisais tes affaires, je sais pas si ça te rapportait ou pas. On va continuer avec Roseway. Attends, il y a RDC XO qui dit c'est fucking viral, Ticlo, slack sur l'alcool, please. Il y a Skippy the Boss, no lie. TC, pas une entrevue, tu laisses parler quelqu'un. Skippy the Boss, ah, pourquoi t'es ici, la Joel Marie? Puis Philippe de Grand Prix. On peut pas discuter, il fait juste couper, il fait juste interjecter. Mais tu peux pas discuter. Coupé aussi quand je parlais, frérot. Là, c'est les deux côtés, frérot. Vas-y, Roseway. Tu peux pas dire que OD, que Negroski, il cloud chase OD alors que quelqu'un a invité Ademo et Kari à faire des interviews. Ça veut dire. Parce que pour moi, Ademo, c'est un rappeur aussi, puis Kari, c'est un DJ. Fait, moi, j'ai quand même. Negroski est roi. Ben oui, lui, non, l'affaire, c'est quoi? Ok, je t'en dis avec toi. Negroski, non, c'est que Negroski, déjà, il supplie. Arrêtez de niaiser, bro. Comment? Il y a un show qui s'appelle Occupation Route qui a fait péter un gars montréalais typiquement. Tu vas arrêter de faire comme ça. Non, mais il est haïtien, fait que là, Ticlo va rien dire. Écoute. Mais okay. Qu'est-ce que tu veux avancer avec okay, ça? Est-ce que là, je peux parler? Vas-y. Attends, mais est-ce que Roseway, t'avais quelque chose à demander à Chris? Dans le sens que t'avais une question spécifique? Parce qu'on va aller avec la question, Chris va pouvoir te répondre. Puis ensuite, on va aller avec Ticlo. Fait que c'est quoi la question que t'as à dire à Chris? Non, c'était juste une intervention. Une intervention, ok. La seule façon que tu peux win live, c'est si tu te lèves et tu te passes sous fait à Negro Ski, bro. Wow. Non, mais il a perdu. Il a perdu. On est en harmonie. La vérité, bro. Parce que à la fin de la journée, si tu crois que Musa a gagné parce qu'il a parlé un bon français, c'est juste que ton quotient intellectuel n'est pas assez élevé. C'est pas ma faute, là, frérot. J'ai pas besoin d'être dans tout ça avec toi parce que moi, je sais comment parler blow, là. Tu peux épeler le mot patient. Vas-y, jusqu'à la fin. Tu te lèves, tu passes. Marino, j'ai dit que ça. Non, mais je viens. So, écoute, regarde, merci. Roseway, on va se voir dans quelques jours. C'est ça, dans quelques jours et tout, whatever, on a des trucs à régler, whatever, mais merci Roseway pour l'intervention. Puis moi, j'ai des questions pour vous deux. Tu peux finir l'appel, Alex. Ça fait que dans le fond, est-ce que vous voyez qu'en quelque sorte, vous êtes, je pourrais dire, les voix de la nouvelle génération qui permettait de pouvoir avoir justement. Je sais même pas comment être. À qui poses-tu la question? À vous deux, en ce moment. Qui commence? Ah, ça va dépendre avec vous deux parce que je vais dire un puis l'autre va embarquer l'autre dessus. L'affaire, c'est que est-ce que vous comprenez que vous avez justement ce pouvoir-là de pouvoir créer des conversations, soit avoir le mainstream machine. Moi, je le comprends. Puis c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Puis que quand vous êtes en train de débattre comme ça, à la fin de la journée, est-ce que c'est plus le fait que toi, tu débats à cause que tu n'aimes pas les tics à Chris ou que tu sens que Chris est problématique dans son approche? Parce qu'à la fin de la journée, comme s'il a fait quelque chose pour. Comme moi, je vais pouvoir side avec Chris sur des choses que j'aime. S'il y a des choses que je dis comme c'est fucked up, je vais juste pas commenter. This is not my shit. Quand j'ai vu l'affaire Palestine-Israël, c'est comme dit, no, that's not my shit. Mais après, l'autre affaire, je suis comme, oh shit, j'ai pris une affaire, j'ai partagé dans ma page Facebook, là, yo, ce truc-là. Fait que, est-ce que toi, tu sens que c'est comme, quand t'as Chris devant toi, est-ce que tu sens qu'il veut t'attaquer, il veut t'humilier, ou c'est comme, tu trouves que le panier a une plateforme qui est problématique, je comprends pas. Vraiment pas. Moi, je suis trop un gars comme si je vois tout le monde shine. Si tu me connais bien, moi, je suis le genre de gars que si tu me parles, j'essaie de faire aller ou pas des rappeurs que j'aime, des rappeurs whatever. Je suis trop un gars d'aller ou. Je peux pas être un gars qui va vouloir shut down ou vouloir voir monsieur comme une pression. Rien à foutre. Moi, pourquoi je vais être contre monsieur? Parce qu'à la fin de la journée, quand il était dans l'affaire d'Oltok où il avait dit qu'il n'était pas dans que les enfants soient comme ils reçoivent les images de
de choses qui sont moins appropriées. Yo, je foca avec son take. On allait dans un live, j'étais avec lui avec à 140%. Mais où j'ai vu que je devais prendre quand même mes couilles et défendre mes intérêts, c'est dans l'entrevue DCS et Suisse. Où tout le monde était unanime. Mais les gens qui sont unanimes, c'est des critères comme toi. Tu comprends? Moi, mais pourquoi il faut que tu les suces? Non, je vais les sucer parce que c'est comme non, ça. Non, c'est comme ça. Non, 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 il n'y a pas des suces. C'est comme ça que je suis levé. Moi, je ne suis pas levé dans gentillesse. Fait que dans le fond, en résumé, parce qu'on a encore. On va finir le live, mais il y a trois personnes qui sont encore dans l'appel là et tout. Uh-huh. Écoute, je veux juste te dire, Chris, on n'a jamais eu genre ce genre de hype au niveau des appels et tout. Bro, c'est ça que ça fait quand t'as quelqu'un qui a travaillé pour créer une plateforme depuis 5 ans et il y a des gars comme ça qui sont juste rentrés. Mais tu follow, pourquoi tu follow des gars qui sont juste rentrés comme ça? Je te follow, parce que moi, je suis curieux de voir un gars qui donne son opinion quand il n'écoute pas de rap en France puis qu'il n'y a pas Spotify. Genre, ça veut dire quoi? C'est un phénomène genre surnaturel. Quand je suis en train de t'instruire sur des rappeurs locaux qui sont en train de le dead, toi tu vois pas que. La seule chose que tu m'as pas instruit, c'est pour la définition du mot diffamation. Là par contre, c'est là qu'on t'a pas eu. Okay. Mais bref, est-ce que là tu l'as posé la question, est-ce que moi je peux répondre? Vas-y, réponds. La différence entre moi et T-Claude, c'est que les gens, ils suivent Chris Negroski. Ils suivent pas le gars qui fait Occupation Double. On m'écoute parce que je suis intelligent, je m'exprime bien et j'ai un bon sens de l'humour. Ça fait que peu importe ce que je fais, ça va fonctionner. Je l'ai fait dans les téléréalités, je l'ai fait dans l'actualité, dans le sport, dans le gaming, dans le divertissement. Les gens suivent ma personne. Donc, peu importe où je vais, là, que je fasse 5 comptes sur TikTok, il va avoir 20 millions de vues par mois, man. Parce que je suis ce genre de personne qui attire cette attention-là. Et c'est pour ça que je pourrais jamais discuter avec quelqu'un comme toi qui a rien crié et qu'on t'a littéralement pouronne. Et en plus, quand on te pouronne, t'as même pas la décence de donner un bon niveau. Tu donnes des entrevues catastrophiques, sans structure, tu coupes la parole, tu cries, t'es sous, t'enlèves ton chandail, tu danses. Comme, on te prend pas au sérieux. On te prend pas au sérieux. Et là, tu vas me dire, peut-être les 150 personnes qui ont dit que l'entrevue, tu l'as complètement gâchée, tu vas te dire que c'est peut-être des crétins. Mais d'accord, on était 151 crétins qui étaient d'accord que t'as pas encore la rigueur journalistique que t'as. Et dans cette entrevue-là, t'as paru comme le gars que, yo, on va mettre le petit handicapé dans un match de charité puis il va essayer de jouer au soccer. Puis on va applaudir. Waouh! Bravo, man! On va récolter des fonds. Quand on va aller dormir, on va avoir l'impression que, OK, on a contribué, on a aidé un petit jeune à vivre son rêve. Ça, c'est un peu l'entrevue. Toi, dans l'entrevue avec EZS et Shreeze, c'était comme Make-A-Wish Foundation. C'était comme, oh my God, j'ai rencontré Sidney Crosby, man. Maintenant, le cancer peut m'emporter. C'est ça que t'avais l'air. T'es pas encore rendu là. Et c'est pas en parlant fort, en coupant la parole aux gens, que tu vas rattraper le niveau que t'as clairement pas encore. Je t'ai coupé 4 secondes, je suis pas rendu là de la même manière qu'ils t'ont cut off sur Occupation Double. C'est la même manière que je t'ai pas rendu là. C'était ma deuxième entrevue, et dans ma deuxième entrevue, j'ai sûrement plus d'aide que tes entrevues que tu vas faire dans les prochaines années à venir, et on verra. On va aller aux appels, guys. Tu pourras jamais te comparer. On va aller aux appels parce que, yo, fuck, man. Ouh, ok, so, yo, on va aller aux appels. On a un appel? Si? Yo, what up, what up, what up? Commentaire, question, bro? Dans le fond, c'est sur les points qu'ils ont fait sur la disque, l'album de Lost, le problème de la musique qui ne peut pas s'exporter à Montréal. Yes. Je dois les poser maintenant? Ouais, vas-y, 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 let's go, bro. Ouais, dans le fond, c'est... Comment je pourrais dire ça? Le problème, pourquoi la musique ne s'exporte pas, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de producteur exécutif dans toutes les grandes musiques qu'il y a eu, genre de tous les gros labels américains, je parle, plus, mais Sheik aussi en France, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de producteur exécutif qui est là pour les chansons, pour que les chansons soient bonnes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'exporter. L'album de Lost n'est pas bon comme ça parce qu'il fait le même type de rap beat slow, ça ne donne pas. C'est pas ce que je dis depuis tantôt. Exactement, oui, c'est pas assez bon. Comme non, c'est bon, c'est bon, mais c'est pas assez bon pour le prochain niveau. Exactement. Comme moi, je fais de la musique, ok. Je suis un producteur, je connais plein de producteurs. T'avais pas encore choisi, mais je m'en viens. Je vais venir tranquillement. Je vais pas commencer à. C'est Claude. Je comprends. Tu parles plus comme ces gens, ta mentalité. Je vois dans quel style que t'es. Comme tu dis, tu pars à l'autre puissant. Ta musique, tu connais pas Bloodshot, c'est pas de la musique, ça. Ça, c'est comme, OK, pour le trap, c'est correct, mais c'est pas, si on parle de musique, de gros records qui sont dehors, c'est pas tout ça. Comme, c'est ça, faut que ce soit comme ça. Vas-y, on va laisser T-Claude répondre sur ce take-là.
C'est Claude, vas-y, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce take? Excuse-moi de parler, mais tu as dit que tu es un producer de musique, exactement, un bail comme ça? Oui, ouais. Tu fais la musique pour qui? Plusieurs personnes. Si tu connais l'album de La Fève, il y a une musique dans là-dedans. Il y a plein de producteurs qui ont eu des plaques d'or dans mon cousin, dans mon équipe. T'as dit, toi, t'es un gars plaqué qui est reconnu dans l'industrie de la musique. Ben, je suis pas reconnu encore. Tu veux pas nommer ton nom pour me montrer un peu tes qui? Je m'appelle Breeze. Je m'appelle Breeze. Ouais, Breeze, ouais, je le vois souvent. Ouais, Breeze, il est là. Okay. Oui, c'est ça. Non, parce que comment t'as amené tes points et tout, je réponds comme un petit jeune et tout, c'est juste parce que le partenaire a dit il écoute les mêmes musiques que moi. Mais parce que ce gars-là, il suit toutes les waves de Montréal qui bombent. Moi, j'écoute pas toutes les waves de Montréal qui bombent. So, c'est pour ça que j'ai nommé des gars comme Young Dev quand il venait de sortir du Jail Rappi. C'est pour ça que j'ai nommé des gars comme MCK. C'est pour ça que j'ai nommé comme des gars comme Sadiq. Moi, j'écoute des gars qui sont dans mon lèle, on va dire ça comme ça. So, un gars comme ça qui fait juste suivre le wave qui bombe, qui dit qu'il écoute les mêmes affaires que moi, pour moi, ça marche pas. C'est pour ça que je vais donner ce point-là pour dire « Yo, Broski, de quoi tu parles? T'écoutes pas les gars que j'écoute. Ferme ta gueule, tu comprends? » C'est plus dans ce sens-là. Là, tu veux amener le point que je parle comme un petit jeune. Qu'est-ce que je crois pas que je fais? Mais bon, je vais te laisser parler sur celle-là. Mais si tu suis un peu la conversation, tu vois un peu où je m'alignais. Et c'est pour ça que je me suis aligné de ce sens-là. Parce qu'à la fin de la journée, le partenaire n'écoute pas qu'est-ce que j'écoute. Il c'est un trend sain d'eux. Il va suivre tout ce qui est bon par Montréal et il va faire une critique sur ça. Ça, c'est pas la définition d'un trendsetter, by the way. Peu importe, là. Moi, je suis pas un anglophone, là. Ma calice, mais... On va laisser Breeze faire son take. On va aller à l'autre appel. Vas-y, finis, Breeze. Quand t'es un intervieweur, tu peux pas être subjectif. Ça doit être objectif, ce que tu dis. Pour moi, ça revient pas sur toi. Comme, si t'écoutes ce genre de gars-là, OK, c'est bon pour toi. Mais si on parle de la musique en général, c'est sur une plateforme que... Tu vas parler à tout le monde. Comme, tu ne peux pas te permettre de mettre des gens dehors qui ne sont pas bons comme ça. On doit mettre la bonne musique dehors. Merci. C'est des bons noms qu'on doit mettre dehors. Merci. Comme les gars à Montréal... Ça veut dire Bloodshot, ce n'est pas un bon nom, c'est ça? Je ne comprends pas. Il bump pas. Il me dit qu'il fait de la bonne musique. Ta gueule. Tu ne connais rien. Il bump pas. Je ne peux pas dire que... I got you, Analyse. I got you. Parce que quand on dit qu'on fait de la bonne musique, ça aussi, il faut arrêter à Montréal. On dit qu'on a des hits, mais on n'a pas de plaque pour venir backer cela. Faut arrêter de dire ça, faut arrêter de se donner des props pour des petits 100 000 vues, tandis que c'est pas des 100 millions de vues, c'est pas des hits, c'est pas rémunéré à ce moment-là. Exact. Bloodshot est peut-être un bon rappeur, mais en ce moment, il est pas hype. On va pas arriver au niveau qu'on doit arriver parce qu'on overhype. Juste que vous regardez, si t'as écouté mon entrevue avec Avatar, il dit soyez à l'aise avec vos numéros. C'est un peu ça qui doit arriver. Est-ce que je peux 500 000 pour être en or? Et 1 million pour être platine. On ne vend pas ce genre d'unité. On ne peut pas se permettre de faire comme si on rivalise avec les gens. On est trop petit. Il faut commencer à faire la bonne musique et tout. Là, comme. OK, Soyo, thanks, Breeze. Yo, thanks, Bill, pour ton take, parce que je pense que les gars ils vont débattre là-dessus, puis il faut avoir un autre appel, whatever. Fait que merci pour ton take. Allez suivre whatever sur les réseaux sociaux. C'est quoi tes réseaux sociaux pour que les personnes puissent te contacter pour tes productions et tout ça? Est-ce que t'as Spotify? Nové Breeze. Nové Breeze, OK, allez suivre. Nové Breeze, OK, on va aller à notre appel et tout. Est-ce que vous avez des choses que vous vouliez dire par rapport à ce qu'il a dit? Il a raison. Temps qu'on coordonne notre appel, Alex, il donnera un signe, vas-y. Non, il a raison, man. Comme, peut-être que Bloodshot, c'est un bon... Il fait du bon rap, mais comme dans les charts, et t'as l'air obsédé et obnubilé par les charts, il est pas dans les charts. Non, c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que malheureusement, si tu suis tes rappeurs mainstream, ils font pas, il y a pas beaucoup de rappeurs mainstream qui font les stats de qu'est-ce que Bloodshot fait. On écoute les mêmes rappeurs. Non, on n'écoute pas les mêmes rappeurs, c'est pour ça que j'essaie de t'avancer ça. On écoute les mêmes rappeurs. Toi, t'écoutes les panneaux qui pop. Tu vois ceux qui arrivent à sortir du lot, qui arrivent à arriver jusqu'à Québec, c'est ça, c'est ça que t'écoutes. Moi, j'écoute pas ça. J'écoute tous les gars de underground de la ville. Pourquoi tu crois que MCK, est sorti du lot de ce toi, mon premier entrevue quand j'ai parlé d'MCK, j'étais avec Serrano. Est-ce que tu connais MCK? Serrano était là en train de boguer. Oh non, je sais pas c'est qui. Non, plus, pas mais c'était un blasphème ça, parce que c'est MCK, un blasphème. Bin.
Parce que toi, t'es pas de la ville. Toi, t'es un gars bloqué à Québec. Tu comprends pas. Ok, mais Cyrano, Cyrano, il habite dans la ville, il savait pas c'était qui. Et Cyrano habite dans l'Ouest. Okay. Ça, tu comprends pas. Toi, je pense que t'as pas découvert qu'Internet existe. Hein. Pour toi, c'est encore comme des. C'est un hostie d'imbécile. Non, c'est toi. MCK. C'est toi, tu parles comme si. Vas-y. Il y a la fibre optique à Québec maintenant. Je sais pas si ça vient de t'apprendre quelque chose. Tu sais que quand MCK, quand il a fait ce blasphème-là, tu sais que MTL, les restes, a mis un beat après de MCK pour montrer que. Fais un sondage dans les commentaires. Tu es en train de bon. Fais un sondage dans les commentaires. Qui est bloqué. Qui c'est qui MCK? De quoi il passe, gars? Okay. T'es un critère, ça rien dans le jeu. C'est là MCK, whatever. Mais oui, non, mais ça rien dans l'artiste. C'est juste qu'il est pas quand l'album de Sadiq va sortir, le beat s'appelle, je crois, Guerre Froide. Il y a MCK, MCK, Mike Zob. Je crois pas Sadiq aurait pris n'importe qui pour faire des featuring. Je ne dis pas que c'est un mauvais artiste. T'es un imbécile, bro. T'es pas de la vie. Tu peux pas parler. Quand tu penses pas comme lui, t'es un imbécile. Juste que vous remarquez son langage corporel. C'est vrai. Mais c'est vrai. Quand tu penses pas comme moi, t'es un imbécile parce que moi, je pense comme la majorité. Et c'est lui que tu vas mettre en position de la voix de la jeunesse. Quelqu'un qui quand mais tu penses pas comme lui, je suis pas jeune. Vous êtes la voix de la jeunesse et tout. Il y a pas une personne qui monopolise. Je suis pas jeune. Vous êtes la voix de la jeunesse. Ça, tu on a un rappel. Il y a quelqu'un dans quand le. Quand tu penses pas comme lui, regardez son langage corporel. Il est fermé, il est fâché, il tourne la tête. Yo, ok, guys, il y a quelqu'un qui vient d'appeler et tout, montrer le respect à la personne qui a appelé et tout, whatever. Tous les guests doivent avoir le respect à la politique. Déjà, merci. Faudrait, merci. J'espère que vous passez une bonne soirée, mais déjà, je voulais parler de trois trucs. Il y a trois trucs genre hyper importants. Vas-y, vas-y, bro. Moi, le premier truc que je voulais parler, c'est par rapport à juste à l'interview globale en ce moment. Genre, ça, c'est vite fait, tu comprends? Genre, vous avez un invité en ce moment qui donne la visibilité. Vous, votre plateforme, vous êtes une plateforme importante à Montréal. C'est important d'avoir une certaine structure. Genre, il faut pas commencer à se lancer des mots, puis à commencer à du suspect, parce que à partir de moment, genre, si d'autres personnes tombent sur ça, ben on a juste l'air de clown pour de vrai, parce qu'on n'a pas l'air de personnes qui font des débats genre organisés, puis on peut pas avoir une discussion, on peut pas se promettre des points, genre ça fait pas sens. Puis moi je suis une personne, tu vois, genre j'habite à Montréal, une personne qui regarde ailleurs, elle tombe sur des insultes de ouais t'es con, t'es bête, t'es stupide, non, c'est pas une qualité d'interview, tu comprends? Juste te dire, ça vient d'un côté depuis tout à l'heure, hein. Mais je sais que ça si peut venir pas d'un côté ou de l'autre, pour mais pouvoir dire qu'est-ce que moi je suis en train de dire, moi je suis ce grain là, et tu vois, t'es un imbécile, c'est parce que je le prends. Vous venez de prouver le point, tu vois, il y a même pas fini. Attends, il y a même pas fini de donner sa phrase, vous avez donné raison. Ok, guys. Il y a même pas fini sa phrase, puis vous lui donnez raison. Continue à parler, mon frère. Vas-y. Parlez, oui. Non, mais l'invité parle. Non, tu peux parler. Tounzi. Tu vois, tellement caca d'avoyer. Parce que le patin est en train de me dire tout à l'heure. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu vas avoir un temps de répondre. C'est pas un combat. Il faut que tu puisses comprendre. C'est que dans tout ça, c'est une game médiatique. C'est pas personnel. C'est du. Mais tu peux pas le prendre. Mais juste. Non, c'est personnel. Mais la personne est partie, là. Ouais. Il est enragé. Mais il commence à donner un gros tic, là. Mais il donnait un gros tic. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'international. Il a donné un gros tic, je sais même pas c'était qui. Ma faute, il est parti. Non, j'arrive. C'est des guesses. J'arrivais comme ça. Là, lui, il va dire c'est quoi, j'ai jamais peut-être appelé à rap politique parce que. Mais c'est ça à faire le problème. C'est que je comprends qu'est-ce que tu amènes. Je suis assez mature pour comprendre que qu'est-ce que tu dis, t'as raison. C'est pour une vision plus loin. C'est vrai que c'est mieux de parce montrer. Parce qu'on traite pas bien. On est capable de. Ouais, aussi. Mais c'est très bien de montrer qu'on est capable de faire des grosses conversations, des échanges avec nos invités. Mais l'affaire, c'est que. Ton invité me parle mal. Moi, je suis pas un imbécile. Là. Je vais pas prendre un pari qui me parle mal. Je réponds mal aussi. Là. Est-ce que t'avais ce ressentiment sur Chris Negroski? Il n'y a pas de ressentiment, même, bro. Moi, la fin, tu comprends pas, c'est Negroski. Tu vois, quand il est rentré dans le studio, est-ce que j'ai essayé de faire du là-dessus? Jamais. Je peux pas être susceptible comme ça. Ok, il y a quelqu'un. J'en prends et j'en perds. Est-ce qu'on va respecter notre guest? Je respectais même, mais c'est juste. Il est revenu. Ouais. Respectez notre gars, s'il vous plaît. Vas-y, continue à parler, frère. Désolé pour t'avoir coupé la parole. Moi, je sais pas comment ça l'a coupé, là, mais en tout cas, juste enlever ce. Je voulais juste enlever le concept aussi de cocksucking, parce que ça, depuis le début, je vois que ça se dit. Arrêtez de dire, genre, le cocksucking, pour vrai, c'est le concept que je vois. Je vois beaucoup ça à Montréal. Le concept de cocksucking, c'est des trucs tellement stupides qu'on a créé pour je sais pas quelle raison. Et si on partage des gens ou on parle d'autres personnes, c'est pas du cocksucking en soi. Genre, c'est tellement, genre, c'est ridicule de juste vouloir partager quelque chose qu'on aime. Puis de dire que c'est du cocksucking. Je vois que tu l'as beaucoup utilisé, Tiklo. C'est pour ça que je fais référence, tu comprends? Tu devrais pas dire cocksucking parce qu'un tel gars partage quoi ou il parle de l'autre, tu comprends? Genre, c'est pas parce que tu parles de Bloodshot que tu cocksucks Bloodshot, non?
Fait que genre, tu parles de quelqu'un, c'est chill. Fait que genre, non, mais lui, quand il s'incline devant. Laissez-le. Okay. Parce que t'as dit, ça va être 3 points, right? Ouais, ouais. Puis, ok, finis avec ce point-là, va avec les autres points parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans la ligne. Ouais, je comprends, je vais faire ça quick. Puis au niveau aussi de la musique en général, tu comprends? Genre, les featuring, maintenant, la musique, c'est un business, tu comprends? La musique, c'est plus là juste pour faire de la musique. La musique, maintenant, les featuring, tu les payes aux États-Unis, tu payes pour avoir un featuring. Après, c'est ton boy. Même si c'est des boy proches, ils payent pour les featuring. Ce concept de tu payes pour les. Oh, t'es une bitch parce que tu payes, t'as pas le choix, beau. La musique, c'est une game d'échecs. Tu dois savoir quoi, où jouer. Il faut juste être smart dans la musique. C'est comme ça que ça marche. Puis, je voulais revenir, pourquoi la musique à Montréal, ça marche pas? Mais c'est parce que, au final, beau, la musique, c'est hyper, hyper subjectif. Il n'y a pas de musique objective qui est meilleure que les autres, que tout le monde peut relate et dire, oh, c'est la meilleure musique. Il y a juste plus de personnes qui vont aimer ça. Et qui au final, ben, ils vont se rejoindre ensemble. Ça va être une musique qui va être partagée par plusieurs. Puis c'est juste ça. Enfin, au final, on a beau dire que les stats, ça compte pas. Oui, malheureusement, que tu veux ou pas, qu'un gars qui fait 10 000, pour toi, il peut être fort. Il peut être fort, mais il mange pas à la table de personnes qui ont influencé des générations comme Niska, comme Nino. Tantôt, je trouve ça disrespect des gars qui ont des grosses carrières comme eux de dire que vous avez mentionné qui tantôt qui pouvait rester à sa table. Moi, j'ai pas personne osé. À Montréal. Exact. Il y a personne à Montréal, mis à part peut-être Enima, peut-être Enima. Exact. Il n'y a aucun à Montréal qu'on peut poser dans un studio et que le gars se sente pas disrespect d'avoir été avec cette personne-là. Je ne sais pas être contre eux. Il a raison. Les gars, écoutez, la musique est en soi, il y a une bonne idée, mais il faut plus travailler. Tu comprends? Des fois, il faut mieux mixer. C'est la qualité de la musique, il faut qu'elle soit un minimum de niveau. Tu comprends? Et il faut juste comprendre pourquoi le rap à Montréal, ça perce pas au final. Toi, t'as beau trouver que Bloodshot ou peu importe est fort. Je suis parti voir son clip, il y a un fond vert qui bug dans le vidéoclip. Tu comprends, il y a une certaine qualité à avoir. Tu peux pas percer, tu peux pas parler à la table des gens qui ont influencé une génération complète et me parler de gars qui fait des 10 000 auditeurs. Et encore une fois, les stats, c'est pas le gros. La stat, je dis aucunement que c'est le truc le plus important à regarder dans un artiste, mais c'est hyper important. T'as raison. Ça pèse dans une balance. Donc, peu importe, juste pour wrap it up real quick, genre, continue l'interview, puis les gars, oubliez pas que vous avez une plateforme à Montréal, vous êtes une des seules plateformes qui fait ramener des gens qui donnent de la visibilité à ce genre-là. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Vous êtes une plateforme importante à Montréal pour ce qui est du rap. Donc, continuez à regarder, un certain climat où vous pouvez avoir une discussion sans arrêt de s'insulter. Rap politique, vous êtes quand même. Vous avez un nom. Prends le pas mal. Qu'est-ce que les gens disent, tu comprends? Prends le pas mal dans le sens que je suis pas contre toi, au contraire. Je lance des insultes. Mais là, tu coupes sa parole. C'est juste, genre, ça sert à rien d'insulter des gens qui viennent sur le plateau, tu comprends? Genre, il faut avoir un minimum de respect envers des personnes. Il n'y a jamais eu de. On dirait, on est à la télé. Tu vois, la télé, comment des fois on les mime parce qu'ils vont disrespect des gens parce qu'ils sont à la télé, des influenceurs, peu importe. On ne veut pas être comme ça. Notre but, c'est donner visibilité on veut être différent de ce qu'on voit à la télé, de ce groupe de personnes-là qui ont tout le contrôle. On essaie de faire un truc qui va fonctionner, on doit communiquer, mettez des points, puis laissez les gens parler, c'est important, puis essayez pas, arrêtez d'aller dans le climat d'insultes, puis tout, à la fin, vous êtes les trois gars, vous êtes passionnés de qu'est-ce que vous faites, et vous aimez la musique, tout le monde ici aime la musique, les 500 personnes qui sont sur le live, ils aiment la musique, on va voir, faites des débats, puis continuez à faire vos shit, c'est juste ça, vous. Shout out à toi, bro. Ça, c'est le genre de take que j'aime bien. Je sais que tu supportes le mouvement, whatever. Puis je pense que c'était nécessaire de pouvoir créer cet ordre dans, justement. Mais il a raison. On s'est comporté comme des nègres. Exactement. Whatever. Fait que, merci pour ton take, bro. Parce que, justement, il faut qu'on puisse modérer cette conversation depuis tantôt. C'est pas facile. Il y a Uncle Punisher qu'il faut que je puisse donner son commentaire, whatever. Uncle Punisher, attends. Parce que vous allez pouvoir répondre là-dessus pour la dernière appel et tout. Parce qu'on va, we're gonna wrap it up after. Mais on a Uncle Punisher qui est toujours là. Comme je te dis, Uncle Punisher, t'es notre gars. Tu comprends? T'es toujours là. Il a dit, Onigroski, dit que t'es un gars qui fait des gros dollars, mais je l'ai jamais vu drop de la moula ici quand on fait le Cob War. Cob War, c'est le hashtag Cob War où est-ce que le monde donne du Cob. Parce que, comme je dis, quand on se fait démonétiser, parce qu'il y a des personnes qui sont des gens controversés là-dedans, we need that Cob War money. Je vais faire une donation de 500 $.
Ce genre d'intervention, Bonigloussi qui dit que c'est un gros gars qui fait des gros cas. Genre, c'est quoi le but d'intervention? Attends, moi j'ai jamais dit ça. C'est juste que. Non, mais la donation, je la vois, la donation dit que c'est un gros gars qui fait des gros nanas, mais j'ai jamais vu drop d'amoulet. Genre, tu comprends? Ça, c'est des interventions inutiles, bro. Ça, c'est useless. Ça veut juste créer. Les gars, il faut répondre à ce que les gars ont fait. Ça veut juste créer des problèmes, puis au final, c'est juste unprofessional. Ça fait pas. Genre, c'est aucunement dans le climat de l'interview. Le but, je comprends, mais c'est comme ça, t'es blême. Je sais même pas pourquoi on voudrait calculer qu'est-ce qu'il vient de dire. En tout cas, t'as raison. Parce que l'affaire, c'est qu'il faut prioriser les personnes aussi qui donnent. Parce que l'affaire, il y a plein de commentaires, mais ceux qui vont donner un certain montant, il faut que tu priorises leurs commentaires. Enfin, à la fin de la journée, je vais pas cautionner. Même si je lis, je cautionne pas nécessairement tout ce qui a été dit. Je fais juste le lire, tu vois. Mais avec cet argent, dis-toi, c'est juste, on va c'est juste que les gens qui vont dans le chat, tu vois, juste les gens qui vont dans le chat, genre, éviter d'avoir ce genre de remarques. C'est vraiment un truc que je déteste, tu comprends? On est tellement dans l'hostilité et tout ça, genre, il faut pas. C'est comme ça, rien, bro. T'as une bonne énergie, bro, puis yo, je veux que tu puisses appeler plus souvent parce qu'on a besoin d'avoir justement cette énergie parce que tu vois le mouvement, la culture avancer, puis comme je te dis, il y a vraiment des gens à l'extérieur qui nous regardent. So yo, respect to you pour ton commentaire, so respect. Encore Punisher encore qui est là. Je pense qu'on a un autre appel, Alex, qu'on donne l'appel. Juste Yamadoud. Ça coûte combien Spotify par mois? Le demande au chat, tu me dis combien ça coûte. Le gars avait de pledge, $500. Moi, c'est juste il a dit comme ça qu'il va donner 500. Je crois que ça coûte 12 gouttes. Je pense que Cyrano va pas être content en Égypte pour savoir que. On peut montrer de l'argent live. T'as combien sur toi? Je peux montrer combien j'ai sur moi. Depuis vous donner le corps à la politique, faites-moi un problème. Vas-y, montre. Comme si j'ai pas de but, comme yo. Personne dit que t'as pas d'argent. Comment je suis habillé, comment t'es habillé, on voit déjà le côté monétaire et pas là. Moi, je suis sort du States. Sort du States, so, je peux te montrer là. Moi, je suis venu avec un petit but sur moi, comment on appelle ça? Il y a une citation qui dit montrer son argent, c'est montrer ses fesses. Ok, j'en ai rien à foutre. Ma mère m'aurait jamais cautionné à faire des affaires là, mais yo. Vous savez déjà là, yo, je marche avec du but sur moi, mais je vais pas mettre du but sur de la musique Spotify là, j'ai rien à foutre là. Cette partie-là, t'essayes de faire comme si, t'essayes de faire des affaires. Moi, quand je suis à rap politique, j'ai toujours quelque chose dans mes mains. T'es plus riche que moi. Tu comprends? C'est pas une question de plus riche que toi. T'es plus riche que moi. J'ai jamais montré de l'argent en essayant de faire comme si. On a un commentaire. Essaye pas de me parler comme si je suis un book boy là. Non, j'ai dit t'es plus riche que moi. Roski, tu dis ça d'une manière sarcastique. Non, je l'ai pas. Je suis pas là, pour montrer. Non, parce que la manière tu parles. Live, j'ai pas ça. La manière tu parles, on va aller dans c'est les comme si je suis assis grajet. C'est Claude. Je suis un grajet sur la musique. Live, c'est live, j'ai pas ça. J'ai pas ça sur moi. Ok, mais Iwa, Jerry, ça c'est pour Negroski. On est ensemble, c'est Claude, t'as perdu gros gouffre. Ça, je voulais pas le lire, mais j'ai perdu parce qu'ils ont donné. Il faut juste je lire. Roski, à la fin de la journée, ça, si j'ai perdu, à chaque fois je perds, je gagne. So, est-ce que j'ai vraiment perdu? Ah, c'est ça sa stratégie d'apprentissage. Roski, à chaque fois je perds, je gagne. C'est de faire des dérapages. G-E-R-R. Negroski, il a rien dit de sérieux. Tico, c'est le gars dans la ville qui supporte le plus le rap underground dans la ville. Écoute, regarde. Ça, je suis d'accord. Mon gars, attends, si ça compte pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il a raison. Qui supporte le plus le rap underground de la ville, Chris ne met pas de la lumière sur personne avec sa plateforme, il fait juste de la controverse. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça? J'ai fait 3 controverses sur 1400 vidéos. Comment? 3 controverses sur 1400 vidéos. Les gens doivent aussi comprendre que plus tu montes la montagne, plus ils ventent. Mais l'affaire qui arrive. Il arrive avec des coups, des paraboles. Okay, plus tu montes la montagne, plus ils ventent. Donc, mais ça l'affaire. Negroski, pour ça je peux pas parler caca de Negroski parce qu'à la fin de la journée, c'est une nouvelle plateforme qui fait en sorte que tu vois les rappeurs que j'aimerais qu'ils blow peuvent peut-être blow parce que lui va commenter une de leurs vidéos qui va faire en sorte que les gars vont prendre même si je suis pas d'accord avec ses tics en tout temps, j'ai pas le choix de lui donner qu'est-ce que je dois lui donner parce qu'à la fin de la journée, il fait sa route. Pareil pour lui. Il fait une route pour tout le monde puisse prendre la route. Je vais faire un post de ce que tu dis parce que moi, j'ai connu Negroski sur les tics de OD. Puis quand j'ai vu, t'as commencé à parler vraiment des vidéos rap, histoire, whatever. Moi, j'ai aimé parce que c'est comme un crossover entre cette clientèle et cette culture que t'as comme bâtie. Puis vraiment la lumière sur la culture rap qui fait en sorte que ça devient comme, je pourrais dire, mainstream. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu que t'as commencé à l'âge, j'ai comme, you know what, it's only time. C'est ça. Negroski, tu comprends? Fait que c'est pour ça, moi, j'ai aimé le fait que, parce que la fin de la journée,
t'es pas obligé de parler de rap pour pouvoir avoir un buzz. Répète-le, s'il te plaît. Parce que ça, je crois pas. Non, je vais le dire. Non, c'est bon. Pas ça, c'est que je regardais les tics et ils parlaient sur les trucs, whatever, puis ils parlent sur plein de situations qui se passent, sur l'affaire des cartoons, justement. Mm-hmm. Ils parlaient sur l'affaire de trends, ils parlaient sur l'affaire de OD, ils parlaient sur plein de trucs. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement. Ils pouvaient ne parler d'absolument tout et ne jamais parler de rap. C'était 6 chiffres par année. Je crois pas, mais bon, vas-y. Il peut, ouais. Parce que moi, quand je regarde justement les chiffres de rap politique, je suis capable de calculer pourquoi, comment lui aurait pu faire ça. C'est ses chiffres par année. Okay. Comme, rapidement, je vais le calculer. C'est quick math, là. Comme... C'est quick math pour qu'est-ce que nous, on sait, whatever, on sait que c'est sur quick, Internet, là, du moment que tu as 100 000 followers, tu dois être pas loin des 100 chiffres. Mm-hmm. C'est juste comme quick math. Okay. Comme un placement de produit, c'est 2 500 $. Voilà. Fait que ça, c'est pour les personnes qui sont des créateurs de contenu, vous savez. On a un autre appel, papa, on va wrap it up. Yeah. On a mis, ouais, j'irai encore, T-Claude est né dans une grotte, on dirait. S'il était smart, il utiliserait les réseaux comme Chris pour bombe. Parce que là, c'est juste un parleur de caca. Est-ce que non, tu veux dire quelque chose par rapport à Mélan? Comme je dis, vous nous payez pour vous dire votre affaire. Je sais pas que je veux dire les commentaires. Mais qu'est-ce que je peux le dire? Moi, je suis pas susceptible, mais à la fin de la journée, c'est ça l'affaire. Fait que ce live. Moi, je suis tellement un gars qui est dans ma bulle. Je suis pas capable d'aller dans plusieurs plateformes, créer plusieurs ways pour créer plusieurs discussions pour je vais te montrer jamais beau, j'ai pas besoin d'être comme toi frérot, je suis bien comment je suis frérot. Si tu m'en follow, c'est parce que tu filais comment j'étais. So, à la fin de la journée, yo Broski, Negroski, dans n'importe quel monde, toutes les sphères que tu prends, j'ai jamais vouloir te follow parce que tu prends une certaine sphère et je file le vibe. Pas comme ça, il faut qu'il y ait un Negroski, puis il faut qu'il y ait un aussi, il doit avoir un Negroski, mais moi je pense qu'on pourrait animer une émission, moi puis lui. Moi je pense ça pourrait être extrêmement jamais. Est-ce que tu voudrais faire justement, malheureusement, mon gars sûr, ce serait Kosso et ce serait pas un gars comme ça, c'est la version Wish. Je vais pas prendre la version Wish. Non, je vais dire quelque chose. Comment j'ai la raison, oui, quand Rousseau a dit lui-même qu'il regardait mes vidéos. Non, parce que Kosoé, c'est un moi, je suis pas un comme Kosoé. Regarde, je vais dire, Claude. Vas-y. Tu peux seulement evolve quand y a comme la personne ne va pas justement être dans ton lane. Exact. Pourquoi que rap politique marche, c'est que moi puis Cyrano, on s'entend absolument sur absolument rien. C'est fou. Quand tu entends Cyrano puis moi, on est droite et gauche. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est pour ça que ça marche. Ça paraît. Quand je m'assois, yo, quand Cyrano m'a approché pour le projet, là, j'ai calculé, puis comme, yo, je réalise que je suis même pas d'accord avec aucun bagage qui dit mais je c'est comprends. Ça qui fait en sorte que ça marche avec Cyrano parce que je peux pas y voir. Puis il avait dit, tu sais quoi, j'avais pensé à mon cousin pour le faire, mais après j'ai dit, tu sais quoi, je pense que Kéké, t'as déjà ta plateforme, t'as déjà ton Kéké Show, t'as déjà ton talk show, je veux un gars comme toi parce que je sais que tu as toujours... Puis c'est pour ça que ça marche. Exact. Mm-hmm. Tu pourras pas evolve si t'as pas un partenaire comme Chris Negroski parce que honnêtement, Chris est là. Puis que ça a des forces que toi, t'as pas. Toi, t'es là, puis t'as des forces que lui, il a pas. Aussi. Comment tu peux justement evolve si t'as pas... Puis moi, je suis pas la même génération que vous. Mais comme je te dis, vous êtes la voix de la jeunesse. Facts. Je suis pas jeune, ça, je vais t'expliquer. Mais bon, t'as quel âge? J'ai un grand monde, moi. Moi, je suis un grand monde, j'ai 30 ans pour les femmes, tu sais déjà. Non, t'as quand même la vingtaine, right? Yeah, dans ma t'as la vingtaine aussi. Ouais, moi j'ai 24 ans. Lui est vraiment jeune. Moi, mais je suis c'est pas grave. Fait vingtaine. Ça change rien. Hey. Ça change rien du tout. Il faut qu'on ait un appel. On va aller avec cet appel-là. Mm-hmm. What up? C'est Roberto Two Fly. Roberto. Allô. What he do? Il y a quelqu'un passe, mon bro, en forme ou quoi? On est là, bro. Vas-y, donne ton commentaire, ton take, ta question. Whatever you want to say, bro. Ok, so déjà, shout-out à vous, shout-out aux gars, vous faites de la bonne job, de la bonne production, c'est entretenant nos caps. Yes. Moi, déjà là, je veux commencer par Chris. Chris, bro, toi, je t'écoute, je te vois depuis des années, comme si tu fais des YouTube vidéos et tout depuis des années. Puis comme j'ai commencé à check avec OD, puis j'ai même pas cap pour de vrai, tes bails étaient comme si intéressants. Thanks. Puis je regardais ça, puis je riais, là, comme si c'était une grindant, là. Comme si l'affaire avec Chris pour de vrai, qu'est-ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que comme si l'algorithme que t'as, no matter what que tu fais, il y aura toujours des réactions, puis ça va faire des views, puis les gens vont en parler à la fin de la journée, tu comprends? Ouais. Puis je trouve que ça, c'est nécessaire pour comme si avoir la visibilité sur les affaires que tu vas aborder sur ça, je le donne pour de vrai, no cap. Thanks. Le seul truc qui me pique, on va dire, c'est la manière que tu as minimisé les gars. Comme si moi, à la fin de la date, si Claude, c'est un gars de la zone, comme si c'est un gars de mon quartier et tout, il joue toujours du love, comme s'il est là pour parler de qu'est-ce qui se passe dehors que les gens ne savent pas, parce que je ne veux pas, les médias, ils vont montrer les affaires qu'ils vont atteindre, des affaires qui vont atteindre des certains niveaux de views pour commencer à en parler pendant que lui, voir ça from the ground, tu comprends? Ouais, à partir du terrain. Pour des gars comme MCK, gros, bro, gros artiste, oui, bro.
J'en doute pas. Hein. Diplômé, j'arrive au ballon bleu, des affaires comme ça, il y a des gens qui s'habillent pour aller au ballon bleu pour de vrai à cause de ce verse-là, tu comprends? MCK, gros artiste, comme je peux pas comprendre comment les gens connaissent pas MCK, pour qu'il a brassé Montréal en 2016-2017, tu comprends? À la fin de la journée, comment tu donnes ton message? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire et tout, comme si il y a une manière de se présenter devant les médias et tout. Ouais. Je veux pas, si Claude se regarde la zone et tout, mais comme si c'est ça, je comprends que comme peut-être c'est pas professionnel au point que toi tu le fais, mais c'est ça son originalité, c'est comme ça qu'il est, puis nous on apprécie ça, puis nous on aime ça, tu comprends? Qu'est-ce que tu me recommandes? Non, moi je te recommanderais à la fin de la journée, je suis pas là au toi tête, tu comprends? Je suis pas donner des conseils pendant que comme si j'ai pas de chaîne YouTube ou de TikTok ou whatever, tu comprends? Juste mon point de vue sur ça, tu comprends? Okay. Comme si Claude, lui, la manière qui est originale puis qui est real avec lui-même, puis qui se présente comme il est, que ça soit sur YouTube, sur Instagram ou whatever what. Depuis longtemps, on voit ça là. Ça a commencé sur Snapchat et tout. On voit ce bail, comment il parlait caca et tout, comment il était à l'aise et tout. Nous, on aimait ça là. Les gars, ils postent ces affaires là. Les gars, I was lying. T'as dit quoi? Non, parce que les gars croient que comme si je suis sorti de nulle part. Là. Non. Depuis des années, la vie l'appelle. Je me rappelle quand j'étais jeune, comment ça a commencé. Quand j'étais jeune, bro, je voyais des stories de T-Claude sur Snapchat, je l'ai vu dans le but, je suis comme, hé, à part, j'ai vu T-Claude. À la fin de la journée, les gens ne voient pas qu'est-ce que nous on voit parce qu'on ne fait pas des mêmes coins. Comme, qu'est-ce qu'a dit ton taux de T-Claude par rapport au fait que comme si Cyrano ne connaît pas MCK parce que c'est un gars du West? C'est vrai, bro, comme si moi, les artistes du West, je ne les connais pas. Non, bro, je suis un gars du East. Okay. Michel. Ouais, comme si, qu'est-ce que je vais faire avec des gars du East, tu comprends? C'est comme si les points qu'il va aborder sur certaines affaires, sur certains rappeurs, sur certaines musiques et tout, comme si je dois lui donner parce que lui, il est là, il est dans la réalité, puis il voit qu'est-ce qui se passe, tu comprends? So, on ne peut pas minimiser ça en tant que tel, tu comprends? Comme moi, c'est vrai que comme si le côté professionnalisme et tout, ouais, comme ça, c'est un autre débat, comme si je suis d'accord avec toi 100% là-dessus. Okay. Il y a une manière d'aborder qu'est-ce qu'il dit, il y a une manière de présenter qu'est-ce qu'il dit, mais comme s'il ne veut pas. Nous, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, c'est l'authenticité, tu comprends? Comme si lui, l'authenticité, il a depuis des années, comme si depuis des années, on l'écoute, on est actif sur ses affaires. Quand il poste une story, puis je vois pas la story, puis ça fait déjà 24 ans, je suis fier, oui, bro. C'est comme, comment j'ai manqué ça? Des affaires comme ça, tu comprends? Comme s'il veut pas, faut que tu lui donnes son respect sur ça, parce que toi, comment moi je le vois, je dis pas que c'est ça que tu fais, tu comprends? Comment moi je le vois, c'est comme si tu minimalises ça. C'est comme ça que ça apparaît quand tu le parles d'une manière que comme si, oh, mais comme si qu'est-ce qu'on va m'apprendre, des affaires comme ça. Comme, tu minimalises trop les affaires comme ça, pendant que comme si. Deep down, il y a un gros public, il y a une grosse communauté derrière ce gars-là, tu comprends? Ma bad de se couper, 4 secondes. Le partner dit qu'il connaît pas Avatar. Avatar, parle-lui pour un peu d'Avatar. C'est comment Avatar? C'est qui Avatar, bro? Shut the fuck up, bro. C'est qui Avatar? Il y a eu un entrevue avec Avatar. J'ai fou ce gars-là. Mais je sais pas c'était qui. Yo, Bodo, tu sais c'est qui Bodo? Les petits partners, les petits rappeurs qu'ils amènent là. Yo, bro, Avatar fait bien leur nom, là. De quoi on parle là? Il faut À la fin de la journée, un gars qui vient de Québec, ça fait 3 ans qu'il est à Montréal, je comprends qu'il connaît pas Avatar. Ça fait du sens, tu comprends? Non, mais Avatar. Avatar, il traîne juste à Saint-Michel, je comprends pas. Non, il y a Internet. Avatar, il est bien là, bien derrière. C'est ça, gars, mais ça, tu comprends pas. Mais ce que je comprends pas, le gars sur Discord, c'est que j'ai ce Internet. Là. C'est juste que je dis que je ne l'avais pas vu. Tu l'as pas vu parce qu'il n'y a pas. Il y a combien de views sur Snapchat? Tu vas pas dire qu'il peut toucher des 7 000, des 14 000, normal. 7 000? Normal. J'avais 20 000 sur Snapchat, j'avais 15 ans. Attends, c'est 7000, c'est 7000 que tu me parles comme si c'était un Swift. J'en peux plus. Ça va lâcher, tu t'es sous cas. Ok, on va laisser. Si t'avais vraiment ton 20 000, je t'aurais connu. On va parler chiffres. Je t'aurais connu avec ton 20 000. Oui, conclue. Ayez votre débat, laisse-le conclure. Vas-y, conclue, pour on va laisser les gars débattre. Vas-y. Moi, le fait qu'ils connaissent pas Avatar, comme si je peux pas cap, comme ils viennent Québec, bro, comme ça fait 3 ans qu'il est dans la ville et tout. Comme on laisse une chance à la fin de la journée, tu comprends? Comme si t'es pas obligé de connaître tout le monde qu'on connaît pour qu'on dise que, comme si, ok, ouais, t'es ce gars-là ou pas, tu comprends? Mais c'est juste le fait de pas minimaliser. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais comme si. Banaliser. Pas comme si c'était rien, tu comprends? Comme si à la fin de la journée, il y a des gars, tous les jours, ils écoutent ces affaires-là. Il y a des gars que Till This Day, ils écoutent des Weep, ils écoutent des cagoulés, ils écoutent des gros beats que MCK a fait. Normal. Donc ça fait des années, puis on l'entend plus, tu comprends? J'en doute pas. À la fin de la day, c'est ça notre réalité, tu comprends? Mais comme, quand tu minimises ça, puis tu fais comme si c'était rien, puis tu fais comme si, genre, comme si ça vaut pas qu'est-ce que toi tu connais, comme si, ça que c'est là, tu comprends? Non, c'est juste que je dis que dans ce que j'écoute. Non, t'inquiète, c'est juste que je disais que. Genre, j'avais jamais vu. C'est quoi, MCK, c'est ça? J'avais jamais vu ça sur YouTube. Mais t'écoutes quoi? Mais man, demande de quoi. Mais j'écoute la même chose que t'écoutes. J'écoute tout ce que t'écoutes. Arrête non, de demander qu'est-ce que j'écoute. J'écoute parce que je viens de te montrer à quel point j'écoute pas les mêmes affaires que toi. J'aimerais Claude, vraiment savoir qu'est-ce que t'écoutes. Le plus honnêtement que possible. Tu peux y aller? C'est vraiment un homme du peuple. Comme c'est vraiment un homme du peuple. Moi, récemment, j'ai commencé la musique avec les gars et tout. Bro, chaque beat que je fais, je l'envoie à T-Claude pour lui demander son review pour voir qu'est-ce qu'on pense à la fin de la journée, tu comprends? Si moi, je le fais, je sais qu'il y en a d'autres qui le font aussi à la fin de la journée. Puis comme,
veux pas, c'est une image qu'on voit qui peut nous aider, qui peut nous référer, puis qui nous, nous dire des affaires qui pourraient nous aider par rapport à qu'est-ce qu'on fait. C'est une référence pour nous, tu comprends? À la fin de la journée, c'est la même manière que comme si c'est local, comme si c'est de là où on vient, c'est du east, tu comprends? Comme il n'y a pas un gars qui va t'envoyer un beat et qui va dire comme si qu'est-ce que tu penses parce que tu viens pas okay. d'ici, tu comprends? Comme c'est nous des suspects, ça. Non, non, je le prends. Moi, je trouve juste que tu dois lui donner le respect que comme si tu lui donnes. Il y a pas besoin d'avoir de respect, bro. Mon respect, okay, c'est yo, la shout ville. Shout-out, pas shout-out, bro, pour ton bro. Appel et tout. T'inquiète c'est un beau appel. Moi, je j'aime peux, ça. Je peux poser une dernière question. Vas-y, vas-y, on va devoir laisser les gars finir avec ça. Fait, vas-y, okay, rapide. Yokus, le Z que t'as vu avec, comment il s'appelle, Super Couscous, ça se finit comment finalement? Ça a l'air squash. Ah ouais? Ça a l'air squash? Ouais, ça a l'air squash. Comment ça c'est quoi ça c'est squash? Ça veut dire squash, que ça veut juste dire que comme il y aura plus ouais c'est il n'y aura pas de comeback c'est dans et tout. Dans un cul de sac ouais je pense pas. Ok. Il n'y aura pas de suite. All right. Bah c'est carré. Merci pour m'avoir laissé parler les gars. J'apprécie. By the way, respect to you guys. Respect à toi. T'es un bon. Respect à chaque personne qui appelle parce que c'est avec ça qu'ils font en sorte que la culture. Non, 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 ouais, ouais. Whatever, ouais, mais continue, va t'échanger. De toute façon, on n'a plus d'appels et tout, Alex et tout. Je veux juste leur OK, fait, guys, on va leur laisser leur petit moment de match. Oui. Puis après, on va juste wrap it up. Je veux juste pas que les gens. Donnez votre take, là, pour. Whatever, là. L'entrevue avec Avatar a été bien conduite par lui. Il a bien interviewé ça, il était tout seul. OK. Les chiffres. On était là, puis on écoutait pour We Were Entertained. Mais je veux pas que les gens pensent que quand je dis c'est qui Avatar, je suis en mode. Moi, je suis sur ma tour d'ivoire, puis je regarde par-dessus. C'est juste que toi, chaque jour, tu parles de streaming, de chiffres et tout. C'est juste que je te dis que ton MCK, never heard from the guy. Pour caca. Ça, je suis en train de te dire. Can you poll? Vas-y, va montrer le MCK. Va sur YouTube, va écrire. Mais non, attendez dans la caméra, on va lever pour le live. Est-ce que vous avez entendu dans les 3, 4, 5 dernières années parler de l'artiste MCK? Puis ça, c'est des gens qui écoutent la musique autant que moi, pas particulièrement, mais juste qui, d'une manière générale. Parler. Comment on appelle ça? J'ai la réponse. Les gens parleront, bon. Voilà. MCK, là, been there, done that, là. No doubt. C'est juste no que doubt, je te dis là. Que comme... Est-ce que vous connaissez MCK? Max Real, non. MCK chargé, bro. MTL chargé. T'es pas de la ville, tu peux pas ces MCK, Julien P, non. Max, Henri, non. Bab, Brab, mais oui. Elliot, non. Sean, MCK, non, non, beat, non. Phil, oui, non. Non, oui, oui, non. Oui. Nelson Beast, oui. MCK, Jaco, connaît 5, pas. 4, oui. Non. Non, un petit qui connaît pas. Dormi, messieurs, Olivier, c'est pour non. Ça, là. Real, oui, Street Legend. Yeah, et ça, c'est rien enlevé au gars. Et c'est le même débat quand t'as étiqueté que tu c'est le dis en 2006. Il y a plus de non que de oui. Il y a plus de oui que de non. Il y a plus de non que de oui. Il y a plus de oui que de non. Arrête de. Okay. Arrête de faire l'écran. J'ai l'écran devant moi. Mais regarde, bro. Comment, bro? Il y a des non, il y a des oui aussi. Yo. Bref. 50-50. Arrête, Tico. Laissez-moi. Alex, Laissez-moi lire les résultats. Attends, vas-y. Ok, je sais que Tico a peur de se faire exposer, mais faut être honnête. Faut être transparent. Vas-y, Alex. Ok. Ok, on a Alex Dileb dans la place qui est littéralement le père Foura, vas-y. Ok. Vas-y. Premièrement, depuis le début de l'émission, tu sais, vous avez commencé le show tous les deux, Tite-Claude puis Chris. Puis vous avez un débat à savoir est-ce que les gens, lequel de vous deux ils connaissaient en premier. Mm-hmm. Fait qu'on a fait un sondage là-dessus. Il y a eu 444 votes. Nice. Puis c'est quand même serré, mais c'est Chris qui gagne avec 57%. Ça devrait même pas être serré. C'est bon. Ça devrait pas être serré, mais c'est serré. Tu trouves pas que ça a dit suspect? Puis pour MCK, à date, c'est le nom qui gagne à 63%. Mais ça me paraît évident. Avec déjà, quand même, déjà 150 votes. Ça sera politique. Ça sera politique. Tu vois? Tu sais comment il est malhonnête avec un très fac. Check, il est malhonnête. Attends, on n'a pas de fan. Check, grave politique, on n'a pas de fan. On n'a pas de followers. C'est Abdi Black. On n'a pas des personnes qui nous suivent. Kéké, pense-y bien. Ok, on va faire ça. On va avoir une épaule pour finir le truc et tout. Connaissez-vous MCK? Puis yo, je veux pas que MCK pense que. Non, c'est même MCK. Il devrait avoir son rap politique. Je vais donner un charlotte comme à Tite-Claude parce que je pense que Tite-Claude est la personne qui a pu promouvoir le nom de MCK le plus dans la ville. No doubt. Je pense que MCK, s'il sort quelque chose, ça va être probablement à cause de lui. Attends, le projet parce de Sadiq. Parce que, non, mais oui. Le projet de Sadiq. Oui, mais parce que la guerre froide. Oui, mais c'est dans le projet à Sadiq. Moi, je veux MCK qui solo. Décide d'arriver comme un cheval de Troie pour dire yo, I want to make my name. Okay. Mais toi, t'as commencé à parler du partner quand il était même pas actif. Mm-hmm. Fait que je peux te donner ce prop ça parce que là, t'as créé un fucking débat un engouement. Dans un live sur MCK. Toi, on devrait vraiment te donner genre comme un sex en good pour du pure marketing. C'est fou ce que t'as donné. Non, mais parce que c'est fort. Toi, je te dis, comme regarde le talent que tu as.
Tu comprends? C'est pour ça que j'aime. Tu devrais t'allier avec moi, man. On devrait faire une émission. Jamais, ça va être nous la relève de rap politique, man. Non, non, je suis pas dans relève, bro. Yo, ça, tu vas. Ça, c'est une affaire qu'on a envie. Si tu veux pas, c'est à cause que t'es intimidé. Non, pense bien. Ben oui, mais je l'intimide. Alors, pourquoi tu pas? Moi, je suis un. Je te promets que ce live-là, c'est un des meilleurs lives, bro. Ben oui. C'est un des meilleurs lives. Moi, je fuck avec mes gars. Moi, les gars. Est-ce que, guys, c'était un des meilleurs lives? Il y a Chris Negroski, X-Ticlo. Comment il s'appelle l'autre, là? J'oublie son nom, je suis enragé. Will Maher. Je crois que les gars de. Toi, mon set. Oui. Tu comprends? Moi, mais je suis trop confortable avec ton set. Exact. Non, pas. Parce que Kosoé va me challenger fou, là. Oui, c'est vrai, Kosoé va me challenger. Il va jamais me laisser. Non, mais Rosebo aussi, il fait ma Kosoé a sell-out. Il n'y a pas sell-out. Moi, je crois pas. Il y a sell-out. Mais toi, Kosoé, c'est parce que toi, quand tu donnes des conseils n'importe comment, regarde comment les gars sont en train de se faire. Tu m'as dit best live, meilleur live. Ce live va faire plus de chiffres que certaines interviews. Je crois pas. Zizi fait le vrai cop. Big Facts, un des meilleurs lives, gros live. So, yo, je pense qu'on est. Mais c'est un bon live pour de vrai. Je pense qu'on va donner un bon applaudissement. Donnez-vous la main, whatever. Ben oui, ben non, non, mais, non, mais c'est no bad blood. Là. C'est no bad blood. Je peux pas avoir de bad blood. FDF Culture, check you, you're gonna be on your shit. Je serais pas dans la. Yo, je peux pas. Si tu es quelqu'un de susceptible, tu peux pas être dans les médias. I agree. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je suis un gars qui donne beaucoup de shots. J'ai dit beaucoup de mauvais mots et t'as pas pris mal les bails. C'est vrai mal. Qu'il est moins susceptible que les rappeurs. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis pas quand lui me dit des affaires bizarres, je suis pas fâché. En tant que Rose, moi, j'ai donné comme un conseil. C'est un bon conseil, mais je vais pas prendre ton conseil. Moi, je suis pas un gars. Je suis pas un gars qui est dans ce monde-là. Je suis pas dans ce monde-là. Parce qu'à la fin de la journée, t'es le host, il faut que tu puisses comprendre ça pour dire, tu sais quoi, le plus qu'on m'insulte, le plus ça fait du buzz. Aussi, mais je suis pas Cyrano. Non, non, c'est pas ça. Je suis pas Cyrano. Cyrano, lui, il prend bien les insultes. Non, non, moi, je parle de tout ça. J'ai fait un panel en 2018. Puis il y avait des personnes qui sont venues, j'ai fait un panel, puis le monde sont venus m'insulter. Bah, bah, bah. À chaque fois, je suis comme, ok, je comprends ce que tu dis. Là, j'ai comme, il y avait combien de views? Il y a comme 700 personnes. T'es un bon nègre. Moi, je suis pas comme ça. Continuez. Moi, j'ai vu le côté business. T'es un bon nègre. Moi, je suis pas comme ça. Ils connaissent Ticlo online, ils connaissent pas la personne. Sépare-toi des deux. Mais non, c'est pas. C'est non, mais j'espère juste que tu vas donner le même sort à tout le monde. Hein. Que le Get Marenou et tout ça. Ouais, comme... j'espère que tu vas le dire quand non, c'est cartel. Parce que toi, je prends tellement pas au sérieux. Je peux exact, c'est pour ça que c'est lâche. Parce qu'on t'a vu. On t'a vu des cry Inima. Il y a beaucoup de gens parce que, les gars. On t'a vu des cry Inima. On t'a vu des cry Inima. J'espère juste que l'énergie. Tu m'as vu des cry Inima. C'est sur internet. Tu m'as vu des cry Inima. C'est pas parce que. Moi, je suis un gars qui file la musique d'Inima. Non. La même manière, je file la musique de Shuiz et Izzy. Tu m'as vu clash Shuiz et Izzy. Non, c'est ce que je dis. Jamais. Quand je file ta musique, je vais jamais te clash. C'est ce que je dirais même à Cyrano. C'est qu'il faut avoir la même énergie avec tout mais le monde. Mais Cyrano, sa musique qui pousse. Non, c'est je parle en tant qu'intervieweur. Mais tu crois que quoi? Je veux dire quoi, Inima? Vas-y, qu'est-ce que t'aimerais dire à Inima que moi j'ai pas dit? C'est un exemple. Qu'on devrait dire. Non, okay, parce qu'il y a beaucoup de gars qui m'ont signalé cette affaire-là, mais non. L'affaire, qu'est-ce que tu veux dire qu'on signale? Prochaine entrevue avec Inima, Cyrano, moi, puis Chris Negroski, c'est ça? Est-ce que vous voulez que Chris Negroski soit dans le point 2 avec Inima? Je dis tout ce que t'as à dire à Inima. J'espère qu'il y aura la même tolérance. Donnez du feu ou trash si vous voulez pas. Est-ce que vous comprenez que c'est pas Inima est un exemple parmi tant d'autres que c'est différent? De traitement que j'ai tu donnes. Broski, si je fais pas ta musique, je vais te traiter comme la merde. Mais c'est aussi et c'est simple lui que ça. Se mettre en position d'interview. C'est aussi simple que ça. Non, mais yo, regarde, Kéké, est-ce que tu t'es à l'aise de dire ton âge? Ouais, moi, je suis encore dans la trentaine. Il est encore dans la trentaine. Mm-hmm. Et comment on appelle Cyrano? Cyrano est début quarantaine. Pourquoi vous parlez comme si les gars ont 80 ans? C'est moi, je veux que les gars durent 20 ans, 30 ans, s'ils peuvent durer 20 ans, 30 ans. La politique, c'est vous, c'est toujours dans une affaire. Il peut avoir un crossover. Non, mais regarde, ton crossover, c'est toi qui crée ton crossover. Moi, je parle de tout ça. Tu m'as déjà vu dire que je veux prendre la place de Kéké ou Cyrano? Jamais. Non. Vous mettez des mots dans ma bouche. Non. Vous voulez que j'ai. Regarde, peu importe comment tu le disais, vous voulez que j'ai une position que je suis pas supposé d'avoir parce qu'à la fin de la journée, c'est leur shit. J'ai jamais voulu leur shit. Moi, au pire, j'ai dit, je veux rendre Rap Politique TV plus fort que le rap politique normal. C'est juste ça que j'ai dit. On peut quoi se mettre sur Rap Politique TV, moi, plutôt, mais. Peu importe comment. Non, c'est pas grave. J'aimais le dernier échange et tout au début. Juste 4 secondes. Ok, vous voulez pas finir. Tu sais comment je vais fermer ça? C'est juste parce que les gars doivent arrêter de faire comme si que Kéké et Cyrano ont 50 ans. Ou non, même pas 50 ans. 50 ans, c'est trop jeune. On est très à l'aise avec 70 ans. Non, Cyrano est pas à l'aise avec son âge, je veux pas dire son âge. Moi, même l'année prochaine, je serai dans ma trentaine. Mais tu comprends ce que je veux dire, Kéké? Ça, c'est une affaire qu'on. On va enlever ça tout de suite dans ce live-là. Les affaires que je prends la place de Kéké ou Cyrano, oubliez ça, non, monsieur. Okay. Les gars ont leur sauce à eux. Moi, j'ai mon sauce à moi. Moi, je parle pas bien comme eux. So, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser leur vibe à eux à vie.
Moi, quand j'ai une expérience, j'ai quelque chose que j'aimerais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je dis au gars, yo, est-ce que je peux l'amener monsieur? Les gars vont dire, yeah, yeah, t'es sous ça, on frappe TV. Et j'ai frappé le TV, j'ai dérangé le TV grâce à Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Les gars vont bomber dans leur plafond, moi je bombe dans le TV. That's it. Arrêtez de faire comme si que les gars ont 60 ans, 70 ans, ils sont prêts pour mourir. Non. Cyrano et Keke, grâce à Dieu, vont durer 20 ans et plus. Let's go. Arrêtons de niaiser là. T'es toujours dans ce bullshit là. Non! Mais parce que les gars font comme si vous avez 80 ans. Vous avez pas 80 ans là. Les gars, arrêtez de penser que je vais prendre la place de Cyrano ou Keke. Ce serait honte pour moi. Cyrano et Keke sont forever. Ils sont là forever, bro. Arrêtez ces conneries là. Oh, moi, j'allais prendre la place de Keke. J'allais prendre la place de Cyrano. Jamais de ma vie. Moi, je serais un coq sans queue. Je serais le pire des finis si je serais là en train d'essayer de voler la place des gars qui sont en train de bomber depuis fucking 3-4 ans. Dernier truc. Ça ferait pas de sens. On va rappeler, Chris. Non, on a un autre appel aussi, vite fait. Oui, vas-y. Non, on va pas avoir tout take. Attends, avec les gars, c'est comme ça que ça se passe ce soir. Parce qu'il m'a battu. Sur ça, parce que je veux fermer ce total depuis longtemps. Parce que j'écoute vos lives, je vois tout le monde dire prends la place de Cyrano. Vas-y, guys. Vous avez vu, je voulais fermer le live depuis longtemps. Vous voulez pas que je ferme le live. Cyrano, c'est le parler qui parce que lui, il faut qu'il puisse s'occuper de 8 enfants et tout. Toi, t'es un bon. J'ai pas ces engagements-là, whatever. C'est juste que vous êtes vraiment enragé. So, guys, on prend l'autre appel, guys. Vas-y. Yo. Gang. Rap politique, we here, man. Hein? Yo, it's Claude. Vas-y. T'es posé, bro? Je suis toujours posé, comment? Yo, on dirait que t'es en train de te faire bully, bro. Yo, relax, bro. C'est... Boski, bully, c'est vous, là. Vous êtes sur votre computer, vous croyez que je me fais bully? Yo, je suis le maître de la communication, man. C'est encore un novice. Qu'est-ce qu'il dit, ce gars? Yo, Pablo, vous êtes en train d'avoir une conversation. Okay. Moi, t'es là, tu lags des guettes à ma reine. Yo, propose. Non, mais moi, je suis pas. Mon cher. Je suis pas dans tout ça, bro. Moi, je parle carré avec monsieur. Et monsieur prend le bail carré, c'est tout, oui. Non, mais yo, bro, il faut que tu comprennes que yo, quand t'es dans une conversation avec quelqu'un, essaie de comprendre qu'est-ce que la personne dit, bro, parce que le partenaire a des bons points. Ça veut dire, j'ai pas compris ce qu'il a dit, ça, t'es en train de souligner. Il est pas en train de shit sur qu'est-ce qui se passe vraiment ici. C'est juste comme yo, les points. Non, mais parce qu'il y a toujours des gars qui doivent faire comme si c'est des nègres, comme si c'est des sociologues. Mais je suis pas dans bailler mouvement sociologue. Moi, je veux pas respecter sa parole parce que les gars font comme si. C'est ça, je te dis. J'ai laissé le petit partenaire parler. Là, t'as pas laissé parler. Tu m'as coupé un appel. Il y a un appel et tu ne respectes pas les gars. Je respecte pas, monsieur, parce que partenaire pas caca. Ok, tu sais quoi? Regarde, whatever. Okay, regarde, il y a un caller qui appelle, il faut que tu puisses respecter la personne qui appelle. Fait que sorry. On parle pas la Kmoun, yo bro. Non, pas qu'on parle la Kmoun parce qu'on parle le va avoir. C'est ça la réalité des choses. Vous croyez que je suis bien parce que Ok, attends. Là, attends. Là, on vient de me dire le nom de la personne qui vient d'appeler. Ok. À cause qu'on vient de me dire le nom de la. Laisse la personne parler. Je vais te dire après c'est qui. Tu sais quoi? Sorry. Je t'ai déjà dit sorry. Là, j'ai dit doublement sorry parce qu'on vient de me dire ce qui a appelé. Fait que vas-y, parle comme tu veux parler. Bro. Non, mais yo, c'est posé pour des raisons. Non. Bro. C'est Claude, man. Yo, bro, faut pas qu'elle fasse mal comme ça. Yo, bro, t'es là sur le live. Yo, don't look too good, bro. C'est comme yo, relax. T'es un nègre parlé. Je suis bien relax. Il y a un débat. Tu comprends? Yo, il faut juste avoir un débat, bro. Faut pas obligé de faire tout bail ça, yo, là. Yo, what the fuck? Ok, non, il va te répondre, c'est Claude, vas-y, réponds. Puis après, je vais te dire c'était qui. Bouski, moi, l'affaire, c'est que j'ai été vraiment humble, le plus humble que possible, mais le plus sage que possible. J'ai mis le micro fucking loin pour pas interrompre Negros quand il parlait. Monsieur était en train de parler, donner tout son français. Mais l'affaire, la fin de la journée, je me bats le vent avec monsieur. Sauf si monsieur dit on bail bizarre, faut me répondre, tu comprends? Sauf vous êtes dans des affaires comme si je dois être un témoin Jéhovah, je dois accepter tout ce qu'il dit. Je suis pas dans tout ça, frérot. Il me dit une affaire bizarre, je reprends le micro, je vais dire le bail bizarre, je redonne le micro bien loin pour pas interrompre monsieur. Ça, vous comprenez pas, parce que vous croyez que, on va dire, le petit chat qui est en train de parler, qui est en train de dire paquet de bails, négros, qui disent 1, 10, 0. Au pire, qui disent 0, j'en ai rien à foutre. Vous croyez quoi, là? Ça va faire conscience que j'ai mal dormi ce soir, jamais. Au pire, ça va créer des clics, j'en ai rien à foutre. Ça va mal dormir, c'est que yo, si Claude, quand t'es sur l'internet, t'es sa vie. Bouski, internet, avec toutes les bullshit, regarde le deuxième. Ok, frérot. Frérot, écoute le deuxième ou le troisième entrevue que j'ai fait quand il y avait Mizop et Raccoon. J'étais un des plus gros critiques qu'il n'y a jamais eu de la planète Terre.
j'ai vécu avec mon Airs. Moi, je prends mes Airs comme un grand garçon. Aujourd'hui, t'as pris un Airs, on est d'accord? J'ai jamais pris un Airs de ma vie, Broski. Broski, je prends Airs parce que la communauté dit que j'ai pris un Airs, pas moi, là. Moi, si j'ai pas pris le gars sur Discord. Désolé de t'appeler le gars. Je suis en train de te dire. Ouais. T'es en train de prendre le R, t'es en train de craser ta fiche, mais pourquoi pour Broski, rien? C'est ça, tu crois? Parce que toi qui internet, c'est la vraie vie, frérot. Moi, je fais crase ma fiche, m'en fous de la fiche, là, frérot. Ça, je suis en train d'expliquer. Ma bonne. Ah, mais c'est pas grave, au pire, j'ai écrasé ma fiche. J'en ai rien à foutre parce qu'internet, c'est pas. Pour moi, ça règle. Mais t'étais rien quelqu'un, pour moi. T'étais contre quelqu'un qui est fort. Mais pourquoi t'es sur la plateforme? Tu peux pas dire. Je suis sur la plateforme parce que j'aime ça donner mes tics de rap, mais j'en ai rien à foutre de la plateforme, là, frérot. Demain, tu me dis, relâche la politique, je rappe la politique. T'es dans une conversation, right? T'es dans une conversation, soit tu donnes tes tics, mais les autres personnes peuvent donner leur tic aussi. Non, donne ton tic, j'ai respecté ton tic. Il y a juste le milieu, là, tu comprends? Non, je respecte ton tic à 140%. Tu vas être là en disant les partenaires, c'est des secrétaires parce qu'ils sont en train de donner un tic. Et bro, le tic est valide. Pour moi, c'est un secrétaire. Straight. Moi, je ne l'ai pas insulté. Hein. Il a insulté ma mère. Du coup, j'ai juré ta mère. Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Qu'est-ce que j'ai dit sur ta mère? Je ne vais pas le répéter. Tu sais ce que tu as dit? Non, qu'est-ce que j'ai dit sur ta mère? C'est bon, t'as rien dit. J'ai jamais dit get maman. J'ai jamais dit des affaires sur ta mère. T'es fou, quoi. C'est bon. Non, parce que je sais qu'est-ce que je dis. Je ne peux pas insulter ta mère. C'est juste, t'es devenu émotif. Je ne suis pas nié avec toi pour insulter ta mère. T'es devenu émotif, tu commences à insulter tout. Frérot, j'ai jamais insulté ta mère. Ne dis-moi pas des affaires comme ça. Non, mais c'est. Fais pas de cap sur mon nom. Sur mon nom, c'est pas. Non, 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 moi je te dis des affaires. J'ai insulté toi parce que je ne te respecte pas. J'ai pas tout ça pour toi. Ton respect, après. Au pire, si tu t'en fous de mon respect, au pire. Mais. Non, mais c'est juste. L'affaire que tu dis que j'ai insulté ta mère, jamais ta vie. Est-ce que moi je t'ai Yo, si tu m'as insulté, bim, t'as dit que je suis même pas capable d'aligner deux phrases. Vrai, oui, ça... Je suis né au Québec, là. Je suis né dans le pays et je suis pas capable d'aligner deux phrases. T'es malade ou quoi? Ouais, tu pourrais mais avoir. À la fin de la journée, j'ai laissé ton by slide. Pourquoi? Parce que je suis vraiment, comment on appelle ça? Je suis un gars qui est capable. C'est vrai que t'es humble. Je sais pas que je suis humble, je suis bien humble. Toi, quand t'as parlé de Dieu, je t'ai laissé parler toute ta masse sur Dieu. Et j'ai dit, je crois pas en Dieu, j'ai pas non, dit qu'il existe. Non, mais non, peu importe. Donc, tu vois, c'est là qu'on voit son ouverture d'esprit. Donc, moi qui crois pas en Dieu, c'est de la marre. Mais lui qui croit en Dieu, c'est. Non, regarde, qu'est-ce que t'as dit sur Dieu? J'ai dit que je ne crois pas. Tu crois pas au Dieu. Peu importe ce que tu as dit sur Dieu. Tu considères ça comme de la marre. Non, c'est même pas que je considère ça comme de la marre. Tu viens de dire, t'as parlé ta marre. Tu viens de dire. Regarde, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vas-y. Quand t'as dit cette affaire-là sur Dieu, j'aime pas essayer d'entrer pour essayer de donner mon. Pourquoi t'as utilisé le mot marde? Non, parce que tu dis la marde depuis tantôt. Et je te laisse parler, je m'en fous là. Ok, ça fait partie du show. Ça, c'est la démocratie de TikTok. C'est ma démocratie, comme ça, je parle dehors. Les gens qui pensent pas comme lui, c'est des crétins, c'est de la marde. Mais non, mais parce que toi, t'es en train de dire comme si, oh, je devais parler mal avec Inima. Pourquoi je vais parler mal? Parce que les fans veulent que je parle mal avec Inima, je vais parler mal. Inima. Vous êtes fous quoi? Non, le partenaire, c'est le meilleur au Québec, c'est le GOAT. Oui, je suis d'accord. G-O-A-T, c'est le GOAT. Je suis d'accord. Toute génération confondue, aucun peut parler avec Inima. Je suis d'accord. C'est juste que je te dis que la manière que tu traites un invité, faut que tu traites tous les invités. Regarde, Broski, si je te respecte pas, je vais te parler comme si je te respecte pas. Okay. Si je te respecte, je respecte. Est-ce que tu respectes Chris et Broski? Vraiment pas. On l'a vu de toute manière. Est-ce que toi, tu respectes Cyclone? Ben oui. Mais moi je te respecte pas. Mais okay, mais pourquoi côté verbalisation, okay, je respecte pas. Tu sais, Kiki, on a grandi dans des projects, right? Quote en quote. Mais c'était discussions comme ça, on en a chaque jour. Je suis pas fâché contre lui, là. Après, je suis pas plus fâché contre lui. Ok, mais alors, c'est ça, tu respectes pas. Mais c'est ça, non, moi je te respecte. Je respecte pas des gros skis parce qu'à la fin de la journée, il y a peut-être une vision de moi. Je trouve que yo, il est fou de penser comme ça. Mais à la fin de la journée, je suis pas dans cette sphère-là pour parler comme ça avec lui. Tu m'as coupé la parole toute la soirée. Au pire. Parce que l'affaire, c'est que Chris a quand même créé genre sa page YouTube où tu as dit oui, il a créé sur OD, mais il a créé. J'ai jamais puis après, là, il est plus ça. Sur OD, puis c'est quand même réinventé sur TikTok, puis il fait ses trucs. Fait. Big dog. Tu sais, non, puis comme ouais, pourquoi j'ai dit qu'un gars comme Negroski est important dans la game? Le fait que tu dis que Negroski cloud chase parce qu'il a créé une page YouTube, ça fait même pas de sens. On est d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Arrêtez de rincer. Il part son propre mouvement. Il est pas là aller sur les plateformes des autres, il part son propre shit. Yo, shit. Comment il est en train de cloud chase, nous? Non, qu'est-ce que c'est je dis par cloud chase? Parce que si tu suis son contenu, il va prendre une controverse et il va faire un buzz avec la controverse. C'est pour ça que je dis cloud chase. C'est comme si que toutes les lives que tu fais, j'arrive demain puis je dis, ah yo, t'es en train de cloud chase. Tu m'as vu cloud chase? Tu m'as vu parce que c'est ça que je suis en train de te dire. Non, mais seulement je suis en train de te dire, moi je prends pas une controverse et essayer de faire un buzz avec la controverse. Je suis pas comme ça. Frérot, je te le dis. Tu m'as vu, t'as vu toutes mes lives. Si t'as vraiment suivi le moment, t'as vu toutes mes lives. Tu m'as vu essayer de faire un buzz avec une controverse qui s'est fait dans la ville. Pour faire un buzz, jamais. J'en ai rien à foutre des views. On va finir ce segment-là, whatever. En tout cas, yo, Negio, en tout cas,
Respect. Yo, je veux juste dire que yo, c'était Doomix de Planète Giza, one of the biggest groups. Shout out Doomix. And Montreal right now, man. Comme je te dis, on va faire ça. Comme je dis, parce que vous êtes trois, on a deux chaises. Je vous ai pas oublié. Mais comment je suis un cloud chaser? Les gens sont fous, man. Faut ça bientôt. En tout cas, prenez soin, les gars. Respect. Ça, c'est des gros. Future. Non, ça, c'est sûr. Il n'a pas le choix. Mais ils ont suivi mon ciel. Ils ont été. Les gars sont fous. Ils ont été. Ils ont été à. Comment il s'appelle justement chez The 45 là? Ils ont été en entrevue, whatever. Ils ont fait un freestyle. Les gars sont big, bro. Ils ont dit, c'est une des meilleures freestyles qu'ils ont entendu, whatever. Les gars, ils sont on. Fait que le fait que lui se branche pour t'appeler, pour te dire, ça, tu comprends pas, c'est le respect que les personnes nous ont. C'est ça, je dis que Cyclone, tu peux pas voir Chris Zagorski comme quelqu'un qui. Comme être un danger ou whatever. Mais bro, tout. Parce que c'est comme danger. Si un bataille d'ego, Sway. Merci Max, Sway in the morning, whatever. Il est avec Sway, puis les gars, ils ont freestyle. Mais bro, puis Sway a dit, that's one of, that was one of the best freestyle ever. Tu t'as vu un peu mon vibe. Tu très que agressif, très hostile. Mais je suis oh, comme ça. Donné des, comment comme tu étais seul? Pourquoi t'es seul le panier? Non, mais je suis comme ça vraiment all day. Je parle vraiment comme ça. Toi, toi, tu veux que je parle comme ça avec Enima, on va dire. Mais quand. Mais pourquoi pas? Peu importe. Non, peu importe. On va dire. Pourquoi pas, vas-y. Mais on va dire, moi, je suis dans la ville. Ça veut dire, si moi, on va dire, je vais parler comme un vieux crétin dehors avec des partenaires par rapport, parce que moi, je sais que t'as par rapport. So, les gars qui ont rapport. Si je commençais à parler comme si, yo, vous êtes des tics. Non, mais c'est bon, on voit la prétention. Après, je me fais clap dehors. J'ai avoir l'air d'un crétin parce que j'ai voulu montrer qu'ils sont étonnés. On voit la prétention des gars de Montréal. T'es un crétin. So, moi, je suis devant ta face. Encore une fois, Enima serait devant moi, j'aurais donné le plus gros love du monde. J'aurais dit, yo, Broski, t'es le GOAT. Non, c'est pas parce que je dis cry, parce que c'est le vrai, c'est le GOAT. Si t'es, peu importe la plateforme que t'es au Québec, tu fais un comment on appelle ça, un shit avec Enima, tu vas faire les meilleurs scores que t'as jamais fait de ta putain de vie. Facts. Et ça, c'est that's facts. Moi, je te dis des facts là, mais les gars qui sont gros comme ça, malheureusement, ils ont du hate qui vient derrière. Il y a du monde qui veut dire, oh, mais pourquoi tu chantes? Pourquoi y a ci, ça, ça? Il y a toujours du hate qui vient derrière ça. Je parlais avec des grands. Les grands me disaient du hate sur Lost. Le projet de Lost, ils vont donner du hate sur ça. J'ai dit, yo, bro. Il est bon, le projet. Broski. Non, mais parce que, tu vois, il y a des gens qui hate sur tout. Soit à la fin de la journée, j'ai appris à je suis pas crétin, moi, non plus. Ouais. J'ai appris à saisir les affaires. C'est quelque chose, si tu dis quelque chose qui est vrai, et que je peux suivre comme mouvement, je te suive. Mais si tu dis une affaire crétin, je vais pas te dire à toi que t'es un crétin, mais je vais te dire, OK, j'ai juste laissé ça. Parce qu'à la fin de la journée, le problème, c'est que la musique a évolué. Pas malheureusement, mais le fait que maintenant, tu peux chanter dans ton rap, tu peux faire whatever what dans ton rap, ça va faire en sorte que, OK, comme, c'est un différent style, mais c'est un style que peut-être les plus vieux ont jamais vu. Un partner qui a un petit shit mélodieux, là, et qui est in the club, et toutes les femmes sont en train de danser sur son shit. Mm-hmm. Tu vois vraiment que je vais commencer à cracher sur le partner qui a commencé à faire danser toutes les femmes? De ma vie, jamais. Mais ça, c'est ça ma réalité à moi. Moi, je vois qu'est-ce que les gars font dans in the club, dans mon entourage. Si je vois les gars, qu'est-ce qu'ils font dans mon entourage, là, je vais commencer à discréditer les gars parce qu'ils ont un peu chanté, ils ont mis de l'autotune, jamais de ma vie. Mais les vieux, eux, sont bloqués dans leur 50 Cent, sont bloqués dans leur Mobb, ils sont bloqués dans leur Tupac et Biggie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Toi, c'est ton temps à toi. Mais dans le temps à nous, t'as pas le choix d'avoir un gars comme Drake qui va te faire un feat avec Bad Bunny, ça va être un fou, là. Mm-hmm. C'est un bingueux, là, les latinos vont commencer à grouiller comme jamais. On est dans cette réalité-là. Ta réalité à toi dans ton temps, c'est ta réalité à toi dans ton temps. On va finir le live. On va finir le live, merci c'est ça, pour ce take-là, c'est un très bon take. On va finir le live, Chris, merci d'être venu en tant que guest. Merci de m'avoir reçu. Merci à toutes les personnes qui étaient dans le live. Écoute, j'ai essayé, comme je vous ai dit, on essaie de faire un show de deux heures, mais là, comme je te dis, vu qu'on n'a pas Tonto, Cyrano qui est là, on s'est gâté à Kina. Il n'y a pas de réseau? Non, c'est pas ça, c'est que, tu sais, des fois, on est juste comme, you know what, comme. Yo, habituellement, c'est deux heures les lives, whatever. Fait qu'on s'est gâté aujourd'hui, whatever, avec un trois heures. Je parle aux commentaires 4 secondes? Non, moi, on attend le 500 gouttes de Chris Zagorski de 1. Au pire. De 2, quand je veux que vous puissiez, genre, comme, comprendre que c'était pas personnel. Oh, jamais! Les conversations. Jamais. Pour élever de la game. Monsieur, je suis jamais. Yo, moi. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis un gars. Je suis pas. Mais pourquoi les insultes? Parce que je parle comme ça. Mais c'est pas du get maman. Yo, t'es un coq sans cul. Yo, t'es un petit con. Oui. Non, c'est un coq sans cul pour moi, for real. Et c'est un petit con pour moi, for real. Moi, je veux pas for real. Pourquoi tu vas dire c'est un petit con? C'est un petit con pour moi, for real. Dans parce la communauté noire, afro-descendante, c'est une des personnes qui a des plateformes. Tu l'as dit. Si c'est ta vision à toi, moi, c'est pas ma vision à moi. C'est pour ça que l'Afrique avance pas, mais c'est à cause de ça. Dis-moi qui, dans la communauté blague, qui a une plateforme critique.
comme self-made. Plus grosse que la mienne. Comme Chris Tegroski. Ce ne serait pas les patins que tu as passé. Pichiaba. Pichiaba, ouais. Ils sont en anglais, en anglais. Au Québec. Au pire. Je parle français. Ouais. Eux, ils sont internationaux en anglais. Okay. Je parle de lui. Au Québec. Au Québec. Okay, de lui au Québec, un noir. Je vais t'aider. Ouais, apartheid, il n'y a personne. Apartheid, il n'y a personne, tu crois? Je suis la plus grosse personne. Sur IG, tu as combien de followers? 3000. C'est ça. Ça en dit beaucoup. Moi, c'est un nègre IG. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas un nègre TikTok. J'ai désactivé mon Instagram, mais ça, c'est un détail. Mais je suis la plus grosse personnalité publique noire. Ah ouais? Après taille. Après toi? Yeah. Au pire, mais moi, pour moi, convainc-le qu'on fasse un crossover. Moi, je pense. Crossover, moi, je pense. Jamais, bro. Moi, je pense que, guys, on a une formule qui est nice. Roseway, prochain live. Ok, tu sais quoi, guys? Avengers, les trois. Tu sais quoi? Non, on va faire les quatre. On va faire Roseway aussi. Tu sais quoi? Cyrano est en léger pour les vœux, guys. On va faire un live. Le prochain live, ça va être Roseway, T-Claude, Kéké, Chris Tegroski. Wow. Let's go! Ce serait fou. Tu sais quoi? Ce serait fou. Next live, c'est ça, whatever. Ce serait fou. Let's go, on fait ça. Si vous avez dit deux heures, on fait trois heures, guys. Et tu demanderas à construire si je parle pas comme ça en général. Let's go. C'est quoi, guys? Merci. Jamil, vous savez déjà, Jamil. Ciao, Jamil. The brand. Big dog. Allez voir cette bijouterie-là. Ils ont deux succursales. Allez checker. Merci à l'équipe de Rap Politique. Shout out Jim Kidd. Merci à Alex Dilem. Merci à les personnes qui ont appelé. Shout out Alep Zari. Tu comprends mon Master P. Sharaf qui fait un très bel job. Shout out. Roger qui était connecté, Doomix, Planète Giza qui était là, Free G qui était là, Genki qui a appelé, Roseway qui a appelé, toutes les personnes qui sont là, il y a aussi Roberto. J'ai besoin de personne, frérot. So guys, thank you. Je sais que MTL Culture va faire comme plein de montages. Non, de possible, on est dans rien de bon. Trop de so guys, thank you. On est avec vous. Shout out à Moïsha qui est dans le studio. So yo, we out. Ciao. Gang. Yeah, next to you. Le philosophe mis en apostrophe, Cyrano et Karma, Groupi. Tu connais le philosophe mis en apostrophe. Je me mets vers le ciel, je prie à Dieu. J'ai trouvé mon appel, tous les voix comme si je vous dis adieu. Tellement nice, même Mario avoue que je suis le mieux. Mon but est que mon nom règne sur chacune des épaules. J'ai un ange et un démon sur chacune de mes épaules. Un peu varié, des jours je pratique l'abstinence. Et d'autres, j'ai tendance à la guider, c'est rhum immense. Je veux pas être vedette, même si DH, j'ai la recette. J'ai un verset pour chaque jour de la semaine, c'est 7. J'appelle mon pharmacien, je commande un 7, je suis 7. Yeah! Qu'est-ce que tu veux que je te prouve? Fuck avec ma clique, tu trouves dans un trou. On t'exemple comme des hiboux, je genoux, on te plotte comme un clou. Tu penses que je joue, t'es mieux de l'espérer. Monde m'a toujours dit que je suis un gars désespéré. Moi je suis que je tiens qu'un paresseux. Les nègres qui tentent shit comment qu'ils paraissent. Les civils accumulent. Crédit tu mènes auprès des incultes et similo. Quand les miens spit, c'est similaire. S'ils m'estiment, c'est que je m'exprime. Je vise pas seulement la sim ou le cinéma. Sim Sima, Zikima, Dis. Qui essaie de dénoncer mes blessures en dessous du ciel qui l'ont les têtes sont mix mania. J'pisse dans mes fessées, arrangé textu des enragés qui mentent. C'est évident de voir ce qui manque comme un vocaliste qui chante faux. C'est que tu représentes, mais t'es le porte-parole des gens faux. Quand faut, j'me mets quand faut, j'érive sur une compo. Mes manœuvres sur feuille blanche font ma plume danser le tango. J'perds son beat comme une femme quand j'finis, faut qu'elle me dise don go. Chaque lyrique que j'écris te fait dire homme, ou poncho. Cyrano et Karma Alchica, t'laisse avoir les conséquences si tu te pratiques pas. Hey yo, si t'es là, lève les bras, Cyrano et Karma Achika. Toi c'est les lorettes, c'est les libiles. Donne pas l'attitude quand t'entends l'extérieur sur le beat. Je reste dans mon coin, j'analyse. Mais méfie-toi car Cyrano y arrive. S-Ouest, bientôt sur ta rive. Si t'as rien à dire, la ferme. Au lieu de gaspiller ta salive. Lyricalement, on donne des bourrades. C'est pas la tire à donner. Pas de mirage, on est là, les rimes marinées. Un coup exquis poussé au bout. Si le beat est un chantier, nos lyrics sont casse-cou. Je m'en fous ce que ma export. Juste check moi une export. Mon patin est fort, il y a plein d'escorts. J'ai plus de hits que les expos. Et un mac à l'oreille comme exorque. Yeah, on rappe de la sorte, pas de radote. Les gars croient baiser propre tellement ça capote. La voix captée par le micro. Choisis le mot précis pour détruire tous mes rivaux. C'est Trahissien, le Cyrano de Montréal. Et Karma, on rappe plus serré que Shawarma. Les quatre lignes s'appliquant. Mes rimes restent bien packs comme les rues du Pakistan. Je rêve QC Montréal. T'aimes le flow, admire-moi, Cyrano de Montréal. En bref, nous sommes les chefs de ce repas lyrical. Ceci étant dit, bon appétit.